Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on prend l'antenne un peu plus vite que, que ce qui était prévu, mais c'est pas très grave en fait, hein, parce que euh, c'est tout l'intérêt de pouvoir justement euh, jouer avec, euh, avec les codes de Twitch, euh, voilà, moi c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup, euh, on, va, euh, on va pouvoir accueillir toute une série de personnes, ouais <laughs> voilà Miwoki qui arrive. Salut Miwok, comment tu vas Hello. <laughs> Salut tout le monde. Euh, attends, je vais régler un petit coup la caméra. On dit on dit bonjour évidemment à tous ceux qui tous ceux qui nous rejoignent. Salut. Euh, Salut. Euh, on, on on prend l'antenne un, un, un peu plus tôt prévu. Salut Chaos. J'espère que tu vas bien. On avait prévu euh, plutôt aux alentours de 20h, mais il se fait qu'il y a pas mal de gens de, de, de la Citadelle, euh, qui sont d'ailleurs en live pour l'instant, mais tu me disais, il est en, en Thaïlande, donc avec, la, avec le décalage, <laughs> c'est un des fondateurs d'ailleurs de la, de, la, de la Citadelle juste. Oui, 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 c'est un des fondateurs, ouais. c'est l'un des, j'allais dire, piliers de la Citadelle <laughs> Ça, hop. Euh, qui était en live jusqu'à présent, étant il... Ouais, voilà. et donc il était en live. Il, il avait motivé déjà les troupes euh, un, peu, un peu avant de lancer le live, histoire d'avoir histoire euh, du monde qui arrive direct. Ah. Quoi. Donc, euh, et Je me suis dézoomé années années... un peu pour qu'on me voit un peu plus loin. Oui, oui, oui. Mais c est, c est, tu fais bien. J'essaye de, de calibrer un peu de mon côté aussi. Salut Tanguy, euh, sois le bienvenu. Salut, Tanguy. Euh, on, on, on est parti euh, en live en freestyle. Tu me fais sortir de ma zone de confort, hein, mon gars. Tu sais ça. Ah, ah. t'es pas prêt. Hein. T'es pas prêt. Avec <laughs> moi, c'est que ça. Hein. <laughs> non, mais j'adore. Eh, on, on se faisait la réflexion pendant. Euh, voilà, juste avant que. Voilà, moi j'avais, j'avais calibré un peu des euh, trucs avec euh, euh, avec une petite conduite, parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude euh, en télévision. Et, euh, et donc, donc voilà. Ouais, mais euh... puis tu m'as dit ouais, non, il bon, <laughs> faut y aller. C'est bon, euh, ah, okay, D'accord. Les live Twitch, c'est beaucoup plus d'interaction avec la communauté. De... Il voilà. ouais. y, y a beaucoup moins de choses préparées, on va dire. Bah oui, évidemment. Euh, alors là, il n'y a, a pas le chat. Je vais essayer de le rajouter quand même, euh, même ici au-dessus du. On de... faire un petit post Twitter quand même. Je viens, je viens, de... Je viens de le balancer. J'en je de... voilà. avais, je avais préparé un quand même. Ah! Quand même. Ah ouais, Heureusement qu'il y a des gens qui font des choses ici. Boomer, 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 mais à moitié quoi. Tu Est-ce que t'as mis le lien Oui, c'est -ce que... ouais, bon. T'as mis le loin du ouais, Twitch. Ouais. Je sais, mais... Putain. <laughs> oui, parce que ce matin, ce matin, dans un des Twitch, je m'étais planté dans un tag. Je m'étais planté dans un tag. Et ça, ça arrivait de temps en temps que LN24, en fait, il... Ce n'est pas eux qui avaient, qui avaient euh, réussi à choper le nickname LN24 sur Twitter. Donc, c'est LENews24. Et donc, parfois, tu sais, quand tu, tu fais l'autocompletion, boum, ça rip. et Donc, j'ai un tweet ce matin qui est parti avec, euh, avec le mauvais tag. Voilà, ça arrive. J'espère que vous allez bien. Comment, euh, comment vous allez euh, dans, dans, dans le chat on est, euh, on est une petite dizaine, là. Euh, donc, il y a Tanguy. Y a après, dites-nous un peu d'où vous venez, dans quel, coin, euh, dans quel coin vous êtes. Alors, j'imagine que si vous suiviez... Euh, euh, c'est VAP, c'est ça euh, Redis-moi son. Oui, c'est ça, C'est VAP. C'est VAP. Hein. Euh, Vap euh, voilà, c'est ça. Euh, qui est un des fondateurs de la, de la cité Mais qui est en Thaïlande. C'est bon, du trading. Euh, J'ai été, été suivre euh, ce qu'il racontait, euh, qu racontait tout là. -bas. Ah, il y a Valentin qui est là. Salut Valentin. C'est excellent. Oui, salut Valentin. <laughs> Et soir, merci YouTube, le boss. Yes. <laughs> merci C'est VAP pour le raid. <laughs> Ça fait plaisir. Merci d'avoir euh, tenu jusqu'à 1h30 du mat, euh, voire 2h ah, du matin ouais. pour toi. Je sais que c'était chaud pour toi. Ouais. Tu étais, étais en, en PLS, ouais. tu étais fatigué là. <laughs> je voyais, je voyais. Merci en tout cas frérot. Ma, ma, ma fourrure est moins luisante. Ouais, parce que, bah oui, oui, merci beaucoup, Sevab. Euh, J'ai été écouter un peu ton, ton, évidemment, ton live tout à l'heure. C'est fascinant parce que la notion de rabbit hole prend tout son sens, depuis, pour moi en tout cas, depuis, euh, depuis 4-5 mois. Parce qu'à chaque fois que je me retrouve sur des, sur des lives euh, de trading, oh, je prends des claques. Mais je prends des claques. <laughs> c'est magnifique. Ça, ça me fait sortir de ma zone de confort. Tu, vous pouvez pas imaginer. Donc, c'est vraiment cool. Euh, c'est très très chouette et merci encore va c'était c'est vraiment très chouette ce qui est en train de se passer là parce qu'il y a ouais il y a, y a une bonne atmosphère quoi c'est euh, depuis depuis quelques jours depuis l'an mais même déjà avant euh, tous ceux à qui on pouvait en parler Erreur 3000 comment ça Erreur 3000 Erreur 3000 non ça a l'air de marcher non, là, bon, ça hein, fonctionne ça fonctionne avec. Euh... <laughs> ton il fait peur, fais pas peur. Mais ton ouais, fait Il pas peur. fait peur. Ça. <rire> <rire> La dernière fois, déjà ça avait pas mal bugué. Donc, non, s'il te plaît, s'il te plaît. <laughs> euh, J'ai mes yeux qui buguent. Il y a tes yeux qui voilà, C'est avec, quel, euh, avec quelle boîte que tu fais ça enfin, C'est quel soft que tu, que tu ajoutes en surcouche Animaze. C'est Animaze. Okay. Donc, c'est les euh, créateurs de de face euh... face euh... j'ai oublié le nom bah, voilà, alors je, face va, quelque je vais quelque chose que tu, que tu trouves euh... voilà. Tous les noms, je vais remercier tous ceux qui, qui follow là, euh, merci beaucoup euh, Tiber Lerat, merci beaucoup, c'est très compliqué de, ça se fait ou ça se fait pas, parce que moi je, je veux pas être boomer jusqu'au bout des angles, mais de, de remercier les nicknames, je sais qu'il y, y a des trucs avec les nicknames où parfois on essaie de plomber des trucs pour qu'on ait l'air con au moment où on le dit <laughs> Non mais après il y a beaucoup de monde là qui est en train ouais. de te follow, donc il euh, faut dire ouais. bonjour à tout le monde c'est tout, ça suffit bah... Je sais pas, je <laughs> dis, tout je, monde qui je, je vous dis, je vous dis euh, vraiment un, un tout tout grand bonjour euh, alors c'est FaceRig c'est ça d'accord okay. FaceRig euh, ouais. ouais. cool. bah, alors c'est marrant parce qu'en préparant un peu aussi il y a des donc il, y a des, euh, il y a un studio qui, euh, qui s'appelle Dreamwall en, en Belgique qui fait, des, euh, qui fait des, des, des animations comme ça 3D en real time pour la TV évidemment, euh, notamment pour le sport euh, le bonnet d'intérieur, c'est fou là, direct. Oui, parce que si j'ai pas le bonnet, tu vois, moi, moi j'ai plus rien en dessous. Donc, et, euh, et pour l'instant en Belgique. Ça brille quoi. Il fait des... Alors ça, ça brille avec les spots, ça, ça c'est une chose. Non, c'est surtout qu'il fait super froid et donc je, je le garde et, et, et voilà. <laughs> c'est. Euh, mais oui, oui. Euh... Je, je peux pas cacher mon âge. Hein. J'ai euh, 44 piges. J'ai trois ados qui sont là à côté qui se demandent ce que je fous quand je suis dans mon bureau. Euh, parce que parce que voilà, ça fait ça fait un bout de temps que. En fait, ça, ça fait un bout de temps que, que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. C'est juste que euh, moi, je viens d'une génération qui euh, qui est plutôt née euh, ouais avec la télé quoi. Et j'ai eu la chance de me trouver au bon endroit au bon moment quand Internet est arrivé. Et, et voilà. Et comme tout le monde, c'est de s'adapter. C'est Darwin. Hein. C'est mieux que le Ragondin. Je suis pas un Ragondin. Je suis un Panda ou Panda. C'est un, un peu de respect pour mon, espance, pour mon espèce. <laughs> Et du coup, ce soir, on va voir qui alors. Il y, y a qui qui alors, nous rejoint ce soir Alors, ce soir, on va on va avoir toute la bah, toute l'équipe qu'on a qu a qu'on a, qu a réunie pour faire cette euh, cette dinguerie, comme tu dis, parce que c'en est une, je pense, un peu. Euh, on va euh, on va essayer d'expliquer de, de, ce qu'est la blockchain à nos parents. Ou à vos parents, ou à tes parents, ou d'une manière générale à ceux qui sont un peu plus âgés, qui en ont, qui en ont plein les bottes, qui ne comprennent pas, qui se sentent un peu largués, Et parce que l'idée, c'est que tout ce qu'on va faire en ligne là, euh, évidemment, est, 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 est de la matière super intéressante pour préparer une émission de télé, un pilote d'une émission de télé. Euh, pour Hélène24, et Alain, euh, qui est le, le, le producteur d'Hélène24, va nous rejoindre. Euh, à mon avis, il sera euh, euh, aux alentours de 20h15, puisque c'est à cette heure-là qu'on a voilà. fait euh, Il va euh, nous expliquer, on va vous expliquer pourquoi on a monté ce projet, en fait. Et, et l'idée fondamentalement derrière, c'est quoi C'est de renverser ce qu'on appelle la chronologie des médias. D'habitude, on, on fait des émissions en télé, et puis on les découpe, on les tape sur Internet en disant ⁇ Débrouillez-vous avec ça ⁇ ce qui est très frustrant euh, pour, pour, pour les internautes. Et donc, on va essayer de renverser ça. On va d'abord commencer en ligne, on va d'abord faire ce qu'on fait là, et on en fera d'autres si c'est nécessaire, euh, pour essayer de dégager bah, le plus important, en fait, trouver les bons exemples, trouver les bons mots pour expliquer les bons concepts, pour essayer de faire en sorte que le plus grand monde puisse comprendre. Alors, forcément ça va être un peu plus compliqué de, de, de choisir, mais ça, ça fait partie du job. Et on va rentrer en studio fin décembre, euh, 28 ou 29 décembre, on doit, on doit encore valider euh, ça en interne, mais euh, on sait qu'on a déjà le studio, et donc on a monté toute l'équipe, et on va vous expliquer ça, on, comment, on, comment ça se monte une équipe de production en télévision, combien ça coûte aussi, parce que ça coûte de l'argent. Et ça, c'est une partie de mon métier, de réussir à, à produire ça de manière... Waouh, il y a même des flammes et tout. C'est le feu. <rire> <rire> okay. On est dans Colanta. Donc voilà, c'est résumé très brièvement. On va évidemment en parler, on va pouvoir faire plein de trucs. Et c'est voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Euh, salut Futuré Media, coucou. Euh, salut Raph, euh, salut Price. Bah Price, il va, il va venir nous rejoindre parce qu'il fait partie de la team. Et à un moment donné, il viendra, il viendra faire un tour. Euh, salut, <laughs> c'est tranquille, etc. Euh, si si, c'était 20h30, mais c'est pas grave, on fait, on fait un pré-live. On prend, regarde. Il paraît qu'on ne peut pas montrer des marques euh, ostensiblement d'alcool euh, euh, sur Twitch. Donc euh, je vais être très furtif, mais je suis en Belgique. Et donc on boit de la triple carmélite à l'apéro. Voilà, donc santé. C'est <laughs> obligé, hein. c'est comme ça. Mais c'est un peu le pré-life. Ouais, c'est l'apéro. C'est l'apéro, <laughs> voilà. <Alors>, euh, <laughs> Qu'est-ce qu'il y a Salut God for Dean Teams. Ok. Double, Salut, Balotelus. Bolotellus. Toi aussi, tu fais partie des fondateurs. Il fait partie des fondateurs, hein, euh... il partie a... des fondateurs aussi. De la il y a CryptoFlink, Crypto... euh, il y a euh, et 4 euh, modos, okay. plus moi. Donc euh, il y a Selecta, Maiko, Globu, et, euh, et Edrel. Et récemment, on a accueilli euh, Virtuel aussi, parmi les modos. Donc voilà, on a une belle, une belle team quand même. Et c'est euh, 1800 personnes J'ai vu sur, sur le site euh, Instagram. Ouais, on est à 1800, voilà. Ouais, Mais ça grève tout le temps. En fait, à chaque fois que SEVA fait un live, euh, les statistiques, elles explosent. Okay. Voilà. Ouais, voilà, on a gagné, euh, on a gagné 90, 90 personnes en l'espace d'une semaine. Ouais, C'est pas mal, ça, comme stat. Hein. Euh, ouais, pas mal, hein. Je m'absente pendant deux mois et quand je reviens, Miwo construit un projet blockchain à la télé. <rire> <rire> ah, Sacha, faut pas s'absenter chez nous, hein, tu le sais. Hein. C'est bouge vite, hein. <laughs> Salut Matt, au bar oh, Oui, t'inquiète pas, on, 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 va, on va tenir l'antenne une bonne partie de la soirée. Ne euh, vous inquiétez pas, c'est Miwok qui me pousse dans mes, euh, dans mes retranchements et il m'a dit vas-y, fonce. Donc, euh, on fonce. Voilà. Il m'a suivi quand moi je lui ai dit viens, on fonce, on, on, on monte une émission de télé euh, financée avec des cryptos. Il m'a fait Ouais <rire> <rire> Allez, go et Allez, go Donc, euh, <laughs> On n'entend rien. L'Union gagne. Ah oui. Alors c'est soirée foot en Belgique pour l'instant. Ah bah Et donc, ouais. ouais, ouais. Euh, ce serait pas étonnant qu'il y ait quelques euh, quelques Belges. Qui... Alors je ne sais pas s'il y a des Belges dans le chat, dans, dans toute la dans toute la communauté. Ah, a, a, la la citadelle est envahie de, de, de Belges C'est vrai. Pas. Ah ouais. Ah, c'est intéressant de faire des Twitter de Spaces, participatif qui intègre le communautaire. Bonne idée. Bonne idée euh, <laughs> à ce qui faire des Twitter Spaces. En fait. Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant avec les Twitter Space, et, 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 euh, c'est qu'ils sont en train de réussir ce que Clubhouse a raté en fait. Ouais, totalement. Ouais. Mais Clubhouse, en fait, ils ont raté tout simplement pour, une, pour un truc tout bête. Hein, c'est qu'ils ont oublié de, 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 de push ça sur Android. Quoi. Ils étaient en mode non, nous on va faire ça sur Apple parce que Apple c'est pour le luxe. Nanana. Au final, ben, ils sont retrouvés avec zéro viewer et voilà. Quoi. Enfin, zéro utilisateur. Hein. Et c'est con parce que c'était un bon moment. En tout cas, le momentum n'était pas, pas con. Davana comment as-tu connu l'univers des blockchains J'ai envie d'en apprendre plus sur toi. Ah, bah, bah, écoute, avec plaisir. Euh, si, si, si je te dis que ma première transaction euh, Bitcoin remonte à 2011, euh, voilà, c'est un copain, c'est plume.net, euh, Lionel Drico, qui m'a montré ça un jour parce que ça faisait 10 ans, moi, que j'étais journaliste euh, Nouvelle Techno. En radio, en télé, en, en agence web. Euh, et il m'a dit un jour euh, Ouais, check un peu ce truc-là, tiens, je t'en envoie euh, 0,5, euh, un jour tu me diras merci. Et puis, <laughs> puis j'ai fait Ouais, euh, ok, c'est pas un truc de Ponzi, ce machin Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vu à quel point c'est un boomer. <rire> <rire> il a connu le BTC en 2011. Quoi. Le BTC, quoi. Mm -hmm. Saut 2011, Saut 2009. <laughs> on, a, on a retrouvé non, la transaction que... de cette. Enfin, euh, on a retrouvé évidemment la trace hein, de, la, de la transaction. Et, euh, et voilà, c est, c est, c est... Ouais, évidemment, ça fait mal au cul, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Et puis, et puis voilà. Je vois qu'il y a Alain qui est en train de nous rejoindre, donc je, je vais l'inviter à nous rejoindre. Alain, donc de, de ln 24 ah. Salut Alain. Hop. Salut Alain. Hop. Welcome. Normalement, il, il va nous rejoindre ici. Euh, voilà. Salut Alain. Tu es ah, <laughs> il y a Pris qui est reparti à l'apéro. <laughs> vous n'êtes pas belge pour rien. Hein. <laughs> C'est ah, pas vois. apéro H24 chez vous <laughs> H24, non, mais euh, bon, à mon avis, Alain va essayer de se reconnecter derrière. Je pense que. Ah, il est en train de revenir. <laughs> Salut Alain. Je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu nous entends ah, je sais, au début, c'est peut-être un peu difficile de configurer le truc. Il est un peu relou. Il n'accepte pas tout. Vu que c'est un navigateur, vrai. il faut accepter tu tu navigateur fait sur tout. Quel, sur quel navigateur Ah, voilà, c'est ça. C'est selon, selon un peu les navigateurs, évidemment, j'imagine. Mais... Mm. Wow. On va voir un peu. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus ce qu'on dit. Ah oui, euh, bah, bah, voilà. en, en gros, comment je me suis intéressé à tout ça C'est parce que euh... Euh, pour moi, c'est. Il y, y a une notion que, 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 qui me plaît bien dans, dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans mon métier, euh, c'était justement l'aspect collaboratif. Quand, quand j'ai commencé à bloguer en 2005, vas-y, tu peux redire boomer tant que tu veux, euh, en, en, en 2005, c'est une des choses que j'ai écrites dès le départ, c'est de dire j'ai envie d'être le bras armé d'une communauté qui va essayer de se mettre en mouvement pour raconter des histoires, aller chercher des infos, les faire remonter. Et je travaillais déjà dans des médias, je travaillais déjà en radio et en télé, donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Et, euh, et ça c'était vraiment cool. Ah ben bah voilà, il y a, y a Price qui arrive. Tu sais qu'il y a des gens dans le chat qui savent même pas ce que c'est que le mot boomer. Hein. Euh, euh, blog, pardon. Le mot blog. Un <laughs> enfin, petit bloguer ». Il y a beaucoup qui ont fait bloguer, pardon. Bonjour, bonjour. <laughs> salut John. Salut. Comment ça va ah bah, écoutez, ouais. On a, on a, on a toujours. Je suis dans, dans ouais. des vraies conditions euh, Twitchesques, Je suis dans le dressing de mon petit frère. Comme vous, vous voyez. <laughs> on, on peut pas faire plus Twitch quoi. C'est, ouais. génial. J'adore. <laughs> Salut tout le monde. Eh ben, le, bien, le bienvenue. Coucou. Ah, bah, il y a, a, a Florent Flo, qui nous a rejoint aussi dans le chat, à mon avis, il va pas tarder d'arriver. Euh, tu veux que, que, que je revienne plus, plus tard ou... Non, c'est très bien. Bon, on, va, on va présenter les membres de l'équipe les uns parfait. après les autres. Comme ça, c'est cool. Euh, c'est parfait. J'adore ton spot. Hein. Le meilleur spot. Tu sais que c'est pendant. pendant bah, le... ouais, mais alors, c'est parce que c'est une soirée familiale, donc euh, j'essaie de, voilà, de composer avec tout ça. Fais oh, okay. gaffe, il y a, a peut-être Narnia qui va s'ouvrir derrière toi. <laughs> pendant, le, pendant le confinement il y a plein il y a plein de journalistes qui ont, qui ont bossé comme ça dans leur euh, ouais vraiment dans, dans, dans des euh, armoires presque tu vois parce que c'était les seules bonnes conditions pour avoir de, du son qui pouvait passer qui pouvait passer en télé qui pouvait passer en radio euh, salut Kiroua euh, ouais alors il y a Florent qui est là Et, euh, Florent n'hésite pas euh, à rentrer avec le lien que je t'ai envoyé tu peux, tu peux venir faire un tour bah, tant, tant que t'es là John comme ça après tu pourras continuer ton ton repas de famille. Euh, oh, Peut-être un, un ou deux mots sur toi. Merci déjà d'être là. C'est vachement cool parce que tu m'as vachement aidé à peu tout le, tout le Twitch. Toi, tu es, es plongé dedans euh, H24 depuis déjà un bon bout de temps. Tu as senti venir euh, le, le Twitch Game depuis un bout de temps. Tu en fais ton métier, d'ailleurs. Ouais. Un peu. <laughs> euh, ouais, donc. Euh... Euh... Mon métier yeah. à la base, je euh, euh, suis tombé amoureux de Twitch en 2017, et euh, là ça va faire huit bons mois que j'ai décidé d'en de, 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 faire mon métier. Euh, donc j'accompagne différents types de clients euh, sur de la stratégie, de la mise en place, de la technique, euh, du concept, de l'édito, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Et notamment, bah tu es, enfin, es basé au départ euh, à, à Bruxelles, mais tu es pas mal à Paris là. Alors, pour, ouais, en fait, et, euh, je, je suis basé nulle part, en fait, je suis SDF, euh, ce qui est génial, hein. euh, Donc, j'étais à Lisbonne, là, euh, en automne. D'ailleurs, je tiens à préciser que pas, ce ne sont pas des cernes, je me suis cassé la figure en trottinette à Lisbonne. Euh, et donc, du coup, j'ai encore quelques séquelles. Mais euh, donc, ouais, je suis pas mal à Paris parce que la plupart de mes clients sont sur Paris. Euh, et donc, euh, voilà, je vais au gré des clients, au gré du soleil. Euh, donc, euh, voilà. Il y, a, il y a Florent qui. Mais euh, Lisbonne, euh, Lisbonne c'est un bon coin pour les cryptos, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. <laughs> ah ouais, ouais. Tous les jours, il y a des events il y a des trucs, des workshops, des rencontres, des bazars. Oui, oui, c'est clairement de le... place to be, comme on dit, clairement. Mais je vais y retourner, hein. j'attends un peu de me soigner que les fêtes passent et puis j'y retourne. Hein. <laughs> Il y a, y a Florent qui nous a rejoint, bonsoir Florent, salut. tout le monde. Hey, salut, ça va J'ai fait mieux parce que je suis dans, une, dans un chantier ici. <laughs> vous êtes donné le mot, c'était quoi Trou, Trouver l'endroit le plus le le instonible pour faire un stream <laughs> Je ne vous montre pas derrière moi, moi c'est du green keys. <laughs> ah, bah on fait une belle brochette là ouais. <laughs> <laughs> euh, mais si là, Florent, c'est cool on a complètement niqué le, 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 le programme que j'avais que j'avais envoyé mais c'est pas grave c'est ça qui est chouette aussi on fait euh, voilà on profite de twitch du fait voilà c'est twitch c'est ça euh, c'est à moi de m'habituer à ça <laughs> et à habituer mes vieilles habitudes de, de télé mais c'est euh, ça qui est cool aussi euh, par, où, par, où, par où commencer florent parce que c'est rare quand même un avocat qui, euh, qui s'intéresse comme ça à la blockchain. Qui est en avance sur, euh, sur une profession qui est. Je ne vais pas dire qu'elle a du mal à avancer, parce qu'il y a toujours eu des, des gens qui étaient toujours en, 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 en phase avec les évolutions technologiques. Mais la, la blockchain, vous n'êtes quand même pas des masses. Euh, vous n'êtes quand même pas des masses à pouvoir, euh, à pouvoir savoir de quoi vous parlez et puis surtout accompagner des clients puisque tu nous accompagnes sur l'émission tu, tu, tu nous as fait euh, euh, voilà, rentrer un peu dans le cadre légal on aura l'occasion d'en reparler hein, par rapport en fait euh, de financer une, une émission en, avec de la, la crypto-monnaie euh, parce que voilà il y a des, des aspects légaux, fiscaux moi je n'ai pas, pas envie de passer ma vie euh, <laughs> raconter à raconter à des enquêteurs du service public fédéral des finances ce qu'on est en train de faire même si potentiellement, ça nous prend quand même modèle. Mais voilà. Euh, tu fais avocat depuis combien de temps uh, 2014. 2014. Et tu as monté ah, oui. un, un avocat avec des... Euh, vous êtes plusieurs. C'est hein. classique. Mon ouais, un... parcours d'avocat, oui. Euh, parcours classique, euh, trois ans de stage, ça c'est obligatoire. Et puis je, je continue dans le bureau avec qui euh, j'ai commencé. Et puis euh, les années passent, euh, les projets... Euh, Grandissent dans la tête, et puis euh, on, on se décide de, de lancer un nouveau bureau qui s'appelle Avro Avocat. Euh, pour les Liégeois, ils reconnaîtront le, le petit clin d'œil. Euh, c'est mythique, et, hein, boulevard voilà. d'Avrois à Liège, on ne peut pas. On peut pas, on peut pas on peut Mais pas. on n'est pas sur le boulevard d'Avrois, justement, c'est ça qui est merveilleux, <laughs> c'est qu'on est sur la colline de Cointe, qui, est, qui, qui était le bois d'Avrois à l'époque, et pour les, les jours du foot du standard, il y a un café juste devant le standard de Liège qui s'appelle le bois d'Avrois. Euh, et donc en fait, euh, voilà. historiquement, c'était le bois d'avroi, il y avait sur la colline de Coin qui était le bois d'avoir. Et la crypto, t'es tombé dedans quand La crypto, la blockchain, enfin le... le... Euh, ouais, j'ai commencé là, là, un euh, 2017 un peu dans ces eaux-là. Euh, j'ai beaucoup lu euh, pour essayer de comprendre ce que c'était tout ça. Donc, euh, allez, relativement tardivement. Euh, et puis j'ai un peu laissé passer euh, le bear market. Euh, et, et l'engouement qu'il y avait autour de tout ça. Et, et puis là maintenant, je suis euh, à fond les manettes dedans parce que, parce que les choses bougent et que c'est top, je trouve. Donc, euh, allons-y. <laughs> euh, Miwoki, toi aussi, c'est un truc euh, d'envie de la crypto. Euh, vous êtes plusieurs oui. comme ça sur la citadelle à, à, à envie euh, 100% de la crypto, euh, je crois qu'on n'est que 3 actuellement. Okay à en vivre 100% de la crypto. Mais il euh, euh, y a, a euh, Sevap Sechwine qui en vit maintenant, on va dire, euh, entre guillemets, contre son gré, parce qu'il est, euh, est exilé <laughs> en Thaïlande actuellement, donc euh, <laughs> il, il vit de la crypto là-bas. Uh -huh. Et on a euh, CryptoFlink aussi, un autre fondateur, qui, euh, qui vit aussi 100% de la crypto. Et il y a Virtual aussi, euh, qui va commencer normalement, si tout se passe bien, d'ici le début de l'année prochaine, à pouvoir vivre 100% de la crypto aussi donc ça fait euh, quatre modérateurs euh, de la citadelle donc c'est pas mal fond, euh, moi ça F fait Flandre, ça fait déjà trois ans moi déjà trois ans hein. t'en connais beaucoup Tu as beaucoup de, 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 de clients qui vivent de la crypto qui acceptent déjà déjà rien que ça qui acceptent déjà des, 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 des paiements en, en crypto en société, non c'est de... c'est très c'est très limité pour le moment euh, donc euh, donc c'est essentiellement des, des investisseurs long terme qui que je rencontre et quelques quelques personnes qui, qui développent des projets liés à la crypto mais okay. c'est relativement limité pour le moment. Toi t'en connais John Qui en vit vraiment non Qui aimerait en vivre beaucoup euh, <laughs> <mais>, euh... <laughs> C'est ouais, voilà, oui. un autre <laughs> débat. Un autre débat. Mais euh, non non qui en vivent non non non. Mais c'est vrai qu'il y a des aspects fiscaux, légaux qui sont. Euh... C'est. Je veux dire, pour, pour, le, pour, pour des gens dans les, dans les administrations aujourd'hui, c'est un truc qui est être un peu mindfuck, non Le plus dur, c'est les banques. Okay. C'est vraiment le. Parce que payer des impôts, entre guillemets, ma foi, tu euh, fais ta déclaration, tu dis à l'État, viens, voilà, je vous donne 30% ou 33% de mes gains en crypto, ils vont vous dire merci et tout euh, ira bien. Mais par contre. Euh, c'est rapatrier ces fonds et c'est l'utilisation de la crypto qui pose problème et, et ça c'est le grand défi des banques traditionnelles si elles ne veulent pas se complètement se faire éjecter du système à terme. Parce que historiquement... Euh et je trouve que le, le, le documentaire qui a été diffusé par Arte est quand même vachement bien là dessus où, où ils expliquent la genèse euh, du bitcoin et donc forcément aussi de de, de la crypto bah, le but c'est quand même de donner un gros coup de botte aux fesses des banques hein. c'est très c'est très anti-système quand même au départ ouais euh... Mais c'est vrai que je, je, je pense que c'est dans un des streams de la cité que j'ai entendu ça. C'est toujours un peu compliqué, rétrospectivement, de savoir bah, jusqu'où le projet est complètement cyberpunk, ou, ou, ou pas, ou à quel moment les banques, si elles en détiennent ou pas. Est-ce que le fameux wallet de, 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 de Satoshi, est-ce qu'il a terminé dans un four micro-ondes ou pas <laughs> C'est toutes des questions qui vont rester, qui vont rester euh, probablement euh, non répondues, mais qui participent de le... Sauf si Craig Wright décide de, de révéler ses secrets. <laughs> je pensais qu'on parlait entre gens sérieux ici. <laughs> est je l'ai dit avec un grand soupir. Oui, oui, je sais, je sais. Euh, John, toi, qu'on parle, qu parle, qu parle euh, Boulogne, ça te chier sur la citadelle, j'adore. <laughs> euh, merci Joe Labranche d'avoir répondu à la question de c'est quoi c'est quoi la citadelle aussi. J'imagine que c'était ça qu'on qu posait plus haut euh, René Dalton Je pense que c'était ça. Qui, euh, ah bah ben voilà, une communauté sur Discord. Sorry le chat, je, je vais faire beaucoup plus attention à, à ce que vous racontez. Je pense que ça fait partie des bonnes pratiques aussi euh, sur Twitch. Mais voilà, je j ai, j ai pas encore tous les codes de ça. Donc, euh, mon on n'a pas, si... pas de technicien, on, on a juste un homme avec un abonné. Hein, c'est toi. <laughs> Alors, <laughs> euh, ouais, 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 ouais. alors c'est très marrant parce que quand, quand, je, quand je montre aux gens un peu le setup que j'ai là, en fait, euh, y a, vous connaissez Rémi Brica, ça vous dit quelque chose dans, dans le monde du journalisme, quand on me disait euh, à mm -hmm. l'époque, parce que quand je travaillais en radio, et en télé, moi je venais avec mon laptop sur les genoux, et je ne voulais pas de bureau, ça <laughs> m'emmerdait d'avoir un bureau, on me disait mais prends une chaise, tu vas être malade. Bah non, c'est tellement plus chouette d'avoir un, un laptop, et donc ça me permettait comme ça de bouger, de me barrer. Et comme je faisais déjà de la, la vidéo à l'époque, je faisais des montages, que je, je produisais moi-même mes séquences. Euh, euh, pour la radio par exemple euh, on m'appelait Ré Rémi Brica mais c'était pas très positif comme vision de la chose et moi j'ai toujours considéré ça comme que... étant un compliment c'est plutôt cool. il faudrait un modérateur et un opérateur c'est bah, bien ils sont tous les deux là le, le... en tout cas le, le modo principal c'est Price il <laughs> y a un autre modo qui est là c'est Roro salut Roro, ah, il est là dans l'ombre mais il surveille dans l'ombre, attention ah, il est là excellent. salut Roro c'est euh, c'est vraiment très j'ai vu que Alain avait essayé de rentrer bon je sais pas à mon avis il doit, il doit avoir euh, le pauvre il a chopé d'ailleurs euh, comme beaucoup de gens pour l'instant euh, se retrouvent en quarantaine bah voilà je pense que lui aussi c'est euh... euh... mais il avait envie d'être avec nous donc j'espère que si nous entendons pas eh, pas n'hésite pas à réessayer Alain de nous rejoindre via le via le lien qu'on que, que je t'ai envoyé euh, ce serait vraiment cool de pouvoir euh, voilà Parler euh, avec, euh, avec toi, puisque bah, Alain, c'est le producteur euh, en charge des, des, des émissions sur LN24, et c'est avec lui qu'on a monté tout le projet. Euh, en partie, il y a Fabienne aussi euh, qui, euh, euh, qui fait tout le lien pour réussir euh, à en donner à, bah, voilà, à monétiser ce qu'on est en train de faire, parce que c'est l'enjeu. Hein. Si on veut faire des émissions en télé, bah, il faut trouver un modèle économique qui va aller avec. Si on veut en faire plusieurs, il faut trouver, euh, bah, il faut trouver euh, plus, de, plus de moyens pour le faire. Et la chance qu'on a, bah, c'est qu'on euh, peut euh, rêver de ce genre de choses, puisqu'on a une régie média qui va permettre de le faire. Ah, voilà François qui va nous rejoindre aussi. Hop. Ah, voilà François. Toc. On va être beaucoup là. Ah, bah écoute. Je vais <laughs> vous laisser. Je vais vous laisser. <laughs> euh, ok. Euh, parce que je. <laughs> Merci à toi. L'entrée euh, je... commence à être à table et que. Ouais, va là. manger. Euh, ah, euh, ouais. Mais je suis ravi en tout cas de, de, de faire votre connaissance et d'être dans le bateau et on va faire des chouettes trucs. Et bah, bah, de toute façon, à très très bientôt tout le monde. Et je vous suis euh, par écrit. Génial. Merci Salut de tout bien. le monde. Merci. Merci. Bonne, soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Vous m'entendez Il y a François. Et bonsoir. François qui oui. nous a rejoint. Enchanté. Salut François. Salut. Merci d'avoir regardé le PlayStation, cool. mais c'était le seul qui était encore chargé. J'ai un autre, mais il est complètement déchargé. Il est un peu plus classe. Mais tant pis, voilà. <rire> <rire> Salut, Far Ketchup, bienvenue. Merci de nous rejoindre. C'est cool. Um, on aura l'occasion de. Ah oui, bon, on, a, on a pas mal discuté avec Far Ketchup, notamment des, 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 des NFT, puisque. Ah, mais je peux pas dire NFT, c'est ça, euh, Miwoki C'est trop boomer, NFT Ouais, plus non, plus. non, mais ça va, ça va. C'est un boomer, ça passe, NFT. <laughs> les gens, ils bon. le savent, t'en fais pas. Okay. <laughs> Moi qui croyais être vois, sur l'espèce de vague absolue en distribuant des NFT, euh, des POAP, des les, les, les Proof Attendance à mes étudiants, euh, pour leur expliquer justement c'est quoi, quoi euh, la blockchain, c'est quoi, euh, quoi les NFT, bon, ben voilà. Euh... C'est bien, c'est très très bien. Thanks François de nous rejoindre. Avec grand plaisir. C'est vraiment cool. Merci aussi d'avoir répondu à l'appel quand je t'ai appelé. Je ne sais plus, c'était il y a 10-15 jours, je pense. Ah, il y a Alain qui Déjà, merci d'être là et puis merci quand même de supporter des gars comme nous qui sont venus te toquer à ta porte. Est-ce que ça te dit qu'on fasse des conneries avec Hélène 24 mais Surtout, alors... dans... Surtout c'était en deux semaines parce que c'était. <laughs> alors, je vois qu'il essaye de rentrer encore. Euh, Peut-être, François, en, en, en deux mots, tu peux nous dire qui tu es, ton, ton, ton parcours de journaliste, un petit coup, et puis oui, bien ce que tu sûr. fais aujourd'hui. Ouais. Donc, je m'appelle François Jeunette, moi j'ai euh, bientôt 39 ans. Euh, j'ai été dans une autre vie pendant presque 15 ans journaliste pour la RTBF, pour RTL-TVI, pour euh, BX1 aussi en local, euh, pour la DH et la Libre. Euh, donc, euh, pas mal de médias euh, nationaux et, euh, et locaux, euh, que ce soit en web, en TV, mais aussi. Euh, pour le sport j'ai eu l'occasion pas mal de commenter euh, champions league europa league ce genre de choses et depuis trois ans j'ai mon agence de communication qui s'appelle The Flying Fish où euh, bah, je produis réalise des vidéos où je fais du copywriting euh, Beaucoup de digital, forcément, euh, donc tout ce qui est stratégie et communication digitale. Et je suis un énorme fan de, de toute la culture digitale dans son ensemble et forcément euh, de tout l'écosystème qui est en train de se construire euh, au niveau blockchain, au niveau crypto, au niveau euh, euh, métaverse aussi. Euh. Donc voilà, j'ai d'ailleurs mon Oculus Quest 2 qui vient d'arriver, que j'ai hâte d'essayer. voilà. Là, <laughs> <laughs> mais ce qui, est, ce qui est vraiment cool, c'est que quand, 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 quand je t'ai proposé de nous rejoindre, en fait, on, on se connaît depuis un bon bout de temps, on a, on a bossé ensemble à une époque, d'ailleurs où, où, où euh, les filières vidéo n'étaient pas tout à fait ce qu'elles étaient, euh, notamment à la RTBF. On, on a travaillé sur des euh, sur des coupes du monde, on a travaillé, bah, tu l'as dit, on a travaillé sur les JO de, de Pékin, on a monté des filières à la RTBF, et je savais qu'à un moment donné ou à un autre, on allait faire des trucs ensemble. Et exact. Et là, et l'occasion était vraiment trop belle parce que « Tu connais les codes de la télé, tu connais les codes du web, tu sais ce que c'est la blockchain, tu t es, t es, t es dedans. Euh, » Le team était en train de se construire. Euh, Florent est monté dans la boucle donné quand on a commencé à parler euh, légal et ce genre de trucs. Il euh, y a Scan qui va nous rejoindre d'ici, à mon avis, une petite, une petite demi-heure. Scan Tricky qui est motion designer. Il est à Londres pour l'instant, il a voyagé toute la journée parce qu'il donne cours à Londres pour l'instant, mais il, a, il avait vraiment envie d'être avec nous ce soir aussi. Donc on... Et il y a Alain qui, qui essaye de, de grimper dans le live. Avec John que vous, venez, que vous venez de voir. Donc voilà, on est, on est, on est, on est tout intime pour essayer de voilà, faire ça bien, de produire une vraie putain d'émission de télé, euh, avec tout ce que ça comporte comme contrainte, hein, parce que. Parce que... On va, on, va, on va le répéter sans doute euh, suffisamment souvent, mais il y a des contraintes à la télé. Alors, est-ce qu'Alain va réussir à nous rejoindre ou pas J'ai l'impression que c'est son navigateur qui, euh, qui empêche le... Ah, ouais, il a un peu de mal, je pense. Ouais. Ouais, il a un peu de mal. Euh, je vais remonter un petit peu dans le chat parce que je vois qu'il euh, y a Cryptofling T'inquiète, t'inquiète. Merci, oh, uh, et... merci, merci d'être là. Um, Cofondateur hein, de, de la citadelle. Juste. Euh, même fondateur primaire. Fondateur, ouais, fondateur primaire. Ah, c'est le, le boss, ouais. c'est ça C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Alors, hop, il faut que je fasse ça. Je fais en même temps la, la manip pour essayer d'amener Alain. C'est autour de lui que tout s'est okay. créé, tout s'est fondé. Tout le monde s'est réuni autour de lui. Donc voilà. OK. Donc le, 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 le big boss, alors, on va essayer de ne pas dire de... C'est quelqu'un de très agréable à vivre et c'est pour ça que tout le monde a assez a, rapidement euh, plu à, à faire des choses avec nous, parce que, surtout avec Flink, parce mm -hmm. que c'est quelqu'un qui est vraiment agréable, avec qui tu peux discuter facilement, tu peux amener des idées, il sera toujours prêt à vouloir tester des choses. Voilà, quoi. Il, il a l'esprit ouvert et il est prêt à vouloir faire des choses et, et c'est ça qui est bien. Ah bah, il, il, il J'imagine en tout cas que pour monter... Enfin, c'est même pas pour monter, c'est pour réussir à agréger autour de soi une communauté comme celle-là. Il faut forcément être quelqu'un de très, très affable et très. Ou je vois qui. C'est quoi <laughs> C'est Walker <laughs> qui arrive. Le sub. Ok, ah, c'est un seul. <laughs> c'est Walker. Ouais. Génial. Bah, grand merci. Merci beaucoup, Walker. Il <laughs> euh, faut que je set-up, d'ailleurs ces trucs-là un peu mieux parce que. Faut, faut que j'arrive à tout gérer en même temps. T'as vu mon écran l'autre jour, Miwoki? C'est ouais, bah ouais, ouais j'ai ouais, vu. vu T'as un sacré setup. Hein. Il, il a un setup de fou et, et il l'utilise comme un boomer. C'est horrible. <laughs> je prends, je prends, je prends. Je prends, je prends, je prends. Et, 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 et j'assume pleinement. Alors, j'essaie de répondre à Alain en même temps parce qu'effectivement. Euh... Ouais, bah du coup, on a peut-être des questions pour ceux qui s'intéressent, ouais. mais euh, peut-être plus pour le côté euh, avocat du coup, parce que je sais que ça c'est un domaine qui n'est pas forcément euh, facile pour, la gêne, pour, pour beaucoup de gens. Euh, comment, euh, comment un avocat qui se lance là-dedans, comment ça se passe, euh, comment, comment les gens interprètent euh, la crypto, euh, que ce soit d'un point de vue légal, que ce soit d'un point de vue en Belgique, que ce soit d'un point de vue en tant qu'un avocat, euh, les lois qui avancent dessus, bref, un peu, un peu de tout. Je dois répondre à tout ça. Non, <laughs> mais de as, juste, juste donne-nous ton ressenti en tant qu'avocat dans ce comment ça euh, se ouais. passe actuellement. Quoi. Alors, l'avocat est par définition quelqu'un qui est parfois fort ancré dans un certain traditionnalisme. Donc, euh, effectivement, toutes les, tous les aspects tech et un peu nouveauté, ça, ça fait peur. Euh, J'ai pas beaucoup de potes avocats qui, qui connaissent les cryptos. Ça, c'est la première chose. Euh, par contre, au niveau légal, il y a quand même une, une bonne. Euh, un bon mouvement qui se passe notamment au niveau de l'Union européenne, où il y a un règlement qui a été proposé en 2020, septembre 2020, sur le marché des cryptoactifs. On a essayé de catégoriser différents types d'actifs cryptographiques en fonction de leur utilité, si c'est une monnaie, si un actif réel, pareil, etc. Et là, tout récemment, il y a un mandat de négocier qui vient d'être donné. Donc, les choses sérieuses vont commencer. Et puis, au niveau légal belge... Je pense qu'il y, y a une certaine forme de, de, de terrain vierge, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'en réalité, euh, je, je viens d'assister à, un, à une petite conférence sur les NFT. Euh, désolé si c'est pas le bon mot qu'il faut utiliser, mais euh, mmh. en, en soi, les gens se tracassent sur le régime fiscal des NFT. Mais euh, je prends l'exemple des ebooks. E euh, à un moment donné, on a fait des ebooks et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ben, alors, En soi, c'était un livre qu'on a mis euh, sur, le, sur Internet et et on, on applique de la TVA, comment est-ce qu'on fait Et on peut très vite rattacher euh, beaucoup, beaucoup de choses. Alors il y a toute une série de, de spécificités dans les cryptos qui, qui ne sont pas nécessairement rattachables, mais euh, notre droit est assez euh, solide pour pouvoir absorber ce type de technologie. Donc euh, c'est peut-être un message rassurant que je voudrais euh, faire passer. <laughs> Très bien, bah c'est déjà une bonne nouvelle. Du coup, en fait, c'est ce qu'on dit souvent. En fait, c'est que les la, la, la blockchain et les, les NFT, les crypto-monnaies, tout ça, en fait, rajoute une surcouche sur des choses déjà existantes. Donc, au final, euh, on a déjà les lois qui sont capables de pouvoir absorber les nouvelles technologies. ce qui arrive. Donc, il faut juste un temps d'adaptation pour que ouais. on va dire que tout le monde suit. Il faut juste que le, les autorités mettent dans la même case. Que nous. Parce que sinon, effectivement, si je vais à droite et qu'ils disent que c'était à gauche qu'il fallait aller, aller, ça risque de poser problème. Mais euh, si, si on fait preuve de bon sens, il y a, y a quand même moyen de s'en sortir euh, dans, dans, dans la majeure partie des cas. Ok. Et euh, euh, politiquement parlant, est-ce que tu as des retours, des échos Comment ça se passe politiquement parlant euh, Ouais, j'ai des échos. Il euh, y, y a certains députés qui, qui essayent un peu de de, de qui se rendent compte de, du mouvement qui est en train de, de se passer un peu partout et donc il euh, y a un député bruxellois qui est très actif sur les NFT, sur les pardon les cryptos c'était lui qui organisait avec euh, une autre personne euh, la conférence tantôt donc c'est Christophe de Debeuceler qui lui euh, participe un peu à, à l'écosystème euh, euh, bruxellois euh, wallon belge euh, et il, il cherche vraiment du à écouter les acteurs de, du monde de la crypto pour voir ce qu'il peut faire lui en tant que député comme profession de loi et à côté de ça il y a une commission parlementaire euh, dirigée par Gilles Van de Bure, pour ceux qui connaissent sur justement les cryptoactifs, ils font des auditions euh, régulièrement. J'étais convoqué euh, pour une audition le 14 décembre, donc c'est-à-dire euh, hier. Mais euh, Covid oblige, euh, on a annulé, c'est reporté au 18 janvier. Donc le, le Parlement euh, écoute des acteurs du monde de la crypto pour voir euh, dans quel sens euh, légiférer. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose parce que... L'habitude, c'est malheureusement souvent l'inverse en Belgique, on légifère et puis après on se dit ah ben on aurait demander à des gens qui s'y connaissaient pour savoir ce qu'on doit faire. Euh, donc ici, on fait l'inverse, c'est pas mal. Ça est une très bonne nouvelle. Hein. Mais du coup, on accueille Alain, ouais. c'est ça et bonsoir! Merci, merci beaucoup, <laughs> beaucoup d'être là, Alain. C'est euh, vraiment très cool. Um, on, a, on a pris l'entente un peu plus tôt que prévu parce que Miwoki m'a dit Moi, si, il faut y aller, c'est comme ça, c'est sur Twitch, je ne fait pas de la télé. Ici. Je Ouais, mais quand même un peu. <rire> <rire> mais toi euh, C'est euh, vraiment cool d'avoir été là. J'espère que tu vas bien parce que je sais que tu as chopé la crasse. Euh, que ça va un peu mieux. Ouais, oui, il... oui, 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 oui. Ça va. Super. Um, Hélène24, tu es en charge de la production des émissions. là-bas, euh, Peut-être d'abord redire un mot sur c'est quoi Hélène24 <laughs> pour, pour les gens qui nous rejoignent. Alors, ben, on, euh, on, se, on se définit de manière très très simple. Nous sommes la première chaîne d'information in, 24 heures sur 24 en langue française en hein, Belgique. Voilà. Il n'y en voilà. avait pas avant. C'est énorme. Et, et, euh, et ça, c'est euh, cool. Elle a 3 ans euh... Elle a 2 ans. Deux, deux ans, ans. On, vient, on vient de fêter les deux ans. Excellent. Bonjour euh, Manix, j'imagine. Euh, Psycheur, oui, on est, on, est, on est un peu tôt. Et tu n'es pas en retard, c'est nous, nous qui avons pris. Euh, on non, a lancé un, un peu d'avance. On, on prend l'apéro. Voilà. Ouais, on, on, <laughs> euh, on, on fait chauffer le terrain. Euh, donc, première, la seule chaîne d'information en continu en Belgique. Euh, et à un moment donné, on, bah voilà, moi, il se fait que j'ai eu la chance de pouvoir. Euh, rencontrer Katharina, Martin, les fondateurs, euh, Johan, euh, dans mes vies antérieures, on va dire ça comme ça. Et depuis, euh, depuis une année maintenant, euh, bah j'ai des chroniques, euh, le mercredi matin. D'ailleurs, on va en regarder une tout à l'heure, parce que évidemment, euh, j'ai annoncé l'émission d'aujourd'hui, euh, ce matin, pendant, pendant, pendant ma chronique. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a un coup à jouer avec, euh, avec ces fous furieux qui, euh, qui ont des pandas euh, <laughs> en avatar, à l'antenne. Et... <laughs> comme, comme on le disait au départ, euh, LN24 est une, une jeune chaîne, la plus jeune, dernière entrant sur, sur, sur le marché francophone belge. On se doit donc d'être plus agile que d'autres sur toute une série de domaines. Euh, il y a toute une série de thématiques qui sont évidemment dans l'ère du temps. On pensera au développement durable, à la mobilité, à la notion de croissance, de bien-être. Et évidemment, la culture, générique, euh, la culture numérique pardon, fait intégral intégralement partie de cette de ce, de ce ère du temps. Et donc, mmh. comme on se dit que les idées, c'est l'ère du temps, il faut... Être le premier à, 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 à l'attraper au vol, parce que sinon, parce que sinon on est des suiveurs. Donc, on fait tout pour être effectivement les premiers à pouvoir faire une émission qui, je l'espère, démontrera en fait euh, peut-être la, la, la théorie du journalisme d'aujourd'hui qui est d'aller puiser des informations sur les réseaux et puis de les faire remonter, de les simplifier et, et, et de la rendre accessible compréhensible au, au, au plus grand nombre via le, le, le média de la télévision qui reste encore le média le plus regardé par les euh... boomers <laughs> dans lesquels je suis donc très volontiers mis mais c'est ça on sait, on sait bien qu'on y a euh, on parlait de la chronologie des médias tout à l'heure moi c'est une des choses ouais. que je trouve euh que je trouve assez fascinante dans la démarche que qu'on qu a eu et, et presque je vais pas dire par hasard parce qu'on a fait euh, on se tourne autour sur cette idée là depuis quand même un bon bout de temps avec Hélène 24 euh, oui. ici euh, on a on a eu il euh, y a eu une opportunité en est de se dire ok là on peut on peut le proposer on peut le faire on va d'abord anticiper ça en ligne on va faire en sorte de faire remonter Plein de choses intéressantes. Et tout ce qui va se passer dans le chat ce soir, bah, voilà, c est, c est, c est... Et qui a déjà commencé d'ailleurs, parce qu'on a déjà pas mal de liens qui sont en train de remonter. Et ça, c'est François, euh, entre autres, qui va, qui va éditer, puisque c'est son rôle au, au sein de la team. Euh, ça, c'est quelque chose... Il euh, n'y a pas de télé qui a, qui a, qui a déjà osé faire ce pas-là. De dire, euh, on ne va pas prendre de la télé pour la foutre sur Internet, on va, on va profiter de la dynamique de ce qui se passe en ligne. Pour faire remonter un maximum de bonnes choses et effectivement faire des choix pour aller s'adresser à une cible qui est, qui est plus âgée. Qui est, euh, la, comment on décrit la cible de, de, le public cible de, de, de LM24 il y, a des, il y a des caractéristiques particulières On va dire que globalement, c'est ce peut-être prétentieux de dire ça, mais ce sont les décideurs. Mmh. Euh, ce sont des, des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Euh, ce sont des gens qui euh, qui ont envie de globalement de d'être informés, de prendre les choses en main et c'est pour ça que nous en tant que médias, nous devons absolument être le, le, le média qui donne les clés pour mieux comprendre et pour mieux anticiper le monde de demain. Parce que euh, à titre personnel, j'ai été parmi les pionniers à tenter de fournir du contenu intelligent euh, et, et intelligible aux réseaux sociaux puisqu'en 98 allez euh, oui, en 98 à l'époque euh, je, je, je créais Samarcande qui avait pour objet de fournir du contenu interactif à ce qui était encore Skynet à l'époque, qui venait d'être racheté par, euh, par Belgacom. Et, et, et à l'époque, on croyait que les journalistes et les auteurs allaient pouvoir créer l'interaction et raconter des histoires. Mmh. Euh, raconter des histoires que l'audience au, 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 aurait simplement euh, lu à, tra à travers une série de chroniques faites par des spécialistes c'était mmh. sans imaginer que bientôt allait arriver Facebook, Instagram et puis euh, tout, la, 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 plein d'autres <laughs> choses et donc je me dis que si, que, que si moi euh, qui à l'époque était parmi les pionniers je me sens aujourd'hui largué parce que parce que les les spécialistes, consciemment ou inconsciemment, ceux qui sont les experts se complaisent à des discours opaques et nébuleux. Euh, j'ai fort peur pour euh, la petite entreprise et l'entrepreneur qui, 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 en de qui est totalement en dehors, en dehors du monde des médias et qui, pour, et qui pourtant, a besoin de, 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 ces, de, de ces réseaux sociaux et de ce nouveau monde pour pouvoir vivre aujourd'hui. Yes. Parce que le, bou le bouche à l'oreille traditionnel et classique ben, ne fonctionne plus de la même façon aujourd'hui. Il faut, il faut s'intégrer dans, 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 dans le monde d'aujourd'hui et le comprendre. Il y a Alain, Alain, dans le chat, on dit que tu as un petit côté Walter White. Je confirme. Je vote. Exactement. C'est Exactement. le premier truc que j'ai eu comme réflexion quand il est arrivé. J'ai fait waouh ouais. ». On -sico -sico a Breaking Bad ben euh... avec nous. Ce ouais, <laughs> Cisco qui dit euh, j'adore cet accent. Bah, on ne peut pas le planquer, hein. on, est, on est belge. Ah et ça ouais, voilà est, ça fait partie de, ça fait et... partie de, 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 de qui on est et, et voilà c'est ça, ça qui est cool aussi j'imagine un décideur qui débarque ici qui tombe sur un mec abonné un panda un sur un chantier un autre qui joue à la <laughs> PlayStation c est, c est, on coche toutes les cases pour, pour avoir du poignard <laughs> bah, après tout on vient construire des choses hein, donc c'est parfait <laughs> voilà. euh, bonjour Phoenix euh, salut Nathalie euh, bonjour, bonjour. Il y a euh, qu'est-ce que j'ai encore vu euh, arriver tout à l'heure euh, c'est lui. Excellent. Oui, tanguy, Pé, tu fais bien de faire les traductions, effectivement. Euh, 98, c'est 98. On va, on va encore en faire comme ça. Alors, il y, y a des trucs, il ne faut pas hésiter. Et moi, on va, on va faire ça aussi. Mais c'est, euh, c'est aussi ça qu'on va essayer de faire avec, avec françois, entre autres, quand on va éditer la, la conduite. Et on va vous la montrer tout à l'heure, parce que la conduite, on va, on va l'ouvrir, tout simplement. On sait qu'on a 20 minutes de pilote à essayer de produire, à essayer de construire tous ensemble pour euh, la, fin, la fin du mois de décembre. Forcément, on va devoir faire des choix. Et forcément, comme l'a dit Alain aussi, ben, on va devoir non euh, simplifier, oui, sans doute, probablement, mais surtout être très, euh, euh, très clair dans les mots qu'on va utiliser. On se rend bien compte euh, que quand on, quand on jargonne, euh, on tombe vite dans l'entre-soi. Et l'entre-soi, il est très cool hein, dans, plein, dans plein de trucs. C'est ça, ça aussi qu'on se reconnaît euh, euh, quand on a des caractéristiques communes. Mais on a un enjeu pour la télévision c'est qu'on doit ouvrir ce. ce J'allais dire la boîte de Pandore, mais euh, presque. On doit, on doit ouvrir ce lectorat-là. Ça, c'est quelque chose, François, toi qui as travaillé en, en, en télé dans les, dans les années précédentes, à la RTBF, à RTL, la vulgarisation, c'est pas vulgaire en fait. Euh, c'est un exercice qui est compliqué. Pas facile ce qu'on qu 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 va essayer de faire, <laughs> c'est un truc un peu compliqué. C'est vachement compliqué, surtout sur des c'est quand même technique de base. Ouais. Euh, maintenant, euh, très clairement, je pense que c'est euh, ce sont des termes qu'aujourd'hui euh, tout le monde, y compris vraiment euh, les personnes, euh, vraiment monsieur et madame, tout le monde ont entendu parler, euh, que ce soit de, de crypto-monnaie, de blockchain, euh, que ce soit de métaverse aussi. Aujourd'hui, ce sont des mots qui. Ils sont là, ils flottent autour de nous. Euh, les toucher, comprendre leurs concepts, ce n'est pas encore à la portée de tous parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'infos et que ça reste technique. Et donc oui, ce sera le, le beau défi qu'on va se rendre, euh, qu'on va, qu va mener, c'est vraiment euh, bah, expliquer ces concepts de manière le, la, la plus simple possible, euh, histoire que vraiment les, les gens aient une, une image claire de, de ce que c'est et de ce que ça apporte, des avantages. Mais aussi peut-être des inconvénients. Forcément, on sera euh, dans les deux sens. On va essayer d'être objectif et neutre, évidemment. Mmh. Euh, ça, Miwok, c'est un truc. Euh, c'est là-dessus aussi qu'on s'est qu rejoint quand on, a, euh, quand on a discuté de tout ça, cette notion de vulgarisation. Alors, on t'en au début hein, par rapport à ce que vous ferez sur la citadelle, mais c'est là où les mondes, les mondes se rejoignent c'est là où les fils se touchent dans, dans, dans le projet. Ah oui, mais totalement. En fait, déjà, le, le but même de la création de la citadelle, c'était de réunir des personnes pour pouvoir en discuter et pour pouvoir justement faire de la vulgarisation, mm -hmm. euh, amener les gens à comprendre quand même quelque chose qui est assez, bah, qui était assez flou, qui était mal amené sur les réseaux, qui était mal amené sur la télé. Bref, c'était, ça, ça reste encore aujourd'hui assez dur de pouvoir euh, euh, comprendre tout ce qui se passe. Mais, euh, mais voilà, euh, maintenant, on est au stade où euh, on peut commencer à en parler de passe-temps sans, sans, sans avoir peur parce qu'on a vu que Facebook investit 10 milliards dans, dans le metaverse, on voit Adidas qui rentre dans les projets on voit des, bah maintenant des entreprises comme Deloitte l'une des plus grosses entreprises du monde hein, dans le top 4 mm. euh, qui investit énormément dans la blockchain donc maintenant on peut commencer à en parler et dire bon ben bah, on fait quelque chose qui n'est qui pas que un truc de nerd dans son coin et qui fait mémuse avec des, avec des jetons qui valent rien quoi Exact, euh, on dit dans le chat qu'il y a des bugs de son, euh, vous aussi vous avez des problèmes pour le son Moi de mon côté ça a l'air de passer le, le, la C'est général, le bug de son... Moi je vous entends très bien en tout cas, okay. oui moi aussi. Il euh, y en a d'autres qui ont des problèmes Ils de son sont... Salut Bérangère, bienvenue, ah. coucou, content. Non content, apparemment ça a l'air d'aller sur le, sur le live, oh. j'ai regard... écouté un peu et ça a l'air d'aller. Okay. Bon. Non non c'est ok, il y, okay. y avait des personnes qui avaient des problèmes okay. de son, mais c'est ok. Euh, et donc on disait par, par, par rapport à cette notion de vulgarisation, bah c'est là où on se dit que voilà on va on va essayer de on va essayer de jouer ensemble là-dessus, on va essayer de construire des trucs. On aura l'occasion euh, de, 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 de rediscuter de c'est quoi euh, la blockchain juste après. Peut-être qu'on va on va vous expliquer l'idée qu'on a eue et qui là aussi est un peu un peu euh, un peu mais mais qui est, en fait est complètement dans dans, dans l'idée même de ce qu'on est en train de faire là. C'est que pour pouvoir donner envie à des annonceurs, pour pouvoir donner envie à des marques, pour pouvoir donner envie à des partenaires de se, de se joindre à cette, à cette aventure-là, bah, il fallait faire un pilote. Un, un pilote, bah, c'est un proof of concept en fait. Hein. C'est d'essayer de synthétiser toutes, toutes les idées qu'on peut avoir et puis d'en faire un vrai objet qu'on va pouvoir aller montrer. Euh, à des annonceurs et ça c'est un processus assez classique euh, c'est comme ça que ça se passe là hein, en télévision d'habitude on fait euh, on fait un pilote euh, on, on, on met tout le monde euh, en route comme si on allait produire quelque chose qui allait être diffusé et ce et ce produit là bas on va l'amener euh, devant euh, devant les yeux des annonceurs et c'est ça qu'on s'est dit moi c'est ça avec euh, avec ma boîte et la façon dans laquelle j'agis avec le avec le lab bah, je teste comme ça beaucoup de choses il euh, y a Parfois des trucs qui ne marchent pas, même souvent. Puis de temps en temps, il y en a qui marchent. Et là, pour le coup, ça a matché parce que euh, bah on s'est dit Moi, je vais faire, je vais prendre le risque industriel. Il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. C est, c est, on, va, on va financer le travail des gens qui vont produire ce, ce pilote-là. Donc le travail de François, le travail de John que vous avez vu tout à l'heure, le travail de Florian, mon travail, le travail de Scan aussi qui va venir, le travail des gens d'Elene24, parce qu'il euh, faut faire ça dans, dans des conditions correctes, dans un studio, avec des techniciens, avec des gens. On vous montrera tout le budget, parce qu'on voilà, a envie de le faire de cette façon-là, la blockchain. Bah, y a, y a, ça amène des notions de transparence, on va le faire aussi. Et, et, et puis il y, euh, y a un panda qui a dit euh, bah, on, pourrait, euh, on pourrait donner un coup de pouce pour que ça ait lieu quoi. Et donc euh, quand on met tous ces ingrédients là autour de la table, ça arrive à ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Et j'ai vu dans le chat déjà, euh, une série de gens qui ont posé la question. C'est vous, euh, c'est vous qu'on peut vous aider. C'est vous qu'on peut. Euh, bah voilà, on va, on va, on va vous en parler. Euh, on va vous en parler tout de suite. Alors je ne sais pas si on, peut, on commence d'abord par le budget ou on commence d'abord par euh, par le principe même de d'être euh, payé en, en crypto. Bah, c'est un truc. Ça, Florian, tu disais, on n'en a pas encore vu beaucoup, euh, voire même pas du tout. c'est jamais arrivé. Ouais. C'est une, une première ce qu'on est en train de faire là. Ouais. ouais, ouais Juridiquement, c'est n'est pas très compliqué. Maintenant, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, le traitement euh, de mettre dans les bonnes cases et, et de comprendre surtout aussi euh, le mécanisme. Et ça, c'est ça qui, qui fait peut-être euh, la beauté, mais en même temps la difficulté de la chose, c'est de, de pouvoir rattacher ça à des concepts qui existent et, et pouvoir euh, après euh, transposer ça dans, dans un business model. Donc, euh, et il et, et y a de plus en plus... Euh, de, de crypto qui rentre dans le monde euh, classique, mmh. mais effectivement cette, euh, ce sponsoring euh, crowdfunding euh, <coughs> par l'intermédiaire de, de la Citadel c'est génial de un euh, et, et, et de deux c'est un beau projet euh, pour la suite quoi ouais. et, mais c'est vrai que comme on disait aussi tout à l'heure on ne on, on, on cherche, euh, cherche pas à se faire euh, euh, à se faire boxer quoi euh, Puisqu'on va en parler euh, publiquement, bah forcément, potentiellement, ça va attirer l'attention. Donc il faut qu'on qu puisse montrer euh, comment on a fonctionné. On a d'ailleurs fait une convention avec, euh, avec la citadelle euh, pour, pour, euh, voilà, pour que les choses soient un, peu, soient un petit peu cadrées. Je ne sais pas si les problèmes de son sont réglés pour ceux qui en avaient. Euh... Oui, non. Euh... Pour moi, ils ont trouvé une solution. Vous, a vous avez ils trouvé une solution okay. cool. euh... Ah, voilà. Ok. Si c'est bon pour le son pour tout le monde, oh, euh, euh, CryptoFling, le son c'est bon pour toi ou pas N'hésitez pas à nous dire. C'est vrai qu'on charge un peu la barque avec pas mal, de, pas mal de trucs, mais en principe ça devrait passer. C'est là mais que non. John ça en fait euh, revient en me disant Je t'avais dit de passer par OBS et pas toi. <rire> 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 mais oui, mais bon, ça on te l'a dit depuis une semaine. Hein. <laughs> euh, mais, attends, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait quoi Ça fait une année ça fait une année que je fais des euh, que je fais euh, que j'anime des conférences que j'anime des, 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 des trucs comme ça en ligne avec ce système-là où je me suis cassé la tête pour pouvoir faire ça bien avec des voilà c'est iCam que j'utilise je sais pas s'il y en a d'autres qui l'utilisent dans le euh... ah c'est tout super génial euh, bah moi ce que je vous propose c'est de vous expliquer un peu le principe alors déjà je vais je vais vous montrer euh, la bah, ce, 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 ce principe d'avoir euh, un budget voilà le budget il est là euh, c'est un, un, un budget qui euh, qui tient compte de bah voilà de tous les postes dont on vient de vous parler hein. euh, pour la préparation pour euh, tout ce qui est de l'ordre de la technique tout ce qui est de l'ordre de l'édition tout ce qui est de l'ordre voilà on, on a fait un choix c'est de se dire qu'on va on va essayer de, pour le faire bien bah il faut que les gens aient envie de bosser pour que les gens aient envie de bosser il faut que ce soit fair enough pour tout le monde euh, et donc il faut il faut que le travail de chacun soit soit rémunéré correctement moi bah, c'est comme ça que je travaille depuis euh, bah, depuis toujours en fait et donc il y, y a des projets qu'on arrive à monter il y a d'autres qu'on n'arrive pas à monter et puis forcément en donné c'est le fruit d'une c'est le fruit d'une négociation donc pour faire un, pour faire une émission bah, voilà euh, voilà ce qu'on a besoin en termes de d'infrastructure voilà ce qu'on a besoin en termes d'édition en termes d'animation en termes de coordination en termes d'infrastructure vous voyez qu'il y a quand même alors il y a pas mal de postes mais il je peux vous assurer qu'on a on a fait euh, euh, là aussi, on a été euh, au plus simple possible et, et au plus efficace. Euh, je peux vous assurer que si on essayait de faire la même chose à Paris... <laughs> Vous, vous rajoutez un zéro, <laughs> euh, ou presque. Euh, donc, mais on essaie de faire en sorte que tout le monde soit tout le monde soit payé correctement pour pour, pour ce boulot-là et la ventilation. Ben voilà, ça ça fait partie des ça fait partie des choses qu'on va qu'on qu va régler tous ensemble avec notamment euh, l'apport de euh, de Florence sur sur l'aspect sur l'aspect euh, plus euh, plus légal. Euh, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est euh, la conduite qu'on va qu'on va travailler tous ensemble. Euh, puisque c'est ça qui va être le euh, j'allais dire le cœur du réacteur au sein duquel on va, on va pouvoir travailler euh, et construire cette chronique avec françois donc à l'édition euh, où on va le faire euh, on va le faire tous ensemble c'est ça, ça qui va être cool je suis chaud pour vous faire un jingle Yeah, merci Joe lavanche bah ça va ça va être cool ça <laughs> bah, voilà c'est toutes des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler de, de manière collaborative et j'ai repris euh, la façon de travailler de de Valentin Squirello euh, qui était là avec nous euh, euh, au tout début du au tout début du chat je sais pas si tu es encore là Val euh, mais j'ai vu que tu, tu travailles tout à l'heure avec Notion et de manière euh, quasi automatique bah voilà on, on a documenté tout ça donc tout ça est public tout ça vous pouvez le retrouver c'est sur sur mon, sur mon site euh, et on va euh, documenter tout le processus il euh, y a l'émission de lundi qu'on a fait qu'on a fait ensemble pour vous parler euh, déjà un peu de tout ça et puis euh, voilà la conduite qui est en construction évidemment. On va, euh, euh, je vais dézoomer un tout petit peu. Je voulais faire en sorte que vous puissiez bien lire. Mais il y a, il y a plein d'idées évidemment. Il y a plein de trucs qu'on pourrait, euh, qu pourrait commencer à, à, à mettre en place. On sait qu'on va devoir faire des choix. Et ce qu'on va essayer de faire ce soir avec vous tous, si ça vous botte, bah, c'est d'aller essayer de trouver les bons projets, les bons liens les bons explications les bons explications c pas français, les bons tutos les bons euh, les bonnes vidéos les voilà tous ces trucs là qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir expliquer c'est quoi la blockchain à nos parents aux boomers <laughs> mais on va je, je le redis c'est de manière très euh, très bienveillante qu'on va dire ça euh, mettez-vous mettez-vous vraiment dans cette dans cet état d'esprit là nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez prendre l'émission et dire à, 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 à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, à, à tous ceux qui vous posent la question de Mais c'est quoi ton taf là où tu travailles sur la blockchain, où tu travailles avec les cryptos C'est quoi ton truc Tiens, regarde et on en reparle après. Voilà, ça, ce serait un kiff absolu si on arrivait à faire, euh, euh, à faire ce genre de choses. Parce que si on arrive à le faire avec la blockchain, ça veut, ça veut dire qu'on pourrait le faire. Et c'est ça l'ambition, hein. on pourrait le faire avec d'autres choses. On pourrait le faire avec euh, l'intelligence artificielle, on pourrait le faire avec euh, la mobilité, avec l'énergie. voilà. Les, les thématiques liées aux nouvelles technologies, à la culture numérique, il y, a, pff, il y a tellement à faire. Il y a tellement, 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 tellement à faire. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut se donner aussi les moyens de le faire. Ouais, mais... D'ailleurs, je t'ai envoyé euh, un lien euh, sur Discord ouais. pour que les gens voient que tout est, euh, est transparent. Euh, si tu peux juste l'afficher. Je vais le switcher. Voilà. C'est celui là je pense C'est ça, c'est celui là voilà. Donc euh, là tu peux refresh Normalement ah ouais, donc, Tu vas dans le profil y minutes, donc, euh... Ouais c'est ça yeah. Voilà <laughs> Donc euh, voilà Donc maintenant vous pouvez commencer Déjà à envoyer de l'argent Donc euh, voyez euh, et le but est que tout ça est auditable c'est à dire que vous pouvez euh, directement aller à cette adresse et euh, vous pouvez euh, regarder euh, l'argent qui arrive l'argent qui sort qu'est ce qui qu'est ce qui se passera avec l'argent bref avoir une visi, une visu sur tout ce qui se passe avec l'argent qui sera utilisé euh, pour, le, pour le projet donc euh, voilà vous, vous, serez, euh, vous serez les audits euh, du, du wallet en fait c'est moi, je trouve ça tellement kiffant de le faire comme ça. Et ce n'est pas, euh, pas, pas pour le stunt euh, ou, ou pour l'effet de manche. Hein. C'est vraiment un truc. Moi, je suis convaincu que l'asset le, le, principal qu'on a quand on est journaliste ou quand on travaille dans le monde des médias, c'est la confiance que les gens nous font. Et une des manières d'enrichir, de, de, de nourrir, de continuer à montrer qu'on peut être digne de confiance, c'est de dire ben, voilà, on, voilà comment on travaille, on vous soulève le capot et on vous montre comment on bosse, on ne cherche pas à vous enfumer, on ne cherche pas à être le relais d'un. Euh, on ne fait pas de la com, même si on sait très bien qu'on utilise des ressorts qui, qui, qui viennent parfois du, du marketing éditorial. Et ça, c'est assumé, tout à fait. Mais le fait de vous montrer jusqu'à ce point-là, puisque là, on parle de blockchain. Comment, euh, comment euh, l'argent rentre, comment l'argent sort, à quoi il va servir Il va servir à payer les équipes, il va servir à voilà, il va servir à, à plein de trucs parce que on, moi j'ai plein de choses en tête évidemment en, en imaginant ce qu'on va pouvoir faire, euh, notamment avec l'argent qui est là, mais aussi avec euh, toutes les explications qu'on va pouvoir faire ensemble avec Meowok, avec toute la communauté aussi de la Citadelle sur bah, comment faire fructifier cet argent-là. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de la finance euh, décentralisée, c'est que sans forcément toucher euh, au capital de départ qu'on va commencer à constituer et là tous ensemble ben bah, euh, cet argent là il va faire euh, ces cryptes là vont faire des petits et ce qu'on appelle du earn et donc on a plein de choses à apprendre et utiliser ce earn là pour euh, ben bah, pour, pourquoi pas rewarder la communauté d'une manière ou d'une autre avec euh, plein moi j'ai plein d'idées <laughs> je peux vous jurer qu'il y a il y a vraiment plein plein de trucs sur lesquels on va pouvoir euh, on va pouvoir faire des choses et évidemment on attend vos idées aussi parce que euh, ben bah, voilà parce qu'on va pas le faire tout seul euh, tout l'intérêt de, de la démarche ici, c'est de dire, bah, co-créons de la richesse. Et je sais que c'est quelque chose que vous faites beaucoup sur la citadelle, Miwok. Euh, tu dis, il euh, y, a, y a des gens qui viennent, qui font des trucs, qui, font, qui donnent des explications, qui font des tutos. Qui font... Et, et la communauté, de manière très organique en fait, euh, récompense ces membres-là. Et pas, pas avec que de l'argent pas avec des tokens. Parce que si on vient faire ça pour de l'argent, on le fait sans doute pour la mauvaise raison. Oui, totalement, en, en, en reward de plein de façons, en reward de, de, en, en proposant aux gens de, de, de faire avec nous plusieurs alternatives sur, par exemple une personne qui, qui est bon dans un domaine va plutôt aider d'autres personnes qui, qui sont mauvais dans ce domaine et euh, ces personnes là sont forcément meilleures dans un autre domaine que lui et ça permet en fait de, de grandir intellectuellement ensemble en fait déjà de base en fait et après euh, l'avantage c'est que et ben quand on est tout seul, euh, moi je suis dans la, dans la crypto, euh, ben, je vis de la crypto, je suis dans la crypto H24. Euh, C'est quasiment impossible de pouvoir suivre tous les projets euh, qui, se, qui sortent sur la blockchain et tous les projets intéressants sur la blockchain. Alors du coup en fait l'effet communautaire en fait et justement le fait que ça soit une communauté gratuite. Euh, en fait ça motive les gens à participer et euh, à être euh, justement euh, proactif, à aider tout le monde et tout et tout et euh, sans avoir forcément à euh, avoir de l'argent en retour mais plutôt à avoir une validation en retour c'est plutôt euh, « Ah, tu trouves que ce projet il est bon Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail Ça veut dire que c'est cool en fait Ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de choses Ça veut dire que je vais pouvoir apprendre plein de choses ?» Et du coup, et ben, après, si toutes les personnes commencent à, à s'entraider entre elles et qu'on commence tous à, à s'améliorer entre nous, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe et ben, On se retrouve avec une communauté qui a un, un savoir qui grimpe de manière exponentielle. En fait. et, euh, et vu que la blockchain, euh, c'est quelque chose qui est vaste et qui va sûrement être ben, l'Internet le, le, de demain… Comprendre comment ça, ça fonctionne maintenant et essayer de grandir tous ensemble là-dedans permettra pour plus tard d'avoir une avancée de, que ce soit intellectuelle ou même philosophique ou technologique énorme. En fait. mmh. <laughs> je, je, je remonte le, je remonte le truc parce que j'étais sur l'onglet NFT. Je me suis dit mais euh, non, il n'y a pas. De... On pourrait, on pourrait, euh, il pourrait. Hein. Ça, ça montrerait aussi tout ce qui rentre sur cette adresse-là puisque le, on expliquera un peu le principe aussi tout à l'heure. C'est l'adresse qui est là, bah, c'est l'adresse d'un wallet donc qui a été ouvert au nom et là, euh, je parle sous la surveillance de Maître Passnot, euh, <laughs> qui a été ouvert au nom de ma société, mais auditable complètement publiquement. Euh, mais c'était important de le faire au nom de la société pour que ça rentre dans les bilans comptables de la société, pour justement pouvoir euh, être le plus clair possible, le plus transparent possible d'un point de vue fiscal, et pouvoir, euh, euh, bah voilà, pouvoir aussi euh, répondre de ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y aura des, des questions qui vont se poser, mais, mais c'est ça qui est cool aussi, parce que ça va... Je fais un refresh. On dit de faire dans le. Dans le dans oui, des... on, on commence à gagner un petit peu là, qui commence à arriver. Alors, il y a une lettre qui est en train euh, Avalanche. Avalanche. Euh, Avalanche, bah oui. Euh, excellent. Alors, on, je, il faudrait mettre de l'auto-refresh en fait sur la page. <laughs> je sais pas si. Un... Non, mais après, après, les gens peuvent aller le regarder par eux-mêmes et, eux et ouais, constater ouais. qu'il y, y a des gens qui arrivent. Donc, on le regardera de temps en temps, mais. Mais ouais, euh, comme ça, les gens voir, ils voient que il, tout, est, tout, est, tout est auditable, ils peuvent regarder voilà. par eux-mêmes. Et, euh, et voilà. C'est assez cool. Merci euh, Walkerissimo, stress aussi, Panda Sifredi. <laughs> euh, merci Scosisco. Euh, alors, il y a Matt qui pose la question quelle est la place des femmes dans le secteur des NFT Au vu du panel, rien ne change. Ouais, tu fais bien de le pointer. Tu fais bien de le pointer, Matt. Rien. De, de base, c'est une technologie, ça n'a pas, pas de sexe en, en lui-même, en fait. C'est une technologie que tu l'utilises en tant qu'homme, ou en tant que femme, ou en tant que autre. Euh, ça ne change rien, en fait. C'est juste aux gens de s'emparer de la technologie et de tester des choses. C'est tout. Euh, maintenant, Mais, je, vois déjà, ouais. euh, je vois déjà des, des, des femmes qui... Euh, qui utilise OnlyFans, donc euh, qu'on qu on soit d'accord avec ou qu'on soit contre avec, euh, ça c'est une question de philosophie. Mais je vois déjà des personnes sur OnlyFans qui commencent à utiliser la technologie NFT euh, pour pouvoir euh, euh, trouver des nouveaux financements en fait. Donc euh, c'est une technologie en fait. Internet est arrivé et qu'est-ce qui a fonctionné le mieux sur Internet au tout début euh, Je vous laisse deviner quoi. Ah, bah le, le oui, oui, le pardon a toujours été en, avec une guerre d'avance. Hein, ça, on le bien. Ça mais mais je, en... je, je comprends la réflexion de Matt aussi, parce que c'est un truc. En, enfin, je, je sais pas. Je sais que Tanguy euh, est allé faire un tour dans votre. Euh, ouais, sur le Discord de la citadelle Et il a utilisé l'écriture inclusive. Chez nous, en, 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 en Belgique, en tout cas dans le monde des médias en Belgique, c'est un sujet euh, touchy pour l'instant. C'est un truc. Euh, et, et je peux le comprendre. C'est des choses qui. Voilà, c'est les sensibilités des uns des autres et, et la visibilité, entre autres. Euh, du fait d'avoir des, des panels, par exemple, comme ici, on est, on est. Alors, j'allais dire, on est cinq mâles blancs. J'en sais rien. Il y a un panda. On est dans lequel case le panda Je un suis truc plus qu noir demande. que blanc, on va dire. <rire> mais, mais <rire> voilà. Euh, ouais, ouais, effectivement. Mais je sais qu'il y, y en a sans doute beaucoup plus. Et je sais qu'il y a eu tout un épisode des grenades sur la RTBF qui est sorti euh, ce samedi, je pense, euh, justement sur la place des femmes dans l'Haïti. Et, euh... et oui, oui. Il y a, il y a... Vu qu'il y a beaucoup de jobs, il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de potentiel derrière tout ça. Ce serait effectivement très, 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 très bien. Y ait... voilà. Mais... et, et, et d'ailleurs, ce serait une question plutôt à poser à vous, les médias. Comment vous, vous, vous voyez vous voyez ça en fait Parce qu'au final, nous, en tant que viewers, ou en tant qu'utilisateur ou même personnellement dans la tech. Euh, oui, il y a moins de femmes, d'accord, mais euh, est-ce que c'est euh, en soi un problème euh, de sexe ou est-ce que c'est un problème tout simplement d'école, de, de, en fait Tout simplement, euh, qu'à l'école, on est plus amené pour un homme à être amené vers les côtés IT que pour une femme. Donc, est-ce que c'est pas ouais, justement... Monde, en fait, euh, ça, c'est ouais. plus les médias qui pourraient en parler, en fait, au final. Ouais. Pas, pas de prise de tête, C'est une donné, question sociale. Vous êtes McDo, dit euh, <laughs> Exactement. Ouais. Exactement. Hop hop, je remonte. On ne sait pas s'il prend mal ou faux, mais voilà. En fait, c'est pas c'est pas ça le plus important. C'est ça. Nous, un guillemets, voilà. C'est évident que c'est des choses dont il qu'il faut faire gaffe. On on enchaîne sur sur le sur la blockchain. On, on, commence à, on commence à essayer de, de repérer... En tout cas, je vais vous remontrer la, je vais vous montrer la conduite. Évidemment, elle est, elle est à casser. Hein. C'est le but absolu de, de ne pas du tout se contenter de ce que nous, on a couché avec, avec François, sur papier. Donc, voilà. euh, évidemment, on va devoir minuter un peu, puisqu'on sait qu'on a, on a, on a 20 minutes. Euh, pour, pour faire le... Voilà, pour essayer de synthétiser, pour essayer de trouver le, le, la crème du cappuccino, de tout ça. Il euh, y, a, y a des points qui nous paraissent importants ou en tout cas un, un, un... Ouais, je sais pas... Un discours, ou en tout cas un storytelling. Je suis perturbé par cette histoire de, de, de trucs sur les gonzesses, Matt. Euh, mais on en reparlera. Euh, C'est important. Le... le... La façon dans laquelle une conduite se construit, c'est toujours, toujours un choix qui est le fruit d'un compromis. Voilà. Et donc n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en pensez, si c'est si comme ça, euh, si le, dé si le déroulé, en fait, vous, vous convient. Nous, on, on pense qu'il y a des points importants à travers lesquels on ne pourra pas passer. Et il y a une chose aussi qui est super importante. Euh, C'est de... Bah, de pouvoir parler d'exemples qui parlent à monsieur et à tout le monde. Dans la, dans la chronique que j'ai fait ce matin, j'ai pris l'exemple des points de fidélité sur, sur les cartes euh, dans, les, dans les supermarchés. Tu m'as dit, euh, Miwoki, que j'étais tout juste tout juste par rapport à ça. <laughs> ah, oui. <rire> <rire> Là aussi, limite gogoire, mais bon, voilà. Euh, il, faut, il va falloir trouver des exemples comme cela pour essayer d'expliquer en quoi la techno est en train. Euh, de changer les choses et qu'elle est déjà là en fait, qu'il y, qu y a déjà un paquet de trucs qui, euh, qui, euh, qui existent. Euh, alors il se fait que quand on est comme ça, on ne nous voit que nous deux. C'est vrai que je n'ai pas, pas mis tout le monde dans le. Ouais, c'est vrai. Euh, dans la visio, c'est pas très très grave. Hop. Euh, si, si je reprends là. La... Euh, donc on s'était dit dans, 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 dans un premier temps, euh, bah, il va falloir d'abord répondre à c'est quoi la blockchain et, et c'est quoi son origine à quoi à quoi elle sert techniquement euh, À quoi elle sert Est-ce que de votre côté vous avez vu des euh, euh, est-ce que vous avez vu des choses qui vous paraissaient vraiment vraiment super pertinentes, très euh, voilà, très très calées pour pouvoir euh, pour pouvoir expliquer ça à, à vos parents Je viens de convaincre mes parents de regarder leur reportage. Euh, pas Je viens de voir c'était quoi c'était quoi Je viens de convaincre mes parents de regarder leur reportage sur leur qui Présente le bitcoin. Ouais, donc c'est le, le fameux reportage de, de, de Arte sur euh, euh, Satoshi. Euh, ça, c'est vrai que si quelqu'un a un lien direct, on peut, le, on peut le choper et on va aller le mettre dans la conduite. Alors là, Alain, tu vas pouvoir nous, nous répondre. Est-ce qu'on pourrait imaginer de demander à, à Arte les droits pour juste diffuser Combien, combien, combien de secondes est-ce qu'on pourrait euh, montrer euh, dans, dans, dans un reportage comme celui-là dans, dans, dans le truc de, de Arte, tu as euh, payé des droits hein, mais euh, c'est ouais, ouais le droit que... euh, il faut je pense qu'il faut qu'il faut le, le, les, les contacter et voir mais il, a priori s'ils si, si sont d'accord il n'y a pas y a pas de limite hein. normalement c'est genre un truc qui se, qui se, qui s'achète ça ou comment comment ça fonctionne wow. Ça, ça peut, peut s'acheter s'ils le mettent à disposition des agences de presse. Euh, mmh. Ça pourrait s'acheter aussi, mais ça peut aussi s'échanger tout simplement. Euh... D'accord. Ou une simple a... autorisation. A... Voilà, ouais, c'est bon ça, bon. ça que j'ai dit. Et puis il y a un droit de citation, je pense aussi, Florent, qui existe. Ouais. Ça, c'est quoi C'est le droit secondes, de corps, oui. Euh, de mémoire, je ne sais pas le dire, mais effectivement, c'est des, euh, des cours extraits pour... Euh... Quelques, quelques secondes qui, qui, qui sont à ce moment-là citées. Et pour illustrer à propos que tu, que tu tiens aussi. Hein, donc, ce n'est pas non plus. Euh, oui. À la Zemmour. <rire> <rire> Lui, Il y a un beau cas d'école. Les avocats ont bien dû se marrer en hein. faisant bon, ça, ça. Ça va être marrant. Euh, merci beaucoup, Far Ketchup. Merci, euh, raf d'avoir filé le, le, le lien. On va. Euh on va évidemment aller le choper dans le chat pour le faire rentrer dans, le, dans la conduite. Moi, il y a, il y a, il y a un moment, je trouve, qui est vraiment, vraiment... Enfin, d'un point de vue visuel, hein, parce que c'est de la télé, donc il va falloir trouver des trucs à montrer pour pouvoir l'expliquer. Il y a un moment dans l'épisode le, dans le, euh, 1 où on montre la techno euh, blockchain et on montre cette espèce de spirale. Euh, je ne sais pas si tu vois de, de quel moment je veux parler, euh, Mibuki tu, tu, tu vois lequel c'est On voit la spirale de la, de, la, de la blockchain, en fait, qui se construit et qui montre que ça doit être cohérent, ça doit être inscrit, ça doit être validé par les blocs précédents pour que ça puisse fonctionner. Oui, oui. Et donc, voilà, je trouvais cette façon. Moi, je l'avais encore jamais vu et, et imaginer de cette façon-là, mais je trouvais qu'elle, ça parlait quoi. Il y avait, il y avait un côté très. Ouais, on va essayer de la retrouver. Euh... Oui, Après, fait, il y a pas mal de questions dans la conduite. C'est une hum? une minute trente pour expliquer à mes parents c'est quoi le et à quoi ça sert. Ah oui, en fait, en gros, euh, le but est d'expliquer simplement à chaque fois, d'amener rapidement, euh, de passer des, des sujets qui maintenant n'ont plus, plus réellement de, de, de sens, d'en parler, par exemple, de dire, est-ce que la blockchain va être utilisée euh, Je veux dire, maintenant, cette question-là n'a même plus d'intérêt à être là, parce que oui, il euh, y a déjà Ubisoft, il y a déjà Adidas, il y a déjà Deloitte. Je veux dire, y a déjà des grosses entreprises dans le monde qui s'emparent de la blockchain. Donc, la question n'est plus, est-ce qu'elle va être utilisée Elle est déjà utilisée. Donc, en fait, déjà, ça, c'est, euh, on va dire répondu, comme on dit, la question est déjà répondue. Donc, il euh, faut passer à autre chose, en fait. Maintenant, il faut commencer à se dire euh, euh, qu'est-ce qu'on va construire dessus et plutôt euh, qu'est-ce que vous, en tant que ben, citoyen, en fait, euh, qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant que citoyen et qu'est-ce que vous, en tant que euh, ben, jeune qui débarque dans, dans ce monde-là, se disent, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi, en fait euh, Est-ce que c'est intéressant de m'intéresser euh, à faire de l'éducation là-dessus euh, Est-ce que je dois faire des études là-dessus Comment on y arrive il y a toutes ces questions là après qui vont arriver dans le futur, mais il y a, il y a pas mal de choses à traiter. Mm -hmm. quoi. Euh, merci raf je t'envoie, je t'envoie le, le, le lien pour euh, pour venir éditer directement le notion. C'est vachement cool. Dis-moi à quelle adresse mail je t'envoie ça. Euh, si tu veux éditer directement, c'est cool. Euh, comme ça, on peut la rajouter. Je pense que François va avoir un oeil dessus aussi. Il euh, y a, y a, y a qui dit expliquer que la BCT, donc j'imagine que c'est un euh, ah c'est quoi BCT C'est pas blockchain non Ah euh, non non, il y a, en fait il y a beaucoup de questions en fait ouais, <laughs> Il y a Tanguy qui, qui, qui avait posté une question il y a un moment aussi c'était ah. euh, euh, Est-ce que vous réservez le point sur le propose Type pour Work sur la V1 Est-ce que la, la couche Lightning ne serait pas plus parlant pour un newbie euh, Bah ça je pense que bah, pour moi c'est pas, pas forcément quelque chose qui est facile à amener mais euh, je sais pas, c'est peut-être justement une question à vous poser à vous en fait mm -hmm. Est-ce que vous connaissez le Lightning Est-ce que justement le Lightning vous parle plus que la blockchain Je sais pas d'un point de vue général, j'ai l'impression que pour les, pour les euh, vraiment les personnes qui, euh, qui n'ont aucune notion en tout cas très peu de notion, je pense qu'ils ont plus entendu parler de, de, de blockchain en termes de termes euh, que, que de Lightning. Ça, ça me paraît assez clair. Okay. D'accord. Je peux vous le convaincre. Mais si cas, pas, je ne me... sais pas ce que c'est. Ouais. Ok. okay, okay. Euh, bon, bah je vois, c'est le... peut-être pas forcément le truc à apporter au, au début, quoi. Son, son, mais moi je trouve que c'est euh, un, un, une couche en plus quoi. Euh, ok, tu as ton proof of work, tu as les limites de, la, de BTC euh, sur le nombre de transactions, et donc tu as Lightning qui vient… Euh, donc c'est des couches qu'il faudra rajouter après, un peu comme une lasagne. Parler de Lightning et du proof of stake, ça me… Ouais, mais est-ce que tu vois, est-ce qu'à apporter tu peux… Est-ce que conceptualiser ça en 20 minutes, est-ce que tu penses que c'est faisable Ça risque d'être compliqué quoi. C'est toujours pareil, ah, c'est faut ouais, que ça tienne ouais. dans un pilote quoi. Il faut les fondamentaux. Voilà. Et n'est pas un fondamental. Je pense, voilà. en tout cas, c'est comme ça qu'on avait réfléchi avec, euh, avec Damien sur le fait que, en tout cas, les premières émissions devaient être globalisantes. On doit, on doit partir des termes les plus, les, les plus globaux pour ensuite venir sur euh, bah, toutes les notions de projet qui existent dans la blockchain et, mmh. et, et aussi euh, bah, tout ce qui s'y développe. Euh, mais, mais dans un premier temps, c'est vraiment les, les plus gros termes qu'il faut pouvoir expliquer, les plus gros concepts qu'il faut pouvoir expliquer. Euh. Donc le lightning, à mon avis, viendrait, euh, viendrait plus tard. Quoi. Dans, dans, okay. les, euh, dans les choses qui, moi, me paraissaient euh, dans, en ordre d'importance, hein, pour, pour très vite montrer qu'on essaye de remplir la promesse qu'on se fixait avec, avec l'émission, qui était d'essayer de vulgariser et de parler. Avec des mots qui étaient compréhensibles, est-ce que le fait d'amener très vite dans l'émission des exemples, très, très pratico-pratiques, des trucs très visuels, alors, euh, qui sont. Il faut à la fois qu'ils soient très visuels et qu'ils soient très pertinents, parce que ça ne sert à rien de montrer un usage de la blockchain sur un truc où la blockchain n'était pas du tout nécessaire, mais qu'elle a été utilisée juste pour dire Ouais, on fait des trucs avec la blockchain. cest dire on va, on va passer à côté de ce pourquoi on le fait. Euh, est-ce que vous connaissez vous des exemples d'applications très pratiques de la blockchain dans des entreprises, dans des industries, dans des trucs qui n'ont peut-être absolument rien à voir avec la crypto Je pense qu'on en parlera après de la crypto, mais dans, dans, dans l'industrialisation de processus, dans le, euh, tu parlais tout à l'heure de, de Deloitte. Euh, euh, Milwaukee, c'est un exemple que, que, que tu m'as filé hier euh, et je m'en suis servi dans ma chronique ce matin pour expliquer le truc parce que pour moi, c'est vraiment un des trucs qui montre bien que la techno elle est déjà là, elle est déjà utilisée. Euh, Deloitte qui, qui assure euh, les entreprises du top 500, qui fait un deal avec une blockchain, Avalanche en, en l'occurrence, pour dire avec le gouvernement américain, avec, avec les, les, les institutions fédérales, on va faire en sorte que quand il y a une, une, une catastrophe naturelle, tous ceux qui sont assurés. Euh, et qui ont droit à recevoir des indemnités pour euh, les calamités et pour tout simplement euh, revivre, eh ben, ça, la blockchain va aider à sécuriser, à valider et à automatiser les paiements vers ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est des trucs qui peuvent parler aux gens. Ça, c'est des trucs qui en ont... Putain, on a vécu en Belgique des inondations. Il euh, y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas encore touché un copèque de leurs assurances parce que ça poile de cul à gauche à droite, alors que s'il y avait eu un smart contract, ça automatisait et bim, ça payait, quoi. Des trucs de ce genre là, moi je pense que ça, il faut les montrer vite dans l'émission pour que les gens se disent Ah oh, putain, ok, là là on parle d'un truc que je comprends quoi. Ah bah, bah, je non, pense il y a que aussi Florian. Il... Ah oui, oui, bah, vas-y, vas-y. Je pense que toi, tu as, as le dedans donc tu dois voir ce qui se passe quoi. Bah ouais, parce que au delà des use cases qui peuvent exister actuellement, il y a aussi toute une série de use cases qui vont se développer. Quand tu vas expliquer à quelqu'un que tu payes un notaire, alors je suis peut-être politiquement incorrect, mais euh, c'est pas grave, euh, quand, tu, quand on voit ce qu'on paye un notaire pour qu'il aille voir dans un livre que depuis 30 ans, la personne est bien la même propriétaire, etc., etc., alors que tout ça peut être numérisé, digitalisé, euh, voilà. Alors, c'est pas les douze et droits d'enregistrement parce que ce sont des taxes, mais le notaire a un rôle d'officier public, de certificateur pour bien vérifier si, tout, si, si la vente est, est, est régulière. Voilà, un use case de la blockchain, c'est ça. Il y a l'internet des objets avec euh, les clés connectées euh, ou des choses pareilles. Quand tu fais du, du leasing de voiture, tu payes ta rente ou ta clé fonctionne. Euh, T'as l'indemnisation des assurances pour les, les avions annulés avec les oracles qui viennent donner l'info. Là, on rentre comme un peu dans du, dans du plus complexe, mais, mais je pense qu'il y a aussi une certaine forme d'inconnu dans, dans les use cases parce que si entre guillemets euh, on avait trouvé le use case qui, qui, qui fonctionnait, il serait déjà fait. On est dans une phase de, de, de découverte et, et ce qui va exploser dans dans cinq ans, un, personne ne peut le dire, c'est impossible. Sinon, il serait, ce serait déjà créé maintenant. C'est un peu ce que Nassim Taleb dit dans, dans Les signes noirs, c'est un peu c'est un peu ça quoi. C'est euh, maintenant c'est essentiellement DeFi, euh, à, à fond la caisse parce que ça c'est évidemment euh, euh, révolutionnaire en termes de de rendement et, et, et on enlève tous les intermédiaires du système traditionnel et, euh, et, et les problématiques de, de certification, euh, tiers de confiance et autres qui mmh. sont fort hésitées. Mais la, la défi, on, va, on, on, va, on doit en parler évidemment, il faut qu'on en parle. Mais est-ce qu'on doit en faire l'accroche ou est-ce qu'on doit en faire un, 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 une étape euh, indispensable euh, tout comme on parlait des métaverses, par exemple. Ouais. Euh, dans quel ordre est-ce qu'on bon, va moi, les mettre Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut vraiment faire par couches, parce que, à tes parents, ouais. si tu leur expliques d'abord la différence entre le proof of work et le proof of stake, euh, le caractère décentralisé, immuable et sécurisé d'une blockchain, etc., ça va faire beaucoup d'informations. Si en plus tu remets des couches euh, de Wi-Fi, de, 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 de métaverses, etc., alors, alors <laughs> justement, est-ce que est ce n'est pas là l'occasion de dire. Euh, puisque, puisque, euh, on, on, on peut aussi, et on va euh, essayer de faire en sorte de, de créer des ponts entre le, ce qu'on appelle le linéaire et le non-linéaire, c'est-à-dire le linéaire, c'est la télévision, euh, ça coule, et le non-linéaire, c'est ce qu'on fait en ligne, de créer des ponts en se disant, on va vous expliquer un certain nombre de choses, mais si vous voulez en savoir plus, vraiment, il y a un putain de QR code là, allez-y, chopez-le, vous allez arriver sur une page Notion, vous allez arriver sur un, sur un article qui va avec une sélection qui a été faite par la communauté d'articles. Pour ceux qui veulent descendre dans la lasagne, il y a moyen. Si vous, si, si vous voulez rester à, à juste la, la couche qu'on essaie de vous offrir là en télévision, vous pouvez aussi. Mais nous, la promesse qu'on fait, c'est que ça doit être, ça doit être suffisante. Qu -ce que, que Je vais remonter un peu dans le chat, parce qu'il y a quand même plein de trucs qui sont super intéressants qui remontent. Mes parents, c'est déjà beaucoup de leur faire passer en 20 minutes. Oui, bah ouais, ça j'imagine. Euh, euh, suivi et traçabilité alimentaire. Ça, c'est pas mal. Il y a peut-être des exemples à aller chercher sur ce. Moi, je pense que. enfin Vraiment, c'est une intuition. Je ne sais pas si elle est bonne. Mais si on arrive à montrer d'emblée que la techno, elle est là, elle est utilisée, et puis progressivement, dire dire voilà comment elle fonctionne, en fait. Mais elle est déjà utilisée, notamment par Deloitte Assurance. La traçabilité est un très, très beau case study pour démarrer, pour prendre le spectateur par la main. Là, clairement, tout le monde va s'y intéresser. Alors après ça, le deuxième point, le, 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 le coût du notaire, qui peut venir renforcer aussi, mmh. parce que non seulement on va gagner de l'argent un peu, parce que le reste c'est des taxes, mais surtout beaucoup de temps aussi. Parce que les notaires, pour pouvoir avoir le temps de faire les vérifications, ça prend trois mois. Or, si, si la blockchain entre en jeu, ben ça prendra.. Euh... Il y a déjà <laughs> des notaires qui le utilisent la blockchain. Le problème est réglé. Euh, Florian, il y, y, y a des notaires qui utilisent la blockchain aujourd'hui Surtout pas, ils se tiraient une balle dans le pied s'ils le faisaient. Il euh, y, y a quand même un, not, euh, un bureau de notaire à Paris, l'un des plus gros bureaux de notaires de France, euh, qui s'y intéresse et qui commence à mettre un pied dedans petit à petit. Justement pour, euh, pour justement commencer à, à, à parler du fait qu'eux, en tant que notaires, ils ont on va dire euh, légalement le droit de pouvoir émettre euh, les contrats et tout de façon légale, 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 mm -hmm. de façon légale et, euh, et en fait d'utiliser la blockchain pour sécuriser les contrats en fait donc il y, y a déjà des approches est-ce que c'est est -ce est les bonnes ou est-ce que c'est pas les bonnes là c'est un autre débat mais euh, on voit déjà que qui commence un peu à se bouger de ce côté là mais en Belgique, c'est un monopole, hein, les notaires, pour par exemple la, la vente d'immobilière. Donc, on ne peut pas vendre un immeuble en Belgique sans passer par un notaire. C'est impossible parce qu'il y a tout un formalisme à respecter. Donc, s'ils si, si mettent en place une blockchain, à la limite, ce qu'ils vont peut-être faire, et ça, ce ne serait pas bête de leur part, ce serait de numériser euh, les registres de cadastres euh, dans une blockchain pour faciliter leur travail. Mais d'un autre côté, ils ne pourront pas justifier alors le prix des honoraires euh, qu'ils demandent. Euh, donc, de toute façon, rien que numé numériser l'ensemble des propriétés, ça va prendre un certain temps. Oui, oui mais comme c'est un oui, monopole. Pas... Oui. oui, oui. Euh, euh, bah après, je vois beaucoup de monde qui écrit dans le chat, il y a ouais. beaucoup, beaucoup de questions. Et ouais, c'est vrai vois. que ça va être très dur de traiter ça en 20 minutes. C'est pour ça qu'on va en profiter. Hein. On a les, 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 les co-dirigeants de l'N24 qui sont là. À quand une émission dédiée à la blockchain <laughs> Dédiée carrément. Bah, on... À dédiée enfin, à la blockchain. Je, je vais laisser la <laughs> euh, <laisser Alain> répondre. <laughs> euh, déjà, si on arrive à faire passer le concept décentralisé en 20 minutes. Il ouais, ouais. y, y a une réflexion, Tanguy, que je trouvais intéressante parce que donc, mon voisin, ce qui l'intéresse, c'est son salaire à la fin du mois et comment il se sert à la caisse du Deleuze il euh... bah, y, y, y a quand même la pyramide de Maslow euh, des besoins, quoi. Et si on arrive à si on arrive à aller taper sur ces sur ces centres d'intérêt là, on risque effectivement de de, de s'adresser à des problèmes qu'il peut avoir et de dire peut-être d'essayer de, de montrer comment la blockchain peut résoudre un certain nombre de ces problèmes là. C'est évident qu'en 20 minutes et, et ça, je sais, ça fait pas voilà, c'est l'exercice qui est comme ça. C'est euh, c'est un pilote, peut-être qu'on peut qu aura l'occasion de faire plus hein, euh, dans, dans, dans une émission qui, euh, qui durerait plus longtemps c'est ce qu'on essaye de faire avec Alain euh, c'est de, de, de tester le marché pour l'instant pour voir si sur un, une émission d'une heure on pourrait pas faire des choses mais c'est encore autre chose de réussir à le faire mais si en 20 minutes on arrive déjà à expliquer euh, la base avec des exemples concrets pour que techniquement un, on soit en phase avec effectivement la réalité qu'on ne dise pas de conneries, qu'on des exemples qui parlent effectivement à monsieur et madame Tout-le-Monde, qui donnent envie aux gens de se dire « Ok, euh, c'est pas un truc de pirate ou de pédophile qui cherche à avoir mon numéro de compte en banque pour acheter euh, de la coke et des putes à l'autre bout du monde. » Parce que pour beaucoup de gens, il, ce côté-là est encore tellement, tellement euh, ancré. Ce serait, ce serait déjà vachement bien, quoi, parce que le pilote va nous servir à pouvoir dire bah, « euh, Regardez, on, 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 on a réussi à en donner, à débuguer des trucs. » à Vulgariser, c'est un très joli terme, à le démocratiser et, euh, et à donner envie d'aller plus loin. Parce qu'évidemment, on peut faire des émissions complètes sur la blockchain, on peut faire des émissions complètes sur la crypto, on peut faire des émissions complètes sur le métaverse. Là, on va devoir trouver la substantifique moelle de ça pour réussir à le porter, euh, le porter en, en télé. Voilà, mais merci en tout cas pour, tout, pour toutes les réflexions dans le chat. Vous, vous touchez du, vraiment du. Vous pointez du doigt tous les trucs super importants. Hein. Euh... Mais encore une fois, si, si, si on se rend compte dans le cours d'élaboration du pilote que on n'arrivera pas à raconter ce que l'on veut raconter, à faire comprendre les bases de ce qu'est la blockchain en 20 minutes, ne nous privons pas de déborder sur le temps et, et, et de se dire on peut aller jusqu'à une émission de 48-50 minutes, ça ne pose pas de problème. Euh, je ne suis pas sûr que, ça, que ce soit beaucoup plus de travail. Je, je suis même convaincu que ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver à, à, à le, le rentrer en 20. Mais... Alain, tu es en train de dire qu'on pourrait faire un pilote de, de, de 40 minutes Pour toi, ce serait Faut OK Pourquoi Champagne. Ah, go. Ah, là, là, ça me fait plaisir. Là. On va y arriver, les gars, l'émission. On va y arriver à l'émission complète d'une année, là. Je vous dis. Je vous dis. Non, non mais c'est vrai que d'un point de du vue strictement si logistique, on pense le, le... en 20 minutes, on n'a pas le temps de faire comprendre un concept comme celui de, 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 de la blockchain. Et qu'il faut plus. Alors, mais, ou, on, 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 peut, on peut le faire en trois éléments de 20. Ou de, ou, de, ou, de, ou de 18, qui, ou de 15, qui font à font un 45, une soirée comme ça, que l'on peut encore snacker pour mettre sur les réseaux sociaux, pour, pour, avec chaque fois une thématique particulière, et, et le remettre dans une émission qui, fait, qui, qui occupe une heure d'antenne, pas de problème. Pas de problème. Yumi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. <laughs> ah ben y a, y a, euh... L'objectif, c'est d'être efficient. C ouais. Mais c'est ça le truc, c'est. C'est pas, pas parce qu'il y a de la place qu'il que, qu faut remplir avec n'importe quoi, que du contraire. Mais, non, mais non, par non, contre, bien effectivement, il y a, y a un vrai enjeu. Il y a, y a euh, l'étal 83 qui dit qu'il faudrait faire trois parties décentralisation, sécurité et scalabilité, dans lesquelles vous mettez le lightning, défi, proof of stake, proof of work. Euh, déjà, il y a, y a plein de termes. Est-ce qu'on ne ferait pas un lexique hein, Mais ça existe, j'imagine. Ne, ne, ne fût-ce que pour dire aux gens voilà euh, même, en, même en amont, on pourrait faire un pourrait faire un petit truc. Allez d'abord lire ça. Si vous avez encore des questions après, on en reparle. Je euh, suis le sur nous la aussi. Citadelle, aussi. De quoi dit Sur la citadelle, je crois qu'il y a Alexic. Quelqu'un a mis Alexic. Euh... Oui, oui, on a un lexique, mais euh, je tiens à dire que c'est sûrement le truc le moins lu de, de tout ce qu'on a. <laughs> <non> <laughs> Donc en fait, amener les gens à, euh, à lire quelque chose, c'est très complexe. Euh, c'est pour mmh. ça que bah, le but justement de la citadelle, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on arrive à un gap. En termes de pédagogie, de vulgarisation, qu'on ne peut pas atteindre. On touche majoritairement, bon, dans la citadelle, on a de la chance, on a des personnes entre 16 et 67 ans. Donc, on a déjà, on fait partie des rares, euh, des, des, une des rares communautés francophones à avoir un, palais, un, un panel, un panel d'âge aussi large. Mm -hmm. Mais si on veut vraiment toucher les 35-65 ans, même plus, eh ben, on est obligé de justement de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire de rentrer en partenariat avec ben, Davana et ln 24 pour justement aller chercher euh, bah, ces personnes-là, en fait. Euh, c'est est vraiment euh, le, le but d'amener la pédagogie, d'amener la, la compréhension d'une technologie qui, quand Internet est arrivé, ça a fait peur à tout le monde et tout le monde a fui, surtout chez les francophones, alors que les Américains ont sauté le pas et maintenant, c'est les Américains qui, qui, qui maîtrisent Internet. Euh, maintenant, ça serait dommage que la francophonie fasse exactement la même erreur avec la technologie blockchain. Et pour ça, il faut que nous, en tant que francophones, on se bouge. Pour amener la pédagogie euh, dans toutes les strates, en fait. Et, mmh. et tout l'intérêt de, 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 bah de, bah de faire des partenariats comme on est en train de faire, et d'aller plus loin, même, possiblement. D'aller plus loin. Ouais, à fond. Euh, Deep Stress qui dit peut-être euh, d'abord expliquer pourquoi ça a été créé à la base, comme ça a été amélioré jusqu'ici, et comment c'est exploité actuellement. J'aime bien cette notion de temporalité, de dire voilà d'où ça vient, voilà où on en est maintenant, et voilà vers où on va. C'est peut-être ça les trois temps, en fait. Euh... Euh, de de l'émission de 40 minutes. Euh, ouais. Voilà d'où ça, ça vient, ça. voilà où on en est, et voilà vers où on va. Ah si en, si hein. en 40 minutes on arrive à faire ça, on là, a brossé là, le. Son, là, on son sens, effectivement. Ça, cool. Du coup, Alain, tu voulais, tu voulais dire quelque chose juste avant Non, je, 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 je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais que, que l'objectif de notre émission ne doit pas se limiter à notre diffusion sur LN24. Si c'est une bonne émission, l'objectif, c'est évidemment de, 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 de pouvoir avoir une émission qui explique la blockchain à nos parents pour l'ensemble de la francophonie. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, je tiens quand même à préciser que nous, on veut rester dans le côté francophone. On essaye de vulgariser au maximum. Oui, franco francophonie. C'est bien ce que voilà. je dis Francophonie. Et, et un, un des débats qu'il faudra avoir plus tard dans X émission, ce sera évidemment de traiter une émission complète sur la place de la francophonie au sein du, du monde numérique de, 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 de demain. Ah bah Je pense que Florian en est le parfait exemple. Hein. Un avocat <laughs> jeune francophone qui est avant-gardiste dans la crypto-monnaie. Euh, je veux dire, euh, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et on en a un en, en Belgique. Je veux dire, <laughs> ça va. <laughs> en, en, en termes d'avancée, déjà, c'est déjà pas mal. Mais moi, c'est déjà un grand respect que je vois. Euh... Euh, je remonte rose. dans le chat. Sorry, j'ai pris plein de retard. Mais merci en tout cas pour tous les pour tous les super inputs que vous nous que vous nous mettez dans le chat. On, on garde ça vraiment super précieusement. Hein. On, avec John, on a on a mis en place le, le la petite mécanique pour faire en sorte de de bien euh, de bien pouvoir garder une trace et une, une copie de tout ça. Il euh, y a Joe La Branche qui dit parler aussi de remplacer les institutions Middleman par des algo. Citation de Vitalik, donc le fondateur de euh, whereas most technology tend to automate workers on the periphery doing menial tasks, blockchains automate with the center. instead of putting the taxi driver out of a job, blockchain puts uber out of a job and let the taxi drivers work with the customer directly. la désintermédiation. Um, mais sur le step encore plus loin, ce n'est pas la plateformisation, c'est la désintermédiation. mais comment réussir à. Ça, c'est plutôt dans la promesse, quoi. C'est plutôt dans le temps 3. Parce que oui, on reste... mais on va dire que Vitalik a une vision très particulière de ce que doit être la blockchain. C'est sa vision à lui. Mm -hmm. Comme au début, quand l'Internet a... est né, il y avait des personnes qui avaient une vision très spécifique de ce que va être Internet ou ce que doit être Internet. Au final, on en est à des années-lumière de ce qu'ils avaient voulu ou ce qui... ce qui aurait dû être. Donc, la blockchain, c'est pareil. Là, on a Vitalik Buterin qui donne son avis. Est-ce que ça va être ça On n'en sait strictement rien, en fait. Je mm. pense que, de toute façon, c'est comme, comme, comme tout, en fait. C'est euh, les usagers qui vont en faire l'usage et, et qui vont déterminer ce qui va fonctionner ou pas, en fait. <laughs> Matt qui dit « série Netflix 10 fois 52 minutes ». <laughs> Parfait. Parfait, on en est là <laughs> une, Un épisode par chaine pour une série en 10-12 épisodes Ouais, bien vu, l'Étienne 83 Ouais, 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 ok euh, Faire un hip-hop pour les vieux Pourquoi pas, 3 fois 20 minutes 3 fois 20 minutes, je pense que c'est un truc qui va Ouais euh, T'en penses quoi, François non, non, je pense que 40 minutes, c'est déjà, déjà pas mal. En oui. fait, c'est vrai qu'avoir le temps de pouvoir l'expliquer est une chose bien, mais il ne faut pas oublier qu'en rhétorique TV, on doit également être, être efficient et que chaque mot euh, intéresse le spectateur. Notre but aussi, c'est de pouvoir être clair dans ce qu'on raconte euh, et de le dire assez vite, de pouvoir expliquer ce que c'est que la blockchain, pas en 10 minutes. Mais en tout cas, le concept même en deux minutes et à partir sur des exemples concrets après tout de suite pour donner vraiment l'image aux gens. Et donc, euh, c'est bien d'augmenter effectivement le timing, mais, euh, mais il ne faut pas qu'on l'asse. Quelque part, euh, on doit assez vite pouvoir donner les... enfin, le, 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 ce qu'on qu cherche à dire. Quoi. Comme dit Tanguy, attention à plus de temps pour être plus chiant. Ce n'est pas du tout l'objectif, hein. c'est clair. C est, c est... Et Il y, y a autre chose que tu dis... Ça peut nous permettre de mettre des exemples concrets et d'avoir de, des respirations qui sortent un petit peu, de... qui, qui montrent l'impact dans la vie de tous les jours. C'est du temps qui, qui peut... Et, et l'heure les, 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 TV, c'est toujours, c'est jamais plus que 48 minutes de toute façon, donc plutôt 45 minutes que, que, que une heure. Ouais. Il faut juste bien. éviter l'entre-soi. Hein. Euh, ouais, c'est le un gros danger. C'est euh, de tourner le dos aux spectateurs et de parler entre, entre nous. Ouais. Euh, c'est vraiment ce qu'il faudra éviter de faire parce que c'est un réflexe qui revient souvent. Quoi. Merci beaucoup Chaos pour le point Wallet. Tu le fais depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'on n'a pas encore été regardé directement sur le... Je vais faire, je vais faire le refresh. Putain, vous êtes, vous, êtes des, vous êtes des malades. On est, on est déjà est-ce qu'il est, -ce qu il, est Il est là, Pardon. déjà proche des 5000, là, normalement. j'ai regardé. Et beaucoup d'avalanches. Euh... Ah bah, avalanche, cette chaîne, je veux dire. <laughs> On en parlera Mais... si tu veux. Mais comment cela se fait Avec ce... <laughs> euh... Avec de l'USDCE, donc ça, c'est de l'USDC euh, qui est frappé, c'est ça, dans la chaîne euh, Avalanche. Dans la, dans la set chain de, de Avalanche. Ah, oui. la set chain Avalanche. Voilà. Wow. Bon, putain, bah c'est euh, cool. Merci, euh, merci, à tous. Euh, merci à tous, vraiment. C'est top. <laughs> c'est excellent de voir ça, pour toi, euh, On revient sur. Hop, je vais reprendre le comme ceci. Euh, je remonte dans le, je remonte dans le chat hein, pour. Euh, euh, tac, tac, tac. Ce qui va être aussi intéressant, je pense, c'est de voilà mm. apporter, parce que dit justement Batmotard apporter du concret euh, dans la blockchain en fait. Euh, commencer en fait à composer avec euh, ce qui euh, ce qui existe déjà et euh, comment on peut l'améliorer avec euh, la blockchain en fait, tout simplement en fait. Parce que la blockchain ne résout pas tous les problèmes. C'est pas quelque chose qui est là pour. C'est une technologie. C'est c'est pas euh, c'est pas fondamentalement quelque chose qui résout tout. Ça répond à un besoin. Ça ça résout un besoin. Donc, euh, il mmh. faut trouver justement le juste milieu sur utilisation et surutilisation. Et, euh, et c'est là où ça va devenir intéressant, en fait, où il, y a, il va y avoir des, des entreprises qui vont se lancer dedans, qui vont faire une surutilisation de la blockchain. Et euh, bah, c'est comme au début d'Internet, hein, au début d'Internet, on faisait <laughs> des pages web pour faire des pages web, euh, mmh. maintenant on, 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 fait du, euh, on fait du Amazon. Quoi. Donc, euh, là, c'est pareil. Et, et c'est là où ça va devenir intéressant, en fait. Mmh. Je pense que si, si, si vous voyez passer des exemples, hein... Euh, pile poil dans ce cadre-là, de se dire, euh, sans la blockchain, ce truc-là n'aurait pas pu fonctionner. Donc, l'apport de la techno apporte une vraie plus-value pour les utilisateurs, qui soient d'ailleurs des particuliers ou que ce soit des entreprises, euh, mais, mais que ce soit quelque chose de tangible, qu'on puisse le voir, en fait, qu'on puisse le montrer, parce que ça va être un des enjeux avec François qu'on va, qu va devoir résoudre, c'est qu'on va devoir trouver des images de ça. Et, et s'il faut aller filmer, faut, on ira. Euh, vraiment. <laughs> bah, euh, typiquement, moi, c est, c est vous, allez, vous euh... allez devoir. Pardon, pardon. Non, non, vas -y, vas -y. Euh, non, mais typiquement, vous allez devoir planter une tente à Lisbonne ou, euh, en tout cas, euh, trouver un moyen de vous téléporter là-bas tous les tous les samedis, parce que Lisbonne, <laughs> c'est the place to be. Hein, c'est, euh, il faut être là-bas, tout se passe là-bas. Il y a On voit les de exemples. Il euh, y a des, il y a des. Ah, mais couches, oui, oui, ah oui oui il y a des coups sur euh... sur les, sur les AFP sur les, sur les... ça vous, vous y avez accès Alain. vous avez accès aux AFP oui, vous avez accès oui, oui. Aux, aux agences euh, oui. euh, donc aux images euh, pardon, aux images d'agences et ça on peut les ça on peut les réutiliser bien Arrête. sûr OK, donc ça ça c'est cool. Si on a des mots clés, si on a des si vous avez des noms d'entreprise, si vous avez des noms de réseaux, si vous avez des noms de chaîne J'en ai vu passer plus, plusieurs tout à l'heure euh, Vivos, je sais plus qui qui avait <laughs> Si de Vous allez à 10 bret, faites gaffe en trottinette. <laughs> ça ça c'est John. <laughs> ouais, John, John euh, qui s'est qui s'est pris hein, qui s'est pris un billet de parterre euh, en trottinette. Euh, à Lisbonne, donc ouais, faites gaffe si. Faut... <laughs> mais non, non, mais sérieusement, s'il faut bouger, on bougera. Hein. Euh, moi, j'ai dans mon sac à dos, euh, euh, on ira quoi. Et, et s'il faut vraiment montrer les, je pense que ça, c'est la condition sine qua non de la réussite du truc. Il faut qu'on montre des choses. Il faut qu'on les montre à l'heure et, et et que et que et que ça fonctionne, même si ça reste imparfait. Mais il faut qu'on montre des choses. Voilà, on peut pas, on peut pas rester en chambre. Euh, D'un point de vue théorique, il va falloir montrer des trucs. Donc, si ça se passe à Lisbonne, bah bah, on si, on on a, si on a des amis, des partenaires à Lisbonne qui ont, qui ont un, 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 un bon iPhone, ils peuvent nous envoyer des images aussi. Hein. Ah oui, mais Est ce euh, qu'il y en a, de toute façon, ce sont des conférences qui sont, euh, qui sont déjà médiatisées, mais euh, médiatisées sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ne passent que très rarement. Bon, là, on, des, on peut certainement des... récupérer des éléments de ces, ces conférences-là euh, et, et les exploiter comme illustration. Après, euh, oui, après, je pense que vous pouvez rentrer en contact avec, euh, avec soit les organisateurs d'événements ou soit typiquement les, euh, les grands pentes de, de, de ces événements, type Emmingen pour Avalanche, par exemple, ou, euh, ou Vitalik Buterin pour ETH, qui eux ont souvent la main mise sur, euh, sur euh, la diffusion de tout ça. Et euh, allez voir directement avec eux. Hein, ils, je pense qu'ils seront ravis de se dire que leur contenu va passer à la télé. Bien sûr, bien sûr c'est évident. Merci, euh, merci pour tous vos liens. Euh, oui, effectivement, Guillaume Desiel, as-tu vraiment besoin d'une blockchain Super lien, très intéressant. Euh, on le met dans la, on le met dans la db Merci, euh, merci Yazebre qui euh, qui nous dit un, un post LinkedIn blockchain agriculture qu'il a d'usage dans le monde. Super. Merci beaucoup pour la ressource. On va aller diguer tout ça. On va aller voir euh, ce qu'il y a dedans. Et, euh, et effectivement, euh, l'agriculture, c'est un des trucs. Ouais, clairement, l'agriculture, la santé, euh, voilà, n'hésitez pas, alors c'est peut-être l'occasion, je ne sais pas si Denis euh, est, est dans le chat pour l'instant avec nous, parce que il, je l'ai pingé tout à l'heure, Denis Bourneau, qui est euh, un, des, un des initiateurs de Wild Chain, dont tu fais partie d'ailleurs, Florent. Euh, yes. Euh, peut-être qu'on peut, peut, qu peut en toucher un mot. Denis, si tu es, si es dans le chat, euh, je t'envoie euh, dans le Discord le lien pour nous rejoindre. On va, faire de, on va faire un peu de la place autour de la table et comme ça, tu, tu pourras nous rejoindre pour venir parler peut-être un petit peu de c'est quoi, euh, quoi Wall Chain. Parce que là aussi, un des objectifs de, 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 cette, de ce Discord, j'allais dire. <laughs> oui, c'est un Discord Wall C'est presque une DAO d'ailleurs. Enfin, ça va tendre vers, vers une DAO, d'après ce que j'ai compris. Euh, c'est de, de vulgariser et c'est de, de, de montrer que qu'en Wallonie, chez nous, en Belgique, il y a aussi. Euh, euh, d'initiatives de ce genre-là et c'est de soutenir le, le, la visibilité de tout ça. On va on va attendre que je vais je vais laisser ma place à à Denis comme ça. Ah bah voilà euh... bah quand, bah quand quand il arrive vous faites un jeu de chasse musical et, et, et parce on... que je vais devoir filer donc on je va... vais, je profite déjà de, de vous saluer tous et de vous remercier okay. et je me réjouis du projet parce que c'est c'est top pour le moment vu, vu, vu comme ça prend sur le chat et tout je trouve que il y a un bon un bon mood donc c'est chouette. Merci déjà de toi d'être passé, ça fait plaisir. Et puis merci de ton travail. Et puis courage, parce qu'à mon avis, il va y avoir du neuf. Il va y avoir du neuf. Allez, bonne soirée, bonne continuation à tous. Super, merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Ciao. Hop, je vais. On va faire comme ça, et j'espère que Denis va pouvoir nous rejoindre. Je continue à remonter dans le chat. Hostile qui dit exemple avec Crido NFP. NFT pour les agriculteurs, ça te dit quelque chose, ça, Miyuki Crido euh... Ah oui, Crido, oui, bien sûr. Bien sûr, on a une personne de notre Discord qui a fait euh, une série de NFT. Okay. Euh, où en fait, la vente de ces NFT, 50% de la vente de ces NFT, allait directement dans les mains d'agriculteurs. Euh, okay. Dans des éleveurs plutôt des éleveurs de chèvres avec qui euh, il a monté tout un petit partenariat sympathique où à chaque fois qu'il vendait des NFT au bout de 200 NFT vendus il, euh, il faisait une petite peinture sur les euh, sur les euh, sur les chèvres sur les moutons et tout ça c'était c'était très très sympathique et ça montre que euh, on peut connecter différents membres euh, à la blockchain et faire en sorte que ben on peut trouver des, euh, des intérêts euh, parfois qui ben, de base, tu te dis euh, qu'est-ce qu'un agriculteur va faire dans la technologie blockchain. Et là, tu te dis ben, c'est déjà marrant, de base. c'est Le but, c'est que ce soit marrant. Et le 2, de, 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 ben, ça profite à des agriculteurs. Ces agriculteurs-là qui très souvent ont du mal. Ah, c'est 80%, c'est pas 50%. Ok, c'est 80%. 80% de ce qui est vendu va aux agriculteurs. Donc euh, et, et, et du coup, ça permet de les financer, tout bêtement, en fait. Euh, sachant que les agriculteurs ont très souvent du mal à avoir un financement pour des projets. Et bien là, on parle quand même euh, d'argent qui rentre. Ils ont reçu, euh, ils ont reçu pas mal. Il hein. euh, faudrait que je demande à Crido les chiffres, mais euh, c'est vraiment pas mal déjà. Euh, à, quel moment on, à quel moment tu verrais ça dans les, dans, dans, les, dans les exemples d'aujourd'hui Mais est-ce que c'est pas. Parce que des exemples comme ceux-là. Alors effectivement, ça connaît... moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que ça connecte des mondes qui, a priori, n'étaient pas censés se parler. On sait que les agriculteurs, en fait. Euh, quand ils ont capté l'intérêt de pouvoir utiliser les techno, ils ont ils ont versé dans euh, euh, certains qui sont des, des c'est des fous furieux quoi c'est des, des geeks parmi les geeks quoi. Et là pour le coup, ça connecte des mondes qui n'ont pas l'habitude de se parler. Ça, ça je trouve ça génial. Mais à quel moment est-ce qu'on peut montrer ça et comment l'expliquer pour ne pas que ce soit perçu que ce soit euh, trop gadget quoi non plus tu vois? Bah, Montrer, mon ça risque d'être compliqué parce que c'était vraiment une initiative qui a été euh, voulue euh, d'une personne du Discord qui s'est dit, euh, ben bah, moi, euh, je suis agriculteur, je connais euh, des éleveurs, euh, je, je m'intéresse à la blockchain parce que je suis plus jeune que mm -hmm. et euh, j'aimerais beaucoup quand je vois euh, l'argent qui est échangé sur la blockchain et que justement sur la blockchain on parle souvent de farm, de farming, de yielding, ah, donc de récolte et tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que tout ce monde-là euh, passe au-dessus des vrais les agriculteurs qui eux mmh. produisent de la vraie nourriture euh, pour nourrir les vraies personnes en fait, et euh, l'idée est partie de là. Et euh, du coup, on a travaillé ensemble au début, tout début. Au tout, tout début et en, il m'a posé pas mal de questions sur euh, comment je, comment il pouvait amener ça. Je il, il avait plein d'idées. Je lui ai dit, non, pars sur un truc, simple. Enfin, un truc mmh. très simple, un truc qui parle à tout le monde. Fais simplement des images sous forme de NFT, des gifs euh, que tu pourras euh, ben, euh, vendre sur la blockchain. Et euh, les, les, les récoltes, tu pourras directement le ben, reward, c'est-à-dire euh, euh, proposer un, un versement à, aux, aux agriculteurs. Et euh, oui. c'est très bien passé, c'est super bien passé. Ils ont adoré, ils ont joué le jeu. On a, on a eu des photos, on a eu, euh, on a eu, euh, on a eu pas mal de choses hein, de leur part, donc c'était c'était très sympathique. Okay. C'était un très beau projet euh, que, que, que la Citadelle a vachement soutenu. Euh, si vous si, d'ailleurs, si vous allez sur la Citadelle, vous allez voir euh, quasiment euh, euh, deux personnes sur trois possèdent le NFT. Euh, euh, avec euh, sur directement en imote e donc euh, tout le monde a quasiment un peu participé à ça euh, de, de sa poche quoi donc c'est plutôt pas mal mais si on peut avoir quelques images de, de ça euh, à la fois des, des, des agriculteurs qui reçoivent euh, la, fin, de, mm, illustrer tout ça c'est pas mal hein ah bah, je vais en parlerai. Hein. je vais en parlerai. je pense que ça lui fait très plaisir parce que c'est pas évident de de de, pro, de de créer tout ça donc je lui en parlerai il n'y a pas de souci je pense que ça lui ferait plaisir tu vois des trucs des trucs des trucs comme ça ce serait euh, ce serait cool il hein. euh, y avait une question euh, qui ramène une dimension humaine dans dans, dans, dans l'aspect blockchain ce qui est quand bah, même euh, pas... ouais. ce serait ce serait en tout cas, de, la notion de connexion des mondes qui n'ont pas l'habitude de se parler, la notion de on s'ancre dans la terre, j'adore la notion farming, you tout ça, c'est effectivement des termes qui sont très très proches de, de l'agriculture. Euh... Pour expliquer la défi, euh, il pourrait y avoir des, des, des trucs à connecter là-dessus. Est-ce euh, possible de créer une blockchain étatique transparente afin d'avoir une réelle vision sur les budgets gouvernementaux, leurs utilisations, finir avec cette opacité qui englobe à ces citoyens Ça fait écho aussi à un des trucs de, de Tanguy qui disait si vous parlez du fait que euh, la blockchain peut changer, ou en tout cas les bousculer les banques sachant que les belges ont une dent contre les banques ça pourrait ça pourrait ça pourrait les intéresser ça va être difficile de ne pas de ne pas aborder ça ah je vois il y a Denis qui est en train d'arriver je sais pas si si quelqu'un a envie de répondre à ça mais <laughs> c'est plus un constat qu'autre chose euh, ah ben voilà il y a Denis qui nous rejoint je vais le mettre là hop J'essaie un peu de nous inviter, euh, essayer de. J'essaie de vous inviter ouais. <laughs> à, à aussi. <laughs> Et bonjour. Salut, Denis. bonjour Denis. Bonjour. Tu nous entends ouais. bien ouais, Je, je confirme. Avec euh, Firefox, ça va mieux que avec Brave. Ah bah voilà. Bah est, ouais, Totalement, de, de, totalement. J'ai eu le même constat. <laughs> Merci à toi d'être là. C'est cool. De rien, de rien. Merci à vous. Euh, tu fais partie de ceux. Alors Florian a laissé sa place pour que tu, pour que tu puisses venir. Il, il, nous, il, nous a, euh, il nous a raconté ce qu'il faisait un petit peu euh, bah, avec sa casquette d'avocat, mais aussi au sein de WildChain. Et euh, bah, voilà, bah, on se disait que c'était sans doute la, la très très bonne occasion de pouvoir euh, expliquer c'est quoi WildChain. Euh, tu fais partie des, des fondateurs, tu, tu, c'est même toi qui pilotes le projet, je pense, euh, ouais. euh, depuis, depuis un certain temps. Bah, et... Oui, un des fondateurs, mmh. euh, bah, c'est un, un écosystème euh, au départ d'entrepreneurs de, dans la blockchain, des, des start-upers essentiellement. Mmh. Et euh, on, on a voulu, avec euh, moi à l'époque, je, je représentais une institution qui avait euh, financé euh, une de ces start-up. Et euh, on a voulu se dire avec une autre, entre, une autre euh, un autre fonds d'investissement bah, comment on pourrait aider ces startups à euh, prospérer euh, et, et surtout comment faire pour qu'elles euh, ne partent pas euh, loin de chez nous parce que bah, au niveau de la Belgique il n'y avait pas beaucoup d'utilisation de blockchain et euh, ils commençaient à avoir des contrats sur l'étranger. Euh, et donc le pas était vite euh, fait de, de, de partir. Et donc euh, on a dit, bah, si on, on arrive à montrer qu'il y a un intérêt euh, d'entrepreneurs, d'entreprises, d'universitaires, de centres de recherche euh, à travailler sur cette thématique, eh bien euh, on pourrait euh, avoir eu un support euh, de, du gouvernement régional euh, pour amener une, une meilleure connaissance de ce qu'on pouvait faire avec la blockchain et faire de la sensibilisation. Donc exactement dans, dans, le, dans le, la ligne de ce que vous êtes en train de préparer, c'est comment faire que on comprenne ce qu'on peut faire avec de la blockchain. Et euh, comme je mettais dans, dans le chat, il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains, et puis il n'y a pas que euh, le Bitcoin, il n'y a pas que les crypto-monnaies. Euh, il y a les smart contracts, il y a les NFT, euh, euh, il, y a, il y a plein d'usages euh, qui, dans une économie en redéveloppement comme, comme on a en, en Wallonie, euh, pourraient euh, apporter certaines solutions euh, à certains types de problématiques. Et, et, et comme euh, vous disiez tout à l'heure, la blockchain n'est pas une solution à tout, elle peut être la solution pour certains, certains points. Donc, on a réussi à se faire reconnaître comme écosystème. Euh, on a lancé euh, au mois de mars, en fait, après, après euh, trois mois de gestation. Et on est aujourd'hui euh, essentiellement sur une plateforme euh, Discord euh, qui nous permet de faire nos, nos échanges. Il y a à peu près 200 personnes euh, qui, qui sont connectées autour. Euh, et puis, on a plus de 70 membres, 70 membres, je fais la traduction simultanée, pour, pour, qui, eux, sont, sont là pour effectivement réfléchir à quels sont les projets que l'on va initier au niveau de la région. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher cette reconnaissance, puis d'aller chercher des budgets, ce qui s'est traduit dans, dans, dans un... Non, mais vraiment les faits. Là, maintenant, on devrait avoir à partir de janvier des de, de, de fonds pour pouvoir préparer le terrain, faire de la sensibilisation, faire de la formation et surtout faire des proof of concept. Et donc, pour ça, on a mis en place euh, un test net euh, qui, qui est maintenant fonctionnel, euh, sur lequel euh, bah, des projets euh, peuvent venir être développés par des gens qui veulent tester la blockchain ou les projets que l'on financera euh, autour d'AX. Euh, on a parlé de la logistique, on a parlé euh, de l'alimentaire, euh, ce sont ce, aussi tout ce qui est la culture, les médias aussi. Il mmh. euh, y, y a plein de, de, de réflexions aujourd'hui euh, qui, qui sont soutenues par ces membres. Ça veut dire que euh, des exemples qu'on qu on essaie de trouver, là, des, des trucs très pratiques, euh, vous en avez déjà documenté certains, qu'on pourrait aller voir, qu'on pourrait, euh, qu pourrait aller interviewer. Ah, je t'ai mis, mis, trois trois ah, <laughs> mis dans le chat. Tu l'as mis dans le chat. Excuse-moi, je, je suis à la bourre dans le chat. Je, 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 il faut non, 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 plus mais c'est le problème de pseudo, hein. zèbre, zèbre 2, c'était moi. Ah, d'accord. Euh... Okay. Bah, voilà, sorry. <laughs> ouais. bon, on, a, on a des projets qui sont. Euh, soutenu par nos membres, euh, on a des projets qui sont tournés vers des applications plutôt privées, et puis on a aussi mmh. des projets qui sont plutôt des applications euh, type gouvernementales, euh, et qui sont des projets non pas seulement belges, mais européens, euh, à partir de la Belgique, à partir de la Wallonie. Euh, donc si, si on prend Logion, qui est vraiment un, un réseau qui euh, a pour mission de donner euh, les mêmes outils juridiques euh, dans le dans l'espace le, euh, internet qu'aujourd'hui, si tu vas voir un huissier de justice, mm -hmm. et euh, eh bien Logion a, a permet de, de dématérialiser euh, ces, ces actes euh, qui sont des actes juridiques euh, spécifiques. Et, et la plateforme a été mise en place au niveau européen. Si je me souviens bien, Logion d'ailleurs a bénéficié d'un apport. D'un organisme de financement public où ils ont accepté oui. non pas de donner de l'argent directement, mais de le faire en token. Oui, exactement. Juste. Et, 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 et cet cool. euh, organisme de financement public en est très très fier d'ailleurs. <laughs> euh, c'est la preuve que c'est possible. Ouais. Ouais. Ouh là là, il y a un point wallet de chaos. On a dépassé les 5000. Wow, merci les gens. Alors, c'est un, un des trucs. <laughs> Je, je, vais, je vais, Merci, merci Denis. Sorry. Je okay. jump sur le truc, mais, mais voilà. Il y, y a un des trucs que j'avais prévu de vous montrer, parce que quand même, on, par, on parle, euh, on parle, de la, on parle de la citadelle. Euh, J'étais obligé de vous montrer ça, quoi. C'est euh, euh, la citadelle de Namur, et, et on va même se le mater en vidéo, parce que il euh, y a des superbes images de la citadelle de Namur. Euh, qui existe là, et je vais mettre pas le son trop trop fort. Euh... Voilà, ça c'est pour tous les gens de la citadelle. Merci les gars, merci les gens, merci, euh, merci à tous de nous filer ce coup de main là et de, et de nous aider à monter ce projet. Euh... J'espère que c'est pas trop saccadé. On va pas faire cracher. Ah, si ça saccade pas saccadé. mal, hein. je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller loin. La citadelle euh, qui a ça. maintenant le, le pavillon où il y a un haut lieu du, du gaming en Belgique. Exact. Et donc, euh, moi, ce que j'ai envie de vous proposer euh, à tous, c'est que, euh, bah voilà, si, si, on, si on arrive à couvrir les coûts euh, de production du pilote, euh, on va aller faire une émission là-bas, à la citadelle. Je, veux, je vous le promets, je prends, je prends mon, mon bâton de pèlerin, je, je prends mon matos, on prend tout ce qu'il faut. Et on se casse et on va vous faire une émission à la Citadelle. Tu fais ça dans le cadre du Kik Festival kick, il, y a, il y a le pavillon qui est là-bas tout en haut, qui est un, un lieu des cultures numériques, justement. Euh, avec des gens qu'on connaît bien, qu'on aime bien, avec tout, toute la bande du Kik. Bah, je pense que c'est la, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'aller faire une émission là-bas, avec, avec les gens de la Citadelle. À ah, la Citadelle, c'est un peu Inception, mais, mais évidemment qu'il faut le faire. <laughs> voilà, je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aller le voir. Mais... Euh, c'est un, un, un très très chouette endroit. En plus, maintenant, il y a un téléphérique qui nous emmène tout en haut. Donc, euh, on pourrait tout à fait aller faire, euh, aller faire de ce genre de trucs. Donc, euh, je, vous mets, je vous mets le lien dans le chat. Allez le regarder, balancez-le dans, dans, dans la vraie citadelle, mais dans la citadelle en ligne. Hein. Et, euh, et je vous jure que si on y arrive, si on passe le code de réussir à financer ce, ce pilote avec vous... Je me casse à la citadelle et on va faire une émission là-bas à un moment donné ou un autre en live évidemment dans la citadelle et on va on vous emmène là-bas avec nous pour, pour aller faire des choses là-bas c'est c'est assez évident quoi. <laughs> je vais revenir sur hop euh, voilà c'est un chouette endroit c'est vraiment un super chouette endroit en 5G bah ouais évidemment il y a, il y a la 5G à Namur pas sûr si pas encore pardon c'est un mot tabou en Belgique, en Belgique. <laughs> Je peux t'en parler beaucoup, mais, mais... non, il n'y a <laughs> pas encore là. Matt qui dit Moi j'ai mon pied à Namur maintenant à la Haute École Elba Jacquard. Yes, exact. Et en plus, il, il vous faites des super trucs là-bas. J'ai vu que vous avez fait un hackathon ce week-end, Matt. Euh, euh, C'était ce week-end, hein, je pense, où vous avez fait un hackathon avec, euh, avec les étudiants là-bas. Euh, C'est vraiment trop bien de, de mettre tous ces métiers du numérique ensemble avec la visée entrepreneuriale derrière. Peut-être qu'il y a des trucs aussi à faire avec, euh, avec la blockchain là. Je remonte dans le chat. Hop, c'est chaud la magique, la 5G. Bah ouais, évidemment. Euh, tac, tac, tac. On dirait que Futurimédia a prêté sa connexion à Davanac. Ouais, c'est le lag de la vidéo. Mais mon... là aussi, il y a, de... à mon avis, c'est processing du truc derrière. Euh, alors, alors. Deep Stress. Bah non, Bah écoute, c'est vous qui nous faites l'honneur de, de venir faire ça avec nous. Donc c'est que de... que de juste, quoi. Vraiment. Euh, Yolo Robin nice diaporama, ouais, sorry, c'était censé être une vidéo et pas juste un, pas juste un diapo Par contre, le panorama il est, il est terrible. Quand vous êtes là-bas tout en haut, vous avez une vision euh, assez. Euh, quand il fait beau en plus, il y a moyen de, de voir très très loin. Euh, Qu'est-ce qui parlait et Il y a la brasserie juste en dessous aussi qui fait des très bonnes bières. Ouais. Non mais il faut venir. Il y, a, il, y a, il y a le petit train aussi. On fera des. La citadelle, la citadelle de Namur. Voilà, bah c'était, c'était le clin d'œil, mais vraiment c'est, euh, euh, je, je, continue à remonter dans le, euh, le wallet qui part en bull market direction l'ATH du, du bitcoin. On en est où d'ailleurs dans le, ça continue, ça continue à avancer. Euh, hop. Moi, je vais ouais. devoir vous laisser tout doucement. Ouais. Donc, je vais vous souhaiter euh, la bonne soirée. Et euh, on va bosser là-dessus. Ah, hein. Je pense qu'il y, y a pas de mal lit. de belles choses euh, qui arrivent déjà sur la, sur, en termes de contenu. Et, euh, ah, il y a un, un paquet voilà, de trucs. Hein. Il y a moyen de, de faire ah, pas mal ouais. de belles choses. Ouais. Euh, bah, merci euh, en tout cas d'être passé. Bah, avec grand plaisir. Passez euh, plaisir. une très bonne soirée. Et, euh, et à très vite. Hein, de toute et, de si, façon. et pour tous ceux qui le souhaitent, évidemment, dans le Discord euh, du lab, c'est là où on va continuer à travailler assez louvreux pour construire la pour construire toute l'émission tout le euh, toute la conduite avec François avec toute l'équipe qui est là on va on va continuer à construire tout ça il y a le notion hein, euh, mais si, si ça vous botte de venir dans le euh, ah ben voilà Denis me dit j'étais dé déconnecté pas de souci super bon, merci à toi Denis euh, mais balancer les liens effectivement balancer les, les, les liens. liens vraiment on va continuer oui. à collecter tout ça nous on va on va se plonger dans on va se plonger dans tout ça euh, qu'est-ce qu'il y aurait encore Fois, modo dans le <laughs> Il faut répondre au chat. On est pas... on est sur Twitch, pas Facebook. Ouais, sorry, Matt. Bah, oui, je continue à apprendre. Je continue. Euh... J'essaie je, de, de répondre au, au maximum. Bonne soirée. Bonne Salut soirée. Ah, bah, J'essaie de répondre Merci. au maximum en, en, à l'écrit depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai okay. qu'il y a pas mal de questions qui <laughs> ouais, euh, Ça a crashé. Craché. Craché. Je l'ai relancé. Donc normalement, on revient. Ah ouais, ça a crash. Boom, fallait que ça arrive. Au bout de combien de temps J'ai pas, pas vu. Ça fait combien de temps qu'on a Ça fait deux heures. Ouais, ouais, non mais c'est à cause du wallet. Il fait des ATH alors du coup ça pompe trop sur la connexion. Tu comprends <laughs> J'ai dû processer <laughs> l'info. Euh... Sorry. On avait dit d'utiliser OBS. John va me défoncer. Ah oui, mais veux... c'est ça. Je ne vais pas écouter. Ben voilà. Sauvez <laughs> tout le monde. Voilà, bah, euh, c'était la preuve dont j'avais encore besoin pour euh, me faire euh, basculer sur, sur OBS. Mais je, c est, c est, le timing était vraiment trop short pour que je me mette à OBS sur cette semaine ci Donc j'ai utilisé mon. Voilà. Euh... La science légale, la blockchain aide les scientifiques du CHU de Liège, entre autres. Ah, ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as, est as un lien Est-ce que tu as un nom Quelqu'un qu'on pourrait contacter euh, Qu'on pourrait interviewer qu'on pourrait, euh, Voilà, hésite vraiment pas. Ça, c'est typiquement le ce genre de truc. Ce serait vraiment, vraiment super intéressant. Dans le domaine de la santé, je suis convaincu. Euh, je suis convaincu qu'il y a des choses à faire. Euh, donc, vraiment, n'hésite vraiment, pas. Euh, on, on a reçu de... un raid et on ne l'a pas raid. vu Qu'est-ce qui s'est passé là ah bon il y a 60 personnes qui ont débarqué de nulle part. Ouais. Bienvenue. <laughs> bonjour, bonjour. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça qui aurait fait cracher le, le live tout à l'heure <laughs> Peut-être. <ouais. rire> hum. En tout cas, pour, pour l'instant, oh. apparemment, il n'y a plus, plus, plus zéro personne qui nous voit ou qui, qui... Mais ça, je pense que c'est le, le compteur de iCam. On va, on va arrêter de parler d'iCam hein, parce que sinon, je vais vraiment perdre de vue. Allez, perdre de vue. Euh, là, on a. On, euh, ok, il y a un point wallet euh, de, 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 de chaos. Qu'est-ce qu'il dit Ok, sérieux Excellent. <laughs> Mon Dieu, les gens. Euh, indeed. J'ai entendu dire que le Covid-19 passe par la blockchain. <rire> <rire> ah, bah, euh... Mais euh, ouais, ouais, non, mais j'ai le, je, je pense que c'est. Est-ce qu'effectivement il y a eu, il y a eu un raid. Je voudrais pouvoir remercier la personne qui nous a fait un raid, mais je sais pas où je peux voir ça. C'est vous dire mon point de noobitude sur... Je pense que ça, je pense que ça a buggé en fait, parce que ça, ça, a, bugué, ça a doublé, je pense, que le, le nombre de personnes. Ouais. Vous, ouais. Êtes, vous êtes, vous êtes revient du légend. Ok. Euh, oups Sauf que là, c'est moi qui. Euh, hop. Euh, donc effectivement, on vient de passer le cap des 10 000 C'est ouf. C'est génial. C'est ouf. Bah, donc on va... La citadelle, on va, on va y aller. Hein. Ça, ça, paraît assez, ça, paraît, ça, ça paraît assez évident. Euh, je, je continue à remonter le... Je continue à remonter... Je reviens pas. 10 000 balles. Bon, euh, salut, suis bonne nom Direction le 70K. <laughs> Il y a quelqu'un qui a, qui a pété un slip sur le wallet. Ouais, je, je pense. Ouais. Euh, ah salut Nicolas Bequet merci merci pour toi euh, c'est cool de te voir, de te Ils voir sont ici. les 70K cas <laughs> <laughs> euh, hop on va reprendre le, euh, on va reprendre le sujet là 43 compte contourtude bah ouais, tout ouais. il me semble que papa 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 plus de son image figée de mon côté Nico ah sérieux vous avez vous avez encore des euh, euh, vous avez encore des problèmes de son ou pas ou c'est bon pour vous si je moniteur, le début du e stream pas pas top. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Euh, je reviens sur cette idée de sur la santé. Si vous avez des liens, si vous avez des trucs sur le. C'était sur le CHU de Liège. Il me semble que j'ai vu passer. Euh, le... Voilà, pour la puissance de calcul pour le cancer. Ok. Pour la puissance de calcul sur le cancer. Euh, comment est-ce que, est que la blockchain pourrait être utile pour de la puissance de calcul Pour la vérification des transactions Ou c'est quoi c est, c est... Euh... Ah, Matt, merci pour le... Merci pour le host. Euh... Comment est-ce que... Parce que d'un point de vue santé, je sais que l'Estonie, quand ils avaient mis en place leur X-Road, pour les, pour les utilisateurs et pour les citoyens, il y avait moyen d'avoir... Euh, un regroupement de toutes leurs data et typiquement faire en sorte que quand je change la photo sur mon permis de conduire par exemple ça changeait la photo sur les autres euh, les autres profils que les institutions avaient sur euh, sur moi. Je, je dis moi parce, moi j'ai jamais pu vraiment le tester même si j'ai été e citoyen résident euh, en Estonie pendant 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 un temps mais c'était juste pour le proof of concept. J'ai jamais pu l'utiliser. Euh, mais c'est quelque chose qui existe. Je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler. Euh, parce que sur, sur le... Je ne vois pas comment la puissance de calcul, là Miwok, tu peux peut-être m'aider, la puissance de calcul, la blockchain pourrait aider à, à, à distribuer la puissance de calcul, même pas, c'est pas ça, comment la blockchain pourrait aider à ça Non, en fait, euh, typiquement, on pourrait utiliser la blockchain pour, euh, euh, pour tout simplement décentraliser euh, la, les, euh, les CPU, en fait, les CPU et les GPU, okay. donc euh, oui, la puissance de calcul, on pourrait la redistribuer, et euh, de manière plus efficiente, par exemple, on pourrait... Euh, euh, Aujourd'hui, le, le, le gros challenge euh, qu'on a euh, en, dans, la, dans le côté scientifique, c'est euh, de pouvoir euh, plier et déplier euh, euh, les, des les, molécules, des protéines. Euh, des protéines et tout ça, en fait, surtout hein les protéines surtout. Et, euh, et je pense que ça, une fois qu'on aura euh, saisi que euh, ça, pu, ça peut servir à faire pas mal de choses. Euh, mmh. on va pouvoir réaliser des choses, guérir des maladies qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent, ou même produire des protéines qu'on était incapables de pouvoir produire jusqu'à maintenant. Quoi. Donc oui, et la blockchain peut résoudre par exemple ce genre de cas. Euh, c'est un cas particulier, hein, très clairement, c'est un cas très ouais. particulier. Euh, dans le chat, si vous connaissez des gens qui bossent dans, des, dans, des, dans ces secteurs-là, si vous connaissez des médecins, si vous connaissez des chercheurs, si vous connaissez des gens qui travaillent dans des institutions euh, vraiment, n'hésitez pas à nous faire remonter les, les, les contacts parce que c'est typiquement un truc aussi qu'on pourrait montrer. Euh, on pourrait expliquer comment le, ouais, comment ça fonctionne C'est ça visuellement on peut le montrer. Des protéines qui se plient, qui se déplient, ça on peut le montrer et d'expliquer comment la blockchain a permis de valider, de certifier que les transactions avaient bien eu lieu, etc., etc. Ça c'est ça c'est c'est quelque chose qu'on pourrait montrer quoi. Non, là, là, là la blockchain servirait surtout à euh, partager la puissance de calcul. Rien à voir vraiment ah. du tout avec les crypto-monnaies. Là, c'est vraiment pour partager la puissance de calcul. Aujourd'hui, pour ceux okay. qui sont un peu des, des fans de tout ce qui est euh, découverte de l'espace, il existe déjà euh, des, des, euh, des sites où on peut euh, déléguer une partie de la puissance de calcul de son ordinateur. Donc on, a, on installe un, un petit logiciel sur son ordinateur. Et en fait, vous utilisez une partie de votre puissance de calcul de votre ordinateur, donc la puissance de votre ordinateur, pour aller calculer, par exemple, des images euh, prises mm -hmm. par Hubble. Et en fait, ça, ça permet en fait, de pouvoir déterminer en fait, si cette planète-là est une planète vivable ou si c'est une planète gazeuse ou si c'est une planète de roche, et ainsi de suite. En fait. Donc la blockchain va permettre de pouvoir faire ça euh, tout en permettant de, 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 de rewarder, donc de, euh, de redonner de la valeur aux personnes qui donnent de la puissance de calcul. Parce que très clairement, quand vous êtes un fan, ça marche, c'est-à-dire que vous, vous, vous permettez à ce genre d'organisme d'utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur, euh, mais vous n'y gagnez rien, typiquement. Donc, pour pousser plus de gens à venir donner de la puissance de calcul de l'ordinateur qui ne sert à rien, eh ben en fait, ce serait tout simplement de dire ben, venez donner de la puissance de calcul. En échange, selon la puissance de calcul que vous donnez, eh ben on vous donne ce jeton-là qui vaut une telle valeur. Voilà, typiquement. Je, je suis en train de faire un petit tweet euh, euh, pour marquer le coup quand hein. même. 10 000 balles. C'est ouf. Et il y avait une question dans le chat d'ailleurs par rapport à ça. Euh, Comment on va. Ouais, ouais. euh, c'est une excellente question. Euh, Allez-vous convertir C'est ouais. ça. Allez-vous convertir le wallet en stablecoin Oui, c'est ouais. l'objectif. Euh, c'est pas du tout pour spéculer. Euh, c'est pas du tout l'objectif. Et, et euh, justement, on va, on va essayer d'expliquer ça. Ça va faire partie des choses qu'on va d'autres lives qu'on fera par la suite. On va, on va expliquer avec comment... Comment On va convertir ça en stablecoin, donc d'essayer de s'approcher de, de la, la valeur la plus, euh, voilà, la, plus, la plus stable possible. Et par contre, on va, on va l'investir, on va faire en sorte qu'elle puisse euh, faire des petits, voilà qu'elle puisse euh, avoir du horn, comme on dit. Et donc, de pouvoir euh, sans toucher à, à ce capital-là qui doit servir pour euh, voilà pour pour euh, bah, pour travailler pour payer les gens qui vont qui vont bosser on va euh, on va dégager des euh, euh, des intérêts et avec ces intérêts là bah, on va décider ensemble de ce qu'on va en faire pour rewarder les gens qui entre autres auront participé aujourd'hui notamment dans tous les liens que vous êtes en train de faire remonter dans euh, dans tout cet effort collectif de co-construction de, co de richesses, et de sens autour de, de nos émissions et de, des émissions qu'on va construire ensemble, ben, on va décider ensemble de ce qu'on va en faire. Voilà. Et ça, ça va être super excitant. Parce que, parce que ça s'approche de. Voilà, le truc qui, moi, me tient à cœur en termes de, de vision, en termes de valeur, en termes de. Euh, ouais, tout travail, euh, tout travail mérite salaire. Et, euh, et le fait de participer et de co-construire ça, ça, on serait incapable de le faire tout seul. Donc. Euh, par La porte ou par les fenêtres, on va trouver une façon de, de faire en sorte que, un, on va s'en servir pour vous expliquer des choses, pour nous expliquer des choses, moi je vais apprendre plein de trucs, et on va tous continuer à apprendre plein de trucs, et voilà, et ça, va, ça va nous permettre d'avancer et d'aller, pourquoi pas, effectivement, tout, tout, toutes les tâches qu'on est en train d'effectuer là, bah, ça a de la valeur, donc euh, peut-être pas directement avec de l'argent, mais ce sera peut-être d'autres choses, ce sera peut-être des goodies, ce sera peut-être. Et, et, et les partenaires qu'on va essayer d'embarquer avec nous dans l'aventure, la, bah, s'ils comprennent ça, on aura. On aura réussi un truc, quoi. Et donc, euh, euh, mais comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'une question d'argent. Il en faut, mais c'est pas, euh, pas que ça. Euh, et moi, j'ai hâte de vous amener à la citadelle. Hein, putain. <laughs> donc voilà. Oui, oui on, va, on, va, on va travailler en stable coins. Euh, effectivement. Je remonte dans le chat. Euh, alors, c'est quoi les stable coins au moment de mettre bah, euh, euh, ouais, je, je te laisse répondre parce que j'ai essayé une définition euh, proche de ce que moi je connais, mais... Toi, c'est quoi ta définition il y a déjà, il y a déjà Dibs qui a très bien répondu. Hein. C'est ah, une monnaie contre, digitale indexée bien. sur le dollar. Euh, je trouve que c'est une. C Là, pour l'instant, pour le stablecoin, l'USDC, par exemple, oui, totalement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ben, qu'est-ce qui se passe On crée un jeton euh, sur la blockchain qui vaut un dollar. Comment on dit Comment on considère qu'il vaut un dollar Eh ben, la société qui émet le jeton, donc qui crée le jeton, et ben, elle va mettre dans son compte en banque un dollar. Voilà. Tout simplement. Donc, un dollar américain dans un compte en banque, un dollar émis sur la blockchain. Voilà. Donc, maintenant, on arrive à un stade où on parle de plusieurs milliards, même centaines de milliards en stablecoin. Euh, du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un stade où on est obligé de, passer en... de, de collatéraliser avec autre chose que du dollar. Donc, là, on... il commence à rajouter euh, du coup, des actions d'entreprise, euh, des, des obligations d'État. On commence à rajouter autre chose que du, sta... que, que du dollar américain. Parce que là, ces entreprises-là commencent à avoir un, un, un volume de dollars maintenus dans leur compte en banque qui commence à poser problème même pour les banques. Parce que là, on parle de, de centaines de milliards en fait. Donc ça commence à devenir compliqué pour eux de se dire, ah, on va mettre 100 milliards en, en liquide là sur votre compte. <laughs> C'est un peu compliqué, monsieur. Donc voilà. Ça répond, ça répond à ta question, Matt. Si vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment un ça que ça On... Et, et comme je le disais, le but n'est pas de spéculer. Et c'est ouais. pour ça qu aussi qu'on essaie ouais. de se rapprocher de quelque chose qui est le plus stable possible, même s'il y a des variations. Hein. Euh, quand on observe le cours des, 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 des coins dits stables, ça, ça, a une, ça a une fluctuation, mais ça a tendance à, de jour en jour, bah, ça se lisse et ça s'amène à, à quelque chose qui est, euh, voilà, qui est sur, sur le dollar, sur, sur l'euro. Avec des trucs que tu me disais l'autre jour, parce que moi j'avais en tête qu'il y avait aussi euh, par rapport au-delà. Au il y a plusieurs stablecoins qui sont sur le-delà. Il y en a une qui, est, qui moi je pensais, c'est la partie qui était la plus utilisée, c'est l'USDT, en tête heure. Euh, mm -hmm. Toi, tu préfères l'USDC, qui est sur la blockchain de, de Coinbase. C'est juste, je ne dis pas de conneries. Euh, enfin, c'est pas c'est pas réellement sur la blockchain de Coinbase, c'est maintenant sur plusieurs blockchains. C'est euh, un stablecoin qui a été émis, euh, donc créé à la base par Coinbase, qui est devenu du coup une société à part entière aussi qui s'appelle Circle et qui elle s'occupe de émettre ces jetons qui à la base ont été émis bien sûr comme beaucoup de projets sur Ethereum et qui d'ailleurs a très récemment euh, eu euh, très récemment s'est implanté nativement euh, sur, euh, sur Avalanche. Donc, ce qui est une grosse avancée pour l'écosystème. Excellent. Euh, Raf qui dit un ticket de visite à la citadelle. Bah ouais. On pourrait. Alors, c'est un des trucs. <laughs> J'ai peur de dire le mot NFT parce que tu vois qu'on va taper sur les doigts. C'est un des trucs que j'essaye je, de faire justement dans les, dans, dans les premiers lives qu'on avait fait, puis avec mes étudiants. Et toi, tu m'as dit, ouais, mais le NFT, bah voilà, c est, c est, ça commence à devenir un peu OK. Mais si c'est beau, si c'est joli, si ça a du sens de le collectionner, ça pourrait intéresser des gens. Euh, voilà. Moi, moi j'aurais envie de lancer l'idée dans le chat. Euh, J'ai fait des screenshots pendant le, pendant le live, pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Euh, on, on pourrait essayer de les mélanger, de les remixer pour essayer de, de, de faire une image avec plein de screenshots. D'ici la fin, je ne sais pas quand on va finir, on va continuer, mais euh, ça pourrait être un truc de screenshotter ce qu'on qu fait là et d'en faire, euh, faire euh, par collage une belle image qu'on pourrait euh, utiliser comme étant le, le proof of attendance dans ce dans ce chat dans le dans l'émission d'aujourd'hui puisque on a, on, on a les logs avec twitch hein, et donc on pourra vous envoyer votre NFT de participation à l'émission qui serait cette, cette espèce d'œuvre d'art de tous ces collages des screenshots que vous auriez pris pendant l'émission euh, donc moi j'en ai quelques-uns on, on les mettra euh, dans le discord donc n'hésitez pas à venir euh, à venir balancer ou vous les balancer dans les liens ou je sais pas ce que, ce que je sais pas où on peut récolter d'ailleurs toutes ces images là ça peut être euh où vous voulez en fait, on s'en fout un peu mais on va récupérer toutes ces images puisqu'on a, euh, a vos nicknames sur Twitch euh, bah on vous contractera en, en MP euh, et on vous enverra euh, votre proof of Attendance donc un, un, NF, un NFT euh, délivré par Poap et qui sera cette œuvre d'art euh, collaborative de tout ce qu'on aura fait ensemble je sais pas si ça vous botte. moi je trouve ça va, c'est pas trop boomer ça Miwak non, 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 non. Rien. Ouais. Là, as amélioré le concept, tu vois, Au yes. début, tu mettais, tu mettais juste une image de laves d'amanak en fond blanc, euh, moche ouais. et tout, que tout le monde était toujours la même chose. À dire au bout d'un moment, au bout du troisième poap, tu fais, euh, il serait peut-être temps d'avoir un truc un peu plus joli, quoi. Voilà. <laughs> voilà. Donc c'est dit, c'est fait. Oui, oui. Euh, si, ça, si ça, vous botte, ben, moi je trouverais ça. Voilà, on, on, on en fera un truc joli, quoi. Ça peut être cool. Euh, je remonte le chat parce que je, sinon je vais me faire encore taper sur les oh. sur les doigts. Tout le monde n'aime pas se faire spéculer. <laughs> C'est le problème de lire le premier le premier truc que tu. <laughs> Il y a aussi l'USBD et un bon DTC. Tout à fait, tout à fait, oui. Euh... D'ailleurs, j'ai une question pour, pour ben, les personnes qui sont de ln 24 ici quand même. Notre dernier. <laughs> Est-ce que tout le <laughs> monde est parti se coucher <laughs> euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de, euh, du euh, journalisme décentralisé C'est-à-dire, en fait, de pouvoir euh, apporter en fait, une vision euh, un peu plus collaborative au sein d'une structure, quand même, qui est... Du, de mon point de vue externe, j'ai l'impression, quand même, que les médias, c'est très pyramidal. Donc, euh, comment, euh, comment voyez-vous l'arrivée euh, euh, ben, de structures, justement, qui se créent de manière horizontale, plutôt et euh, qui ont une structure complètement différente de la vôtre. Est-ce que vous, vous trouvez ça intéressant, adaptatif, ou, euh, ou je ne sais pas. C'est quoi votre point de vue là-dessus, en fait Mais Il faut certainement s'adapter, s'adapter à cela, et pouvoir effectivement aller chercher des sources très divergentes. Aujourd'hui, euh, nos sources sont principalement liées euh, à, aux agences, aux agences de presse. Il y a évidemment nos connaissances personnelles qui vont chercher des, des informations à droite et à gauche, mais au, au plus on peut enrichir l'information, le, 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 au mieux c'est. D'accord. Ok. C'est intéressant. Mais il y a un principe de réalité aussi. Euh... Et ça, moi, pour l'avoir vécu dans, dans différents médias, et que ce soit des, des, des médias en télévision ou de, des médias euh, purement web aussi, il y a un principe de réalité qui est lié au modèle économique du média. Et, et oh. parfois, on a l'impression de faire rentrer des carrés dans des, dans, 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 dans des trous ronds ou, ou vice versa. C'est des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, dans, dans, dans le monde des médias. Euh, dans leur architecture même, tu vois, comment elles sont structurées au départ, comment elles ont été pensées au départ, bah, qui ont été, qui ont hérité d'un modèle économique du siècle dernier, quoi. Et donc, tu peux avoir les meilleurs journalistes, tu peux avoir, euh, à la limite même, le meilleur matériel. Bah, cette, cette notion de comment, euh, à qui tu parles, tu vois, c'est qui ton audience, comment tu, et ça, c'est des choses qui sont voilà, il faut remonter dans les écoles de journalisme, il faut remonter dans les écoles de management, il faut... les, les médias sont comme toutes les entreprises, hein, elles, elles, elles subissent tous l'accélération forcée à laquelle les nouvelles technologies euh, les contraignent. Il y a eu la première vague, avec les, euh, sans mauvais jeu de mots, avec les plateformes, avec Facebook, avec Google, qui sont arrivés. Qui les, qui, voilà. les médias auraient pu être Google, en fait. Hein euh, ils auraient pu indexer tout leur contenu, avoir un shot moteur de recherche, et on aurait pu faire des recherches dans les, dans, dans les articles de tous les médias et gagner de l'argent la, euh, avec la pub. Ils ne l'ont pas fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Euh, Facebook est arrivé et a en exponentiel cette capacité à, à siphonner les réserves publicitaires que les médias avaient l'habitude d'avoir. Et là, on est sur une autre vague qui est celle de l'accélération où la mère nature s'est chargée de nous rappeler qu'on n'était que des humains mortels et qu'on bah, ne peut pas aller au bureau, bah, il faut être capable de travailler à distance et que ce n'est pas juste une question technologique, c'est aussi une question de culture. Et, et ça, il y a un super article d'ailleurs qui a été mis dans le... Dans le chat euh, tout à l'heure, c'était dans, dans le. Ah, il faut que je le retrouve. Je pense que c'est Tanguy qui a mis ça, euh, qui a été mis dans le. Euh, dans le Discord. C'est Tanguy, c'est toi, toi qui l'avais balancé tout à l'heure ce, ce lien sur euh, la façon dans laquelle, justement, culturellement parlant, euh, c'est. Les techno, c'est pas la techno en fait qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et c'est la façon dans laquelle ça change radicalement la façon de travailler, la façon d'interagir, la façon de, de créer de la richesse. Et, et, et c'est complexe. C'est vraiment complexe. Et pour moi, dans mon job au quotidien, d'essayer d'apprendre euh, à comprendre, surtout comment, comment techniquement ça fonctionne, pour mettre ça au service des médias, bah c'est loin d'être facile. Enfin voilà. Je ne sais pas, Alain, euh, si tu... Si ça, si ça correspond aux enjeux que toi tu perçois par rapport à l'évolution des LN24, aussi par rapport à tout ça, il y a des... même si vous êtes jeune, si vous êtes, êtes confronté aussi de plein fouet à, à ce. On avait discuté d'ailleurs l'autre jour, le, le... vous faites des audiences où ça monte et en même temps, vous avez des annonceurs qui disent Nous, on voudrait quand même pas être trop associé à une image, enfin, à, à, à une, une information qui est anxiogène comme le Covid. C'est ouf. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, mais... le, mod le modèle économique est constamment réinventé, donc il faut être très attentif à tout ce qui se passe euh, le média propriétaire euh, ou la diffusion via un média propriétaire ou une dispersion euh, sur un ensemble d'autres diffuseurs. Bref. Ce sont des, des, des choses auxquelles il faut tous les jours, tous les jours réfléchir et voir comment au mieux on peut s'adapter euh, à, à, à la réalité. C'est d'ailleurs un, un des trucs, je remonte dans le chat et, et c'est Florent qui, qui est toujours avec nous qui nous, qui nous balance ce truc. J'en avais discuté avec des gens, j'ai encore eu un call la semaine dernière avec euh, des gens de chez Google qui travaillent là-dessus. Euh, on pourrait utiliser la blockchain pour la traçabilité de l'information, pour voir qui l'a produite, euh, par où elle est passée, qui, qui a modifié un texte ou rajouté des infos sur une vidéo, par exemple. Euh, Guillaume Désiel, qui a été cité dans le chat par, euh, par Raph, je pense, a parlé à un moment donné. Euh, euh, ils ont fait une expérience à Montréal. Peut-être que ça, on pourrait s'en servir d'ailleurs pour l'émission. Ah, ça, on pourrait montrer, parce que visuellement, il y a des choses à montrer. Ils ont fait un, avec un orchestre symphonique, il y avait 80 personnes sur scène, euh, et ils ont inscrit dans une blockchain les droits d'auteur liés à la prestation. Donc, avant même que l'œuvre soit performée sur scène, il y avait des smart contracts qui ont été établis, et je pense que l'outil est open source d'ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on pourrait en reparler avec WildChain d'ailleurs. Euh, parce que euh, s'ils si sont sur ce track-là avec les médias, on peut peut-être expliquer ce truc-là. Euh, parce que les droits d'auteur, le tracking des droits d'auteur, le déclenchement automatique d'un smart contract pour rémunérer les artistes, les auteurs qui auraient participé à une œuvre, et parce que ça a été inscrit dans la blockchain, on pourrait tout à fait déclencher à ce moment-là le paiement des droits d'auteur de manière automatique. Ça, ce serait pas mal. C'est challenge. Ça challenge. T'en mais ok Oui, ah, mais totalement. C'est le genre de challenge. Totalement, truc, euh... totalement. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Smart Split. Et c'est clair, y a des, y a des, dans le domaine des médias, s'il y a des, des, des projets ou des choses qui permettent la validation des sources, euh, c'est pas, pas mal non plus, parce qu'aujourd'hui, le, 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 le pire qui puisse nous arriver, c'est de, de, de relayer une fausse information. Ouais. Il y a. Il y, a, il y a Denis qui nous, qui nous, qui nous écoute, mais il ne l'a pas mis dans le chat public, donc je ne vais, je, je vais, vais pas le dire exactement ce qu'il m'a dit en, en, en MP, mais euh, on, va, on va mettre les infos dans un dossier et on va lui envoyer. Hein, parce qu'il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire. Euh, Xsplit, non, ça c'est encore autre chose, euh, Raph. C'est SmartSplit, je pense. Euh, au Canada, ils ont, ils ont d'ailleurs eu de l'argent public pour le développer. Et je pense qu'ils l'ont vraiment fait en, en, en open source. Mais Guillaume, c'est toi qui l'as eu en, en, en live euh, la semaine dernière. C'est euh, SmartSplit. Smart mais peut-être. Alors, Xsplit, x ça ne m'a dit rien. Mais SmartSplit, si. Euh, ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment possible. C'est le concept de sa plateforme Xsplit, d'ailleurs. Ah bah voilà, mais c'est peut-être ça, en fait. Euh, encore un beau use case. Mais c'est cool. Si, si on a des trucs dans la santé, si on a des trucs dans l'agriculture, si on a des trucs. Dans, dans la musique mais genre euh, les arts de la scène quoi qu'on peut montrer ah ben la, la musique vous avez euh, typiquement euh, audius il y a audius audius ah. euh, pour la musique euh... enfin comme j'ai dit la blockchain ne va pas tout résoudre euh, là je pense qu'on a on va arriver dans un stade où les gens vont commencer à l'utiliser à tout va euh, donc c'est peut-être justement le moment de commencer à parler des choses qui sont utilisés et qui sont fonctionnels et qui sont utiles euh, à les comparer avec les choses qui vont arriver et qui seront euh, justement inutiles et euh, et euh, avec une utilisation euh, qui, qui justement pose problème parce que euh, quand je vois qu'il y a des gens qui commencent à me dire euh, j'aimerais beaucoup euh, mettre euh, toutes mes photos à Instagram euh, en décentralisé euh, quel est l'intérêt quoi <laughs> je veux dire à part pourrir la planète des photos servent pas à grand chose quoi <laughs> oh, ça c'est un truc... Euh... Euh, je, fais, je, je, je jump sur cet aspect euh, écologique, tu vois. C'est une des critiques qu'on fait par rapport à, à la blockchain et notamment pour le bitcoin. Ça revient en ouais. boucle dans les médias, c'est euh, ouais, mais ça nique la planète. On pourrait montrer des trucs. Comment est-ce qu'on pourrait montrer qu'en fait, c'est toi qui m'avais expliqué ça, la comparaison, c'est qu'on peut supporter aujourd'hui des, des nœuds de la blockchain avec l'équivalent d'un d'une recharge d'un enfin, point de vue énergétique d'une recharge d'un téléphone mais comment on pourrait montrer ah ça débuguer oui, euh, je, je que... euh, non non je pense que le plus simple c'est euh, c'est pas forcément de rentrer dans le débat parce que le débat euh, c'est un débat stérile hein. okay. euh, ceux qui y croient y croient à fond et ne cherchent pas plus loin euh, parce qu'en fait ils restent bloqués sur euh, le proof of work de Bitcoin euh, maintenant la blockchain ce n'est plus que Bitcoin Oui, Bitcoin. Il faut comprendre Bitcoin parce que Bitcoin c'est une philosophie avant tout. Euh, et une fois que vous avez compris la philosophie, vous comprenez quel est l'intérêt de tout ça. Et aujourd'hui, on arrive maintenant avec beaucoup de technologies euh, type proof of stake sur beaucoup de blockchains qui elles, euh, en termes de, 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 de en termes d'impact écologique, euh, c'est dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Vous avez, enfin, euh, les gens vont se dire que je fais tout le temps la promotion de, de Avalanche, mais euh, parce que pour moi, Avalanche c'est un est un produit qui est tellement, euh, tellement déjà avancé technologiquement euh, et tout, et tout, qu'ils font énormément justement de, 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 de culture autour de l'écologie pour prouver que leur blockchain est écologiquement parlant euh, euh, très adaptative et surtout euh, que ça consomme rien en fait. Euh, ça consomme absolument rien. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, euh, uploader une dizaine de photos sur Instagram et les laisser sur le serveur d'Instagram euh, coûte plus cher à la planète que les, de faire tourner un nœud avalanche par exemple. Mais bon, ça, ça pour le, 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 le faire comprendre aux gens, c'est compliqué. Parce que les gens, maintenant, c'est devenu très simple de prendre une photo, de l'upload ou de faire une story Instagram et de l'upload. Et en fait, ils comprennent pas que la story Instagram qu'ils sont en train de faire, qui, qui, qui pèse 300 MO, euh, a un impact écologique énorme derrière. Pourquoi Parce qu'on a le système de centralisation et de redondance de l'information dans le monde qui, euh, euh, ton, ta petite vidéo de 3 minutes, euh, va peser en réalité 300 gigas, quoi. Et, et mmh. les gens ne le comprennent pas en fait tout ça, mais je pense que ça c'est des questions qui sont difficilement abordables parce que c'est déjà une, une problématique de centralisation de la donnée bien avant la décentralisation de la donnée. Mmh. Okay. Donc oui la blockchain ne va pas résoudre ce problème, on ne peut mmh. pas, comme je le dis, la blockchain ne résout pas tout. Euh, ils ne vont pas résoudre ce problème là, ce n'est pas le but de la blockchain. Le but de la blockchain c'est de rendre à, euh, à, la, à, à la société, c'est-à-dire aux, aux gens en fait tout simplement, au peuple, le droit de posséder leurs actifs. Aujourd'hui, tu vas à la banque, tu déposes ton argent, mais si demain la banque elle fait faillite, qu'est-ce qui se passe Eh ben, ton argent il disparaît. Et c'est pas la première fois, je veux dire, depuis ça fait maintenant 5000 ans que l'homme utilise de la monnaie étatique et ça fait 5000 ans que ça ne marche pas. Euh... Voilà, on, on le voit encore aujourd'hui. On le voit avec le Venezuela, on le, voit avec, on le voit avec, la Turquie, on le voit avec tous ces pays-là, en fait. Ou même aujourd'hui, on, on le voit avec l'euro et, et, et le dollar américain qui euh, chutent drastiquement en termes de valeur. L'impression monétaire, elle pose un gros, gros, gros problème à notre société. Et la blockchain, elle résout ce problème, en fait. Bitcoin résout ce problème, typiquement. Et, et en fait, c'est plus là, en fait, qu'il faut amener la chose en disant, mais en fait. Le problème est que aujourd'hui, on a un système centralisé sur la création monétaire, qui elle consomme une énergie folle. Si déjà on arrêtait de faire ça et qu'on le basculait sur la blockchain, et ben, en fait tout ça serait réglé en fait. En fait, on compenserait la, 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 la lourdeur énergétique et même la lourdeur administrative qui tourne autour de, 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 de la monnaie en fait, par une blockchain décentralisée en fait. Mais ça, mmh. c'est euh, amener ça euh, dans, dans, le, dans le discours on va dire populaire, c'est très compliqué parce, parce que, que les gens politique. ont déjà du mal à comprendre ce que c'est clairement. Parce que c'est politique et parce qu'on qu parle d'argent. Dans tous les sens. Voilà. Soci... Alors c'est ça, c'est deux tares en une, c'est politique et donc il y a des questions de pouvoir et on parle d'argent donc on parle de comment les gens bouffent quoi. Comment tu mets du pain dans ton assiette euh, on... Il y a Greg dans, dans le chat qui dit le Liban, on n'en parle pas, mais c'est catastrophique. C'est euh, tant le Liban qui était quand même la Suisse du Moyen-Orient. C'est vrai qu'il y a une inflation oui, exactement. Euh, au Liban. Ouais, exactement. Mais pas je je pense que les gens n'ont pas conscience de, de, de la chute du Liban. Je pense que les gens ne, ne, ont, ont du mal en fait à assimiler que le Liban c'était vraiment un pays dans lequel en fait c'était une plaque tournante de la valeur monétaire de bah, toute une région en fait. Que ça, ça saute du jour au lendemain. Euh, personnellement, moi, ça me fait peur. Comment, comment, on, comment on pourrait expliquer ça, tu vois? Euh... Mais on peut, ça, ça, pourrait, ça pourrait être un bon exemple hein. ça pourrait être un très très bon exemple mais euh... mais c'est politique alors est-ce qu'on est-ce qu'on doit avoir est-ce qu'il y a des politiques qu'on pourrait amener à l'antenne pour parler de ça pou, pou, pou. Euh, pff, c est, c est, tu vois ils, ils vont ah bah je, ce serait ce serait plus à LN24 de répondre est-ce que est-ce que vous pensez que... <laughs> euh, dans dans une suite dans une suite euh, d'émissions, pas de problème, c'est probablement pas dans la, dans la première qu'il faut aborder ces, ces, ces points-là, oui, totalement. Ouais. ouais, parce que là on, on, on multiplierait les, les single points of failure, <laughs> exactement. Oui. Mais, euh, mais oui, immanquablement, ça pose cette question. là Peut-être qu'avec avec, l'approche, mais les DAO, c'est même encore trop, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de ça dans la première Pouah.

on, on le voit, les gens commencent à avoir peur, les gens commencent à critiquer l'euro, les gens commencent à critiquer le dollar. Euh, les, les gens, euh, on, on voit des, des, des gens quitter leur pays, avoir des vagues migratoires, non pas par rapport à, euh, à, à ce qu'on dit souvent que c'est à cause de l'écologie. Non, non, on commence à avoir des vagues migratoires parce que les gens quittent leur pays, parce que la monnaie de leur pays est tellement, de sous, des, tellement dévaluée chaque année euh, que ça ne sert à rien en fait de rester dans leur pays. On voit mm. le Venezuela le Venezuela a un gros problème d'exode de, 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 de leur population. Euh, pourquoi Parce que travailler aujourd'hui au Venezuela ne rapporte rien. Le sucre est plus cher. Est-ce que... Est que Elio Di Rupo dans la blockchain ne serait pas immortel Excellente question, Matt. Je pense que... Elio Di c'est un président de parti politique chez nous qui est présent depuis. Pouf Je pense qu'on l'a tous connu, Elio Di Rupo. Il, ne... il ne vieillit pas. Il est, effectivement... est NFTisé. Non, il est NFTisé, NFT pardon. <laughs> c'est une, une blockchain humaine. Ouais, c'est un proof of stake à lui tout seul. Qu'est-ce euh... <laughs> Richard, Michel Drucker, ouais, ouais, ouais d'office. Ouais. Euh... Hop, je remonte, je remonte, je remonte. Il faut, faut un faut exemple concret d'un système d'aujourd'hui voilà, remplacé par la blockchain qui fonctionne déjà. Ça, ce serait topissime. Un truc qu'on montre que c'est broken et que il y a des mecs qui ont buildé un truc et ça marche. J'ai envie, envie de dire les banques, mais à mon avis, ah. <laughs> c'est un peu trop violent. <laughs> mais dans, dans, dans les telcos, tu vois, dans, 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 dans les entreprises telcos, dans les télécoms, dans les, tu vois, il n'y a pas des trucs. Mais la, 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 les télécoms sont en avance monstrueux. Enfin. J'en oui. parlais avec euh, un, un Belge justement, Bibi Wen, sur notre Discord, qui est ingénieur Cisco Belge. Et en vous fait, euh, dans les années, quoi, un ingénieur Cisco parce que Cisco, Alors, pour, okay. que pour beaucoup de gens, c'est un ingénieur un Cisco. De... En fait, ouais, un ingénieur Cisco, si vous voulez, dans le monde de, de, du réseau. En fait, Internet étant un réseau, dans le monde du réseau, vous avez des ingénieurs. Et parmi ces ingénieurs, vous avez une poignée de personnes qui sont des ingénieurs Cisco. Il y en a 400 dans le monde actuellement. Euh, et qui se font de plus en plus rares d'ailleurs. Et euh, ces personnes-là, en fait, sont à la pointe aujourd'hui en termes de conception de ce que c'est qu'un réseau. Et on peut même aller plus loin parce qu'en en fait, en discutant avec BB One, il m'a expliqué que dans les années 90-2000, et même encore maintenant, je crois que ça, ça a disparu en 2008 en Belgique, euh, vous aviez utilisé un système qui s'appelait Isabelle. C'était un système qui interconnectait les banques entre elles et qui était l'un des premiers réseaux décentralisés. Donc en fait la décentralisation existait déjà à l'époque en fait. On avait déjà le, le noyau de ce que c'était qu'une blockchain en fait. Et en fait les banques se servaient de d'Isabelle pour transférer de la valeur, mais aussi pour euh, sécuriser la valeur. Dire j'ai transféré de la valeur ou un tel a transféré de la valeur à un tel. Ils étaient toutes conscientes de quelle était la balance euh, budgétaire de chaque banque et en fait ils pouvaient se transférer de la valeur interne en fait de manière euh, tout simplement nationale en fait. Visa est arrivé et a rasé tout ça, malheureusement. Euh, et la Belgique a, euh, a, a, a sauté le pas sur Visa, euh, qui, pour moi, dans, dans, dans ma philosophie, est potentiellement l'une des plus grosses erreurs. <laughs> Mais après, ça, c'est parce que c'était pratique à utiliser Visa, malheureusement. Et c'était américain aussi. Et euh, du coup, en fait, les, 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 les Belges, vous, êtes, vous avez toujours été en, fait, en avance technologiquement parlant. Donc, pour moi, euh, je pense que la Belgique est un très bon pays en fait, pour comprendre ce que c'est que technologiquement la blockchain et l'amener en use case, c'est-à-dire l'amener à, à, à l'utilisation en fait. C'est vrai qu'Isabelle, c'est. Euh... Et d'ailleurs, il, il y avait Marc qui était avec nous l'autre jour, qui, qui est un des. Euh... Ben voilà, maintenant, c'est un des fondateurs d'Ibanity, qui était racheté par Isabelle. Il a expliqué comment avec les, 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 tous les protocoles on open API ils arrivaient à créer des nouveaux services, des nouveaux, des nouveaux protocoles et faire en sorte justement que ça circule et que l'information puisse être validée, sécurisée et parce que ouverte euh, ça vaudrait peut-être la question de leur poser la question mais rentrer dans le dans le gras des banques maintenant sur le, sur le pilote on s'attaque à un ça morceau c'est trop dur. Euh, pff, c est c est dur. dur mais en, mais en plus c'est pas l'idée veut... le, le but est de, de, leur faire, de, de faire comprendre à tout le monde que la blockchain est là pour les aider et pas pour les détruire la, la blockchain ouais. va créer, euh, va créer du, du travail, pas en détruire en fait. C'est juste que c'est comme quand Internet est arrivé, ouais, voilà. et ben il y a des métiers qui euh, ont dû s'adapter ou même parfois certains métiers qui sont devenus inutiles. Et ben la blockchain va arriver, et va faire exactement la même chose. Mais qu'est-ce qu'a amené aussi Internet Et ben maintenant on est 7 milliards sur la planète, et ben il y a quand même la majorité des gens qui travaillent. Donc Internet a permis de pouvoir faire travailler des gens au Bangladesh, en Inde, avec des gens aux États-Unis. Donc la blockchain va pouvoir faire pareil, mais à un niveau euh, jamais vu en fait. Et c'est ça qui va être intéressant en fait, c'est que les, les, bien sûr, on le disait déjà que euh, aujourd'hui, si tu es programmeur, ton, a, ton avenir en termes de travail euh, est, est déjà tout tracé. Tu trouveras toujours du travail en tant que programmeur. Et ben là, avec les blockchains, c'est non seulement en tant que programmeur, tu vas toujours travailler du, trouver du travail, mais en tant qu'économiste aussi, tu vas pouvoir toujours trouver du travail. Parce que euh, la compréhension de ce que c'est que l'argent et même la vulgarisation de l'argent, ça va être un enjeu majeur euh, international en fait. Je vous fais un point Wallet. Ah Vous êtes... Bah des voilà, grand malade, hein, les gens. Félicitations. <laughs> ça y est. Vous êtes des grands malades. Ça, c'est... Ça, 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 ça c'est... Je, je je, j'en je, je, tombe de ma chaise. <laughs> Putain. Et bien bah voilà. Que, bon, on passe vous... à autre chose, mais non en fait. Qu Qu'est-ce <laughs> qu que vous voulez vous Putain, bah, euh, je vais réserver le petit train à la Citadelle, Je pense. Merde. C'est la majorité dans stable coin. ne t'en fait pas dix. Alors oui, c'est je pense qu'en dessous on a la la ventilation. Ouais, ouais, tout est quasiment tout est déjà en stable coin, ouais. On peut aussi montrer que la traçabilité de l'animal vivant qui vit dans ton assiette est sécurisée et que les incidents comme les animaux nourris par de la farine animale peuvent nous tuer. Euh, tu peux, en fait, tu peux aller même plus loin. En fait, tu peux, par exemple, euh, dire qu'en fait, cet animal-là, tu peux lui donner en fait toute sa vie. En fait, à sa naissance. Tu peux lui dire, tu peux déterminer en fait ce qu'il a mangé, ce qu'il a vécu, ce qu il a, où il a été, quelles sont les personnes qui l'ont côtoyé. Tu peux, tu peux faire énormément de choses. Mais je pense que la blockchain ne va pas, comme je dis, la blockchain n'est pas là pour résoudre forcément tous ces problèmes. Et c'est ce cas d'utilisation n'est pas forcément le meilleur. Mais euh, une chose sûre, est sûre, c'est que oui, euh, c'est adapté pour pouvoir faire ça, par exemple. Le, rat, le panda à ton laveur est-il <laughs> tracé par la blockchain <rire> <rire> <laughs> Mais c'est vrai ah qu'il y, ah y, euh, y avait les grosses... Comment ça s'appelait Tu vois, qui, qui, qui était chargé de valider les transactions interbancaires. Euh, il y avait euh, Euroc Euroclear Euroclear, Euroclear, et il y en a une deuxième. Et elles sont en Belgique, hein Elles sont en Belgique, et c'est elles qui valident toutes les, toutes les transactions dans le... Euh, ah Swift, voilà, euh, Far Ketchup, Swift, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, Swift et Euroclear. C'est deux boîtes qui sont implémentées en Belgique, qui ont leur, leur, leur QG, leur, leur headquarters en Belgique, avec des mesures de sécurité de fou furieux. Moi j'avais un copain qui, qui, qui bossait chez Euroclear et qui me racontait, les... c'est un bottleneck incroyable, ce truc-là tombe, la finance mondiale tombait, quoi. Ah oui, euh, hum. ah ouais ouais, clairement. Ben là, on a, que... même le, on, a, on a le même cas avec, euh, avec Square, on a le même, euh, qui est devenu Block. Euh, ouais. Donc, euh, l'un des dirigeants de, de Twitter, euh, c'est lui qui l'a créé. Donc, Square et Block. Ouais. Ouais. Et on a le même cas, euh, tout simplement, avec le réseau Visa et le réseau euh, Mac, enfin, euh, de, 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 de. Comment il s'appelle Mastercard. Ouais. Euh, c est, c est, rien que le réseau Visa, il tombe demain. Ouais. 70% des transactions dans le monde, bah, ça dégage. Voilà. Blockchain égale robotisation des transactions. C'est un des trucs, je pense qu'on va, va devoir l'expliquer en un donné, c'est le, le caractère automatique du, du déclenchement du smart contract. Puisqu'on l'a établi avant, quand dans certaines conditions ça se passe, alors c'est déclenché. L'exemple le, le, des assurances aux États-Unis est juste dingue. Hein. Il y a une catastrophe naturelle, dans le contrat, c'est marqué que, donc on déclenche. Bim On l'a vécu en Belgique, hein on l'a vécu en Belgique avec les inondations, peut-être qu'il y a un truc à montrer. Peut-être qu'on peut essayer de trouver des assureurs, d'essayer de, 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 de comprendre comment les assurances ont fonctionné ou pas euh, en Belgique dans à l'occasion des, euh, des inondations, et de montrer comment ailleurs, le problème a été réglé grâce à la blockchain. Et dire, faire la preuve par exemple. quoi. Ici, ça a ah, oui. merdouillé parce qu'il parce que, euh, fallait remplir le papier B1242 en 5 exemplaires avec le tampon du machin pour prouver que tu étais bien assuré. Là, dans ce cas-là, aux États-Unis, il y a eu un truc, bing, bing, bing. Et, euh, et ça s'est déclenché tout de suite, et les personnes ont été indemnisées. Ça, si on arrive à le montrer. Parce que les assurances ont tout intérêt à venir jouer, quoi, avec, enfin, à, venir jouer à, à utiliser la blockchain. Ah bah si, euh, si Deloitte l'a compris, je pense que euh, tous les autres assureurs sont en train de, de, de pagayer comme pas possible pour rattraper le train. Très clairement. On a si tu as le plus gros, gros assureur international qui dit Moi, j'utilise la blockchain, et que bah, s'ils le font, c'est que bah, ce n'est pas n'importe qui qui le fait. C'est qu'ils ils disent C'est bon, nous on utilise la blockchain, donc c'est sûr. La blockchain, c'est quelque chose de, de validé. Quoi. Euh, voilà. Et, et en plus, si eux valident euh, la blockchain, c'est-à-dire si Deloitte valide la blockchain, ça veut dire que le, les entreprises du top 500 mondial valident la blockchain. Voilà. Parce que la majorité des actionnaires de, de oui, Deloitte n'auraient pas, pas fait comme ça euh, en mode ⁇ Ah, oh, on a trouvé un truc, les gars, on ne vous demande pas votre avis, on le fait. ⁇ <laughs> bah oui. été valide. Et euh, tu te souviens de ton contrat de, de, de 10 milliards d'assurance bah, Je l'ai mis sur un truc euh, en test. <laughs> C'est pas grave, euh... hein. C'est pas... pas grave. <laughs> S'il est... est perdu, euh... c'est pas grave. Euh... Non, non, absolument pas. Raph, est-ce qu'on a... Est qu a, mis le... le, alors je sais pas si tu es toujours là, Raph. Ouais, es toujours là. Euh, le truc à... assurance, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a mis quelque part dans le, dans la conduite ou pas poum, poum, poum. Je vais essayer de retrouver le. Comment tricher avec la blockchain Tu ne peux pas tricher avec la blockchain. Tout ce qui se passe sur la blockchain est visible. Donc tu ne peux pas. Euh, alors il y a Denise dans, dans, là, qui me dit j'ai fait un contrat de stage pour un mémoire sur l'usage de la blockchain dans les assurances pour ETIAS avec WildChain. Ah bah voilà, typiquement. Ah si ETIAS. Alors en plus ETIAS chez nous en Belgique... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça aux, aux, aux copains français C'est quoi les plus grosses assureurs en France, mais assureurs d'État en plus C'est ceux qui assurent tous les, les fonctionnaires, les, 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 euh, les administrations publiques, les trucs comme ça. Et tiens, c'est du, du lourd hein, en termes, en termes d'assurance euh, publique. La Poste. Si eux commencent à jouer avec, avec ça, ça, ça c'est super cool. Quoi. Si tu as des contacts, Denis, n'hésite pas. Hein, parce que là, on va... Je pense que ça, c'est un truc qu'on peut, on peut vraiment montrer l'exemple. Le, le... Malheureusement, l'actualité nous a montré qu'avec les inondations, le, le, le buffer entre le moment où le truc se passe, c'est constaté, et derrière, les gens euh, touchent l'argent pour lequel ils ont cotisé, parfois pendant des années, avec tout le ressentiment que ça crée aussi. Tu vois, euh, on pourrait là montrer un, un bel exemple de dire bah voilà. Là, ça marche. Bah oui, totalement. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de use cases. Il y, y a déjà beaucoup d'applications. Je pense qu'il faut pas se, il faut pas se leurrer. Ça va arriver. Beaucoup de gens vont l'utiliser. Ça va être très oui. bien utilisé. Et mal utilisé. Mais tu vois, pour l'émission, nous, on doit le montrer ça. On doit trouver. Tu vois, non seulement il faut montrer les, les bons exemples, pas pas une blockchain, pas une cheat blockchain. <laughs> euh... Mais avec un vrai, une vraie valeur d'usage euh, euh, visuellement, tu vois parce, parce que c'est oui. parce que c'est parce que c'est de la contrainte de la, de la télé. Quoi. Il y a une question de Dibs. Il faudrait expliquer ouais, aussi ouais. que la division des rôles dans une blockchain empêche la prise de pouvoir d'une entité qui voudrait pervertir le système. Oui, mais les de base, ouais, les généraux Byzantins, mais mm. alors, alors, Expliquer ça, est-ce que les gens ont vraiment envie de comprendre? <laughs> je pense que les gens, voilà, je pense que là, c'est trop technique pour que les gens se disent, euh, ah ouais, les généraux byzantins, du coup, ça fait en sorte que ça marche bien. Non, je pense que les gens, c'est comme tout, c'est comme la majorité des gens qui conduisent une voiture, ils ne savent pas comment fonctionne leur moteur, euh, ils savent qu'il faut mettre de l'essence dedans, euh, du sang-plan ou c'est pas, ou de, de l'électricité ou que sais-je, euh, et voilà, ça fonctionne, youpi, ça fonctionne pas, ah, j'amène à un mécano, voilà. Et, et je pense qu'en en fait, là, c'est le même, le, le même principe, c'est qu'on ben, ne va pas expliquer non plus aux gens euh, tout, 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 parce que les gens, ils, la plupart du temps, ce n'est pas, euh, pas leur job de s'intéresser à ça forcément, ou ce n'est pas leur truc qui s'intéresse forcément à ça. Mais plutôt de leur dire que ça fonctionne parce qu'on utilise des technologies qui font que ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Et surtout, en fait, c'est de leur donner en fait, plutôt des entreprises ou des gens qui sont euh, rémunérés par la communauté. Euh, mmh. pour euh, sécuriser euh, ce qui se passe sur la blockchain, ou plutôt auditer ce qui se passe sur la blockchain. On peut citer notamment euh, Chain Analysis, qui est une entreprise qui euh, passe euh, 24 heures sur 24 son temps à regarder ce qui se passe sur la blockchain. Okay. Et en fait, eux, ils sont capables de dire, bah là, il y a une erreur, là, il y a un problème, là, il y a un tel qui a fait une connerie. Euh, voilà. Ils sont capables de, intégralement de décortiquer tout ce qui se passe sur la blockchain. Et de plus en plus d'entreprises sont en train de faire ça. Donc en fait, on va avoir de plus en plus de, de, de retours sur, euh, sur ce qui se passe on-chain et ça va être de plus en plus dur de, de faire quoi que ce soit sur la blockchain sans que personne ne s'en rende compte. Typiquement aujourd'hui, Bitcoin est sûrement le réseau le plus surveillé au monde. On parle de plus de 1000 entreprises dédiées à la surveillance de Bitcoin. Juste du réseau Bitcoin, de regarder ce qui se passe, de regarder les modifications, de regarder toutes les transactions, de faire en sorte que chaque nœud fonctionne bien comme il faut, de regarder si, euh, si les nœuds se déplacent, est-ce qu'ils vont autre part, où est-ce qu'ils sont, et tout ça en fait. Il y a mille entreprises qui sont dédiées rien qu'à faire que ça. Regarder ce qu'il se passe sur la blockchain. Donc, ça va devenir de plus en plus dur d'essayer de faire quoi que ce soit en termes de tricherie. C'est ouf hein, de se dire que c'est la transparence. On, on instaure la transparence parce qu'on n'a pas confiance. Et que c'est le seul moyen en fait, d'avoir confiance. <laughs> c'est de, <laughs> de ça, ne pas se faire confiance. En fait, mais, mais en fait ça, c'est parce que on a, justement, il y a Philoscopie. C'est un, un, un doctorant euh, qui s'occupe de tout ce qui est euh, euh, gestion des foules. Et en fait, il parlait justement que le, la problématique qu'on a maintenant euh, sur Terre, c'est que mmh. la mondialisation nous a interconnectés. Et en fait, on se met en fait à pouvoir discuter et avoir des échanges avec des personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie, et même parfois qu'on ne verra jamais. Typiquement, vous achetez un truc sur AliExpress, vous ne savez ni qui est le vendeur, ni qui vous l'a vendu. Et bien là, c'est pareil. Et aujourd'hui, en fait, ben, c'est euh, en fait, très dur, parce qu'avant, en fait, c'était facile de se faire confiance, parce qu'on connaissait, euh, on était tous dans le même village, ou on côtoyait les villages d'à côté. Et du coup, en fait, euh, s'il se passait une connerie, on pouvait aller au village d'à côté et dire oh, oh, ton truc que tu m'as vendu, euh, c'était de la camelote ». Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, en fait, on a eu euh, le réseau Visa, les réseaux bancaires, interbancaires qui ont essayé de résoudre ce problème, même si c'est très dur, avec le remboursement euh, des achats via Visa et tout ça. Mmh. Euh, mais euh, c'est une problématique qui est encore dure à gérer. On le voit hein, maintenant, il faut faire tout un système pas possible. La plupart des entreprises qui, qui acceptent les remboursements sont, se, retrouvent, euh, se retrouvent très souvent déficitaires dans ce domaine-là. Et, euh, et la blockchain, par contre, là, va instaurer un, un, un domaine simple. Qui est Tu n'as pas besoin de faire confiance à ton voisin parce que ton voisin, tout le monde le regarde. Voilà. Et toi, euh, personne n'a besoin de te faire confiance, toi, parce que de toute façon, tout le monde te regarde. Donc, au moindre petit mouvement de travers, le euh, tout le monde va le voir. Hein. C'est le, <laughs> le panopticon euh, euh, mélangé à 84. Et ah, mais là, alors, on, on plonge dans un autre truc. Mais c'est le rabbit hole. Mais quand tout le monde surveille tout le monde, c'est ça. C'est ce qui explique aussi pourquoi la Chine créer sa propre crypto pour pour tracer absolument tous les échanges supprimer le cash et faire en sorte que tous les que toutes les transactions soient, soient, soient traquées oh, il n'y a pas que la Chine hein. oui. le euro ça sera exactement la même chose c'est hein. Christine Lagarde qu'il faut avoir en fait si on doit avoir un politique c'est elle qu'on doit avoir c'est ça ah non non <laughs> justement c'est elle la plus dangereuse c'est elle la plus dangereuse elle, elle veut instaurer elle veut instaurer une mécanique qui font, qui est déjà euh, parce que l'euro, on va dire que 87% de l'euro est numérique. Qu'est-ce que va rajouter le e-euro Eh bien, la traçabilité. Ouais. Donc, elle va savoir qui possède quoi dans quel compte. Voilà. Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, vous n'êtes pas content, vous allez manifester, on pourra littéralement vous bloquer vos comptes. Est-ce que ça peut pas... Je me fais l'avocat du diable, hein, parce que... Euh... C'est mon job. Euh, Est-ce que c'est pas aussi une manière de traquer l'évasion fiscale tu vois, de se dire, OK, euh... <laughs> ouais. vous avez le Luxembourg juste en bas de chez vous, pourquoi vous, vous parlez de traquer l'évasion fiscale Il y a des pays qui sont spécialisés dans l'optimisation fiscale parce qu'on a juste changé le nom. Je, je, je veux dire, euh... il suffit juste de regarder les comptes euh, au Luxembourg et vous avez hein, la traçabilité de l'évasion fiscale. Elle est là. Hein. Ouais, mais justement, comment on fait, comment on fait pour que. Euh, et c'est euh, Valentin qui en parlait tout à l'heure. Euh, tu vois, on, 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 et moi, dans la démarche qu'on est en train de faire là, euh, l'argent le, le, qui est rentré sur le compte là, moi je veux payer de l'impôt avec ça. Tu vois, si je fais des bénéfices, si à un donné. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est une question de, 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 de citoyenneté. Optimiser, oui, pour ne pas payer plus que nécessaire. Mais payer de l'impôt, c'est ça qui va permettre de faire en sorte que les routes, que nos écoles, que enfin tu vois, que ça fonctionne. Si, si on, oui. euh, donc comment comment on fait pour que des entreprises qui font des millions de bénéfices, des milliards de bénéfices payent leur juste dû à la société globalement Après, tu peux aimer ce que les politiques en font ou pas, mais euh, le, 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 est-ce que les mécaniques, est-ce que la blockchain pourrait aider à ça ou pas Ou est-ce que c'est compliqué Mais en fait. On peut régler ce problème-là sans avoir à utiliser la blockchain. Une... En fait, là, c'est un enjeu politique. en fait. Si les politiques, demain, décident de dire « Chaque transaction qui est émise à votre société dans notre pays est faite dans notre pays, vous devez donner de l'impôt pour chaque transaction », ça serait réglé. Ouais. Pourquoi on ne le fait pas Parce que c'est trop pratique. Parce que ça permet à des grosses entreprises de pouvoir s'implanter dans le pays. On peut le voir, hein, il y a eu le reportage, moi j'en parle un petit peu, mais je ne suis pas un grand spécialiste du domaine, mais vous avez euh, en, euh, Cash Investigation euh, mm -hmm. qui en parle très bien, euh, des, des sociétés comme Amazon qui s'implémentent en France, euh, tout, le, tout, tout, tout le truc est en France, c'est-à-dire la structure est en France, euh, le stockage est en France, les gens qui travaillent sont en France, par contre tous les paiements se font au Luxembourg. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, grosse évasion fiscale. Enfin, on appelle ça l'optimisation fiscale, pardon. C'est vrai qu'on ne dit plus évasion fiscale, maintenant. Mais du coup, ça, qu'est-ce qui se passerait ben, Il suffit juste de faire passer une loi disant que chaque paiement qui est émis à votre société doit rester sur le territoire. Si un Français sort de l'argent, c'est de l'impôt la, de la, de, de, de que tu dois payer dans, dans la France, en France par exemple. Okay. Mais ça, on ne veut pas le faire. Donc, c'est plus une question politique qu'une question politique. technique. On, on... Oh, on s'éloigne, mais c'est le, le plaisir aussi de pouvoir faire ce genre de choses maintenant, là, ici, euh, parce que c'est à ça que ça sert. Euh, c'est très, très cool d'avoir ce genre de, de conversation-là. Je, je, je reviens avec l'idée qu'on a derrière la tête d'amener de, 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 ça en données dans un 40 minutes, euh, qui serait intelligible. Comment on amène ça Comment on amène ça, comment on amène ça je, je reviens sur cette idée de d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait maintenant, vers où on va. Euh, comment c'est comment né On va trouver les, les bonnes manières de le montrer. On a les trucs avec Arte, on a, on a plein de choses où on pourrait le montrer. Et avec euh, un gars comme Laurent Echonauer, euh, des Lionel Drico, des gars comme ça, euh, ça pourrait être très très cool de les avoir en, en, en plateau avec nous. J'en ai déjà parlé à, à Laurent. Euh, il, est, voilà, il est super cool, il, il veut bien venir avec nous. Je pense que Florian euh, sera ravi d'être là aussi pour nous expliquer voilà d'un point de vue légal de dire qu'on n'est pas dans l'illégalité quand on utilise la blockchain ce serait déjà vachement bien dans, mmh. dans la première partie euh, où on en est aujourd'hui bah, d'avoir des exemples très marquants agriculture assurance euh, santé euh, ce genre de truc de montrer les assurances je pense qu'on a vraiment un truc à, à à pouvoir montrer parce que comme je disais tout à l'heure la réalité nous a montré que et dans la troisième partie alors on se projette et on, et on fait ce, ce, cette marche vers la suite, dont notamment la gestion... la gestion publique, la gestion... la décentralisation, comme disait Tanguy euh, tout à l'heure, mais c'est éthéré, quoi. Comment... Il y a la logistique. La logistique, ça, je pense que c'est déjà maintenant. On peut trouver des trucs de logistique maintenant. Ouais. Mais... Euh... Mais c'est vrai que sur le... Sur le... <laughs> J'adore ce principe-là de dire on pourrait, on pourrait avoir le, le, le tracé de comment nos impôts sont utilisés. Non, mais exactement. Pour moi, ça, euh, ça, ça va être très politique. Et un politicien, il y a forte chance que des politiciens s'emparent de la blockchain pour justement dire, regardez, nous, ce qu'on va apporter, c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous avez payé vos impôts, où va vos impôts, où s'en redistribués vos impôts Ça, ça va être un enjeu politique, à mon avis, sur les cinq prochaines euh... années. Non. Oui, non mais dans, oui. le, dans, dans le chat c'est tout à fait ça je pense Totalement. Exactement. Okay. On, on, en, on en parle très souvent dans le discord de dire que la blockchain va être un enjeu politique dans les cinq prochaines années mm -hmm. parce que ça évolue tellement vite et ça avance tellement vite qu'à un bout d'un moment ils vont devoir sauter le pas parce qu'aujourd'hui ils veulent pas parler de blockchain, ils veulent pas parler de crypto-monnaie pour quelle raison la raison est simple, c'est une raison toujours pareille politique, c'est à dire que si aujourd'hui tu es un politicien et que tu fais le choix de parler crypto-monnaie et blockchain ça veut dire que tu te mets à dos énormément de monde et en plus de ça, tu vas chercher un auditoire qui est très mince. Parce que en, en, l'utilisation de la blockchain, aujourd'hui, ça touche 180 millions de personnes dans le monde. Donc ça fait quoi Ça fait 1 ou 2 millions de personnes en, en France, par exemple. Donc un politicien qui s'intéresse à ça, il va, il va chercher quasiment personne en termes bien de, bien, de, 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 de personnes qui vont rejoindre son camp. Donc aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire parce que politiquement parlant, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais dans les cinq prochaines années, tout le monde va parler de blockchain. Tout le monde va dire, il faut rajouter de la transparence dans nos impôts. Il faut rajouter de la transparence là. Tout le monde va en parler. Mais en s'en servant pour fliquer. ça Brice? Non, pas forcément. Ah, non. Pas forcément. Par exemple, imaginons demain, euh, demain, on crée un système où là, voilà, euh, j'utilise mon wallet, je paye mes impôts avec. Okay euh, en fait, bah là, aujourd'hui, par exemple, on envoie de l'argent sur le wallet euh, de davanak Et ben bah, en fait, on sait où est l'argent. Donc on sait il y a combien dessus. On sait quelle quantité il y a dessus. On sait il y a quoi dessus. Et à chaque fois que tu vas faire une transaction avec ou tu vas faire quoi que ce soit avec, n'importe mm -hmm. qui sera capable de savoir ce qui se passe avec. Mm -hmm. Et ben là, imaginons que ton wallet c'est les impôts, ok Que toi, euh, on fait exactement le même système de ce qu'il y a en Suède, c'est-à-dire en fait que à chaque fois que vous payez vos impôts en Suède, vous sélectionnez dans quelle euh, branche vous voulez euh, que votre argent part en priorité. Vous avez les trois grosses branches qui est l'écologie, l'éducation et l'industrie. Et en fait, à partir ça, de ça déjà, montrer, hein. on pourrait te dire. Ça on peut le montrer oui, cet exemple là. Simple. Tu vois Mais oui. Mais moi je comprends pas pourquoi on ne parle pas des pays de l'Est, des pays de l'Est comme l'Estonie, comme la Norvège, mmh. comme la Suède, sont en avance énormément que ce soit d'un point de vue technologique et utilisation de la technologie ou même de l'utilisation de, de de remettre en fait en place euh, des systèmes basiques en fait qui auraient dû être là depuis très longtemps euh, sur euh, l'utilisation de la monnaie en fait. Quand, là aujourd'hui on paye nos impôts, on ne sait pas il y a combien dans les caisses des impôts et on ne sait pas où vont les impôts. C'est quand même grave. Enfin, moi personnellement je trouve ça grave depuis des années depuis qu'on sait que Internet fonctionne en fait on aurait dû savoir et avoir un listing de tout où va où en fait c'est en, typiquement... en Suède l'exemple que tu disais de de oui, Des citoyens Suède, qui ouais. décident Donc, comment, ça, comment ça fonctionne Mais euh, les... bah vous avez vous avez même la Suisse hein. en Suisse c'est pareil hein. juste à côté hein. à quelle branche ils allouent leurs impôts, mais ils décident de ça comment Au moment où ils payent leurs impôts, il y a un formulaire qui dit je voudrais que ça serve à financer les écoles, les routes ou euh... c'est beaucoup, beaucoup plus grossier, c'est plutôt sélectionner en fait les zones où vous les financer, c'est-à-dire plutôt l'écologie, plutôt. Euh, là. Et en fait, euh, du coup, vous, au moment de payer vos impôts, en fait, vous avez un, un site qui vous permet en fait de sélectionner, en fait, tout simplement. Mais donc ça, on peut le montrer. Tu vois ce que ouais, je veux bah, dire je je, Désolé, désolé hein, je, je raccroche toujours ça à, à cet impératif, mais il faut qu'on puisse montrer le maximum de choses. On doit, on doit l'expliquer, on peut l'expliquer en plateau, mais on doit les montrer. Et donc, euh, montrer un écran de site internet, c'est une chose, faisable, mais c'est relativement statique et c'est boring. Si on arrive à montrer des choses et donc à mais on peut avoir des gens, on peut faire une interview à distance et de quelqu'un qui va nous l'expliquer et, et de montrer par où euh, comment ça se passe. Il faudra voir aussi ce qu'on peut trouver sur, comme, comme ressources sur, sur les Reuters et AFP et autres pour voir s'il y a des choses déjà qui expliquent là et qui ne pas être exploitées. Ouais. Il faut qu'on se prévoie non, un une journée là-dessus, Alain, voilà. ouais. euh, ou si on sait. À, ouais, à, Regardez à distance, à ça. Regardez aussi l'identité numérique de l'Estonie aussi. C'est un sujet, à mon avis, qui va, qui va aussi être intéressant. Aussi. Bah ouais, ouais. Mais Et Vous avez la Norvège ils sont, aussi. Ils dirais. sont revenus en arrière, l'Estonie, non Non, je ne sais plus qui m'avait raconté ça. Euh... Non, non, ils, ils avaient eu un problème à un moment donné au sujet de, du réseau, parce que à cause bah, de ce qui s'est passé avec le Covid, notamment, ils ont eu une surcharge sur le réseau. Mais je ne crois pas qu'ils soient revenus en arrière. C'était un des trucs que je trouvais génial avec leur e-résidence, leur e l'e-citoyenneté estonienne. Ah, totalement. Ouais. Salut, Casdal. Le, le, le fait de pouvoir devenir e-citoyen à distance, déjà, rien hein, que vous allez sur internet, vous payez votre citoyenneté sur internet et vous obtenez votre carte qui vous l'envoie au bout de deux semaines, qui fait ça <laughs> ouais. enfin, tu te... Il fallait la chercher dans l'ambassade. moi C'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai toujours d'ailleurs. Tu allais chercher la carte dans l'ambassade. Ça te donnait accès au portail. Ça te, ça te donnait la possibilité de monter une entreprise. Donc de créer ton entreprise. Et tant que les bénéfices restaient dans l'entreprise, tu n'étais pas imposé. C'était pas un mécanisme d'évasion fiscale. C'était juste une mécanique de pouvoir. Produire de la richesse, créer de la valeur, et parce qu'elle était complètement dématérialisée, parce que tu avais un job qui était uniquement numérique, bah, tu pouvais avoir des transactions et tu devais, avais juste ouais, un, totalement. un exercice qu'on Et, 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 et moment au moment de sortir l'argent, la, la valeur qui était, qui était intéressante, c'est que quand vous bougiez votre argent, euh, bah, l'État le voyait en fait. Ils avaient un œil sur vos comptes. Et en fait, typiquement, l'évasion fiscale en Estonie est beaucoup plus dure à réaliser qu'en France, par exemple, ouais, c ou ça. même en Belgique, je C'est ça je remonte le chat euh, je me bats tous les ans pour savoir où va la redevance télé de la région Wallonne bah ça ça peut, ça peut être un super bon exemple euh, personne ne peut me répondre le gars de l'administration finit par me répondre Bah ça va dans un gros pot commun ah, bah ça c'est la, la réponse euh, parce que je pense qu'ils ne le savent même pas je pense mmh. qu'ils ne le savent même pas oui. bah, euh... le, le, nom, le nombre de comptes en banque que, que la France a perdu littéralement perdu on ne sait même plus il y a quoi où euh, je crois qu'il y en a au moins trois, je crois aux dernières nouvelles vous avez vu qu'il y avait mmh. un compte de 500 millions hein, qui avait disparu on ne sait pas ouais, où ouais. il est <laughs> Donc, mais euh, tu vois euh, c est c est pas pas nous, il faut allez comment je vais dire ça prenons le côté tu vois il y a des choses qui existent pour pouvoir contrer des trucs qui fonctionnent pas top quoi. mais ne soyons pas dans le mode ça marche pas c'est de la merde faut pas avoir confiance c'est dégueulasse non c'est Oh regardez, il y a un truc là qui fonctionne comme ça, ça permet de réparer un truc qui fonctionne pas très très bien quoi. Tu vois, de rester dans cette démarche positive, surtout pour le premier quoi. Euh... Mais rien n'empêche de documenter ça avec les trucs qui marchent pas, en essayant d'aller d'aller raccrocher ça à comment ça marche quoi. Je voudrais. — Ouais, je voudrais vraiment qu'on qu conserve cet état d'esprit positif, là. C'est pas de l'angélisme, hein. C'est pas, pas B.A. en disant « Ah, oh, ça va tout régler ». Non, il faut rester critique. Mais dans, dans l'approche, pour justement pas, 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 faire comme, pas faire comme tout ce qu'on entend. « Ah, c'est de la merde, et machin et tout, ça marche pas ». Ou bien « Oh, ça marche super bien, ça fait fois 1000 d'un coup. Oh, c'est ouf, tu vois ». On en parle que quand... Sais... Tanguy, c'est toi hein, qui m'avais filé le lien tout à l'heure. Ah mais non, 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 c'est... Évidemment... Euh, C'est François Rémy qu'on va inviter dans l'émission d'ailleurs, qui est journaliste euh, ici en Belgique et au Canada, qui travaille beaucoup sur les matières crypto. Il, il a fait un. C'est lui qui a signé l'article euh, cet après-midi. Et je vais aller vous le montrer parce qu'il est, est très très bon ce papier. Euh, il me l'a balancé sur Twitter. Hop, voilà. Je vais, je vais vous le filer dans le chat. Franchement, euh, hop. Où est-ce qu'il est, qu est ici euh... oh ouais, je, vais, je vais le mettre dans le je vais le mettre en Hop. Les médias grand public snobent toujours la crypto du mépris pour les personnes qui, a, euh, qui portent ce monde alternatif. Et en fait, il, il se base sur un papier qui a été écrit euh, par euh, Matthew Lysing. Crypto is people and culture. Euh... Je vous file le lien. On va, on va verser ça au dossier, <laughs> très clairement. Ah, je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre des liens là. Ce serait dommage. Hop. Il est très très bon ce papier. Euh, j'aime beaucoup le titre. <laughs> il est, il est dans le Discord. Hein. Euh, euh, François, je ne sais pas s'il il est là avec nous ce soir. Mais euh, il est excellent ce papier. Vraiment excellent. Ça change du papier qui est sorti dans Le Monde et qui a été copublié par un député français. Qui est une honte absolue en termes de journalisme, d'écriture et, et de pensée intellectuelle. Mais bon. <laughs> Ça joue les prolongations ici. <laughs> c'est vrai <laughs> qu'on a, a commencé à l'apéro là, ça va être la troisième mi-temps. C'est vrai à que ça commence faire à faire euh, à faire pour chez vous. Écoute, c'est pas tous les jours que c'est pas tous les jours qu'on qu récolte. Je vais aller faire l'update ah. sur le sur le wallet. Ah oh, putain. Ok. Je pense que ça y est, on s'est validé, tout est prêt, c'est déjà oh, financé, putain, ouais. bon, Mais Maintenant, on est là pour s'amuser. Hein, il n'y a, a plus qu'à faire maintenant. Hein, <laughs> voilà, il n'y a plus qu'à. Tu vas avoir du taf, je te le dis. Bon. Bah, évidemment, on va vous expliquer tout ce qu'on va faire. Hein. C'est. Bon, on a on a un timing on a un timing de comme quoi 40 minutes c'est pas assez. <laughs> ah ben moi je le dis hein, je, je le dis depuis le début hein, je le dis depuis le début qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut une émission dédiée euh, de une heure chacune pendant une année. Mais bon <laughs> mais l'appétit va peut-être venir en mangeant mais, mais on va démarrer euh, on va d'abord démarrer par celle-là. Hein. Si vous connaissez des sponsors des grosses entreprises prêtes à financer euh, tout ça euh, je pense que le problème est réglé. Hein. <laughs> Là, de nouveau, tu vois, moi je pense qu'en allant montrer des choses, en montrant des projets, en, en expliquant le, le, les solutions ou les débuts de solutions qu'ils apportent à des problèmes, sans s'attarder sur le problème, mais en disant le... voilà, il y, des sol... il, y a, il y a des problèmes qui existent, c'est des vrais problèmes, et il y a des débuts de solutions qui existent et qui sont basés sur une technologie qui est celle de la blockchain. Je pense qu'on peut montrer d'où ça vient, où on en est aujourd'hui et vers où on va. Et on va devoir faire des choix. Euh, on va devoir arbitrer ça dans les, dans les jours qui viennent avec tout ce que vous nous avez renvoyé là, parce qu'il y, y a tellement, tellement de choses. Euh, que, que euh, Voilà, et on, on, va, on va garder évidemment le, la conduite ouverte. On va vous faire des points très réguliers euh, là-dessus et euh, demander à Deloitte. Mais c'est vrai que ce serait bien. Ils ont, Deloitte, ils sont en Belgique. On oui, leur, ils on ont pourrait, une succursale en Belgique. On pourrait leur demander. On euh, ah, en t'entend pas, euh, Alain. Je crois que tu as coupé ton micro. Ah, c'est peut-être moi qui. Oui, pardon. Hop. Micro. Voilà. Ah, voilà. c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. On t'entend. Non mais comme 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 le dit le, le chat là, effectivement, euh, le juge de paix sera l'audimat. Mais je pense que si on fait une bonne émission, on peut effectivement avoir euh, de, de l'audience et pas uniquement en Belgique euh, qui, qui est la, la cible première de l'année 24, mais partout. Euh, tout, en, dans toute la francophonie. Donc, dans un premier temps, effectivement, on va aller voir des sponsors euh, purement locaux, rassurés par la télévision. Et puis après ça, euh, il faut, il faut que cette, 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 euh, cette émission tourne. Mais je pense que la thématique est très bonne. Et nous avons oui, les bons intérêts. <laughs> ça c'est euh, typiquement c'est une émission qui pourrait aller sur Ovio bah, oui enfin Ovio, Ovio c'est le, le portail de, de, de la, la c'est pas sur Ovio qu'on va faire de l'audience je vous rassure ça, ça c'est dit <laughs> euh... mais, mais euh, de Loi de, de Loi en Belgique je reviens avec ça mais de Loi en Belgique clairement on doit les on doit les choper hein. faut, faut les amener en plateau qu'ils viennent nous raconter comment ils ont fait aux états unis quoi parce qu'on a, on a les assurances... Les assurances belges ont merdouillé sur la, la catastrophe naturelle qu'on a eu, les inondations qu'on a eues en juillet. Si Deloitte préconise ça, a fait le deal aux États-Unis pour montrer comment ça marche, on, on, les, on, les, on les chope, on les amène en plateau. Hein, et on fait, on, on fait un créneau sur les assurances dans le... Comment ça marche aujourd'hui, quoi Ça, ça pourrait être vraiment, vraiment bien. Il faut voir si d'ici le 28 ou le 29 décembre... On, on, pourrait, euh, on pourrait avoir un, un go de leur part pour venir... Euh... <laughs> on peut citer le monsieur de ln 24 sur les réseaux sociaux. Espèce de troll, Matt. <rire> 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 mais tu fais ce que tu veux. Pff, mais ça va, ça, va, ça va servir à quoi euh, J'ai raté quoi Urgence à traiter Chaos euh, Bah écoute, t'as raté qu'on a passé... On a passé un sacré cap. <laughs> euh, que on, ouais pour, euh, alors, je, je reviens sur cette histoire de poape pour, pour aujourd'hui. Vous avez fait des screenshots <laughs> ouais, Je sais, Matt, Déjà, je, je te fais marcher. Mais voilà, je sais. Ouais. Euh, vous avez fait des screenshots, ça c'est cool. On va les récupérer et, et on va en faire un. <laughs> J'allais dire, on va en faire un Bipol, mais. <laughs> En vrai, Roadrunner, je pense que, que Avalanche, il serait, enfin, en tout cas, tous ceux qui, qui, qui travaillent pour Avalanche seraient très excités de pouvoir faire des, euh, des choses avec la télé. Euh, parce que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, bah, qui est facile d'accès. Aujourd'hui, on commence à avoir accès parce que les États-Unis commencent à ouvrir les portes. Euh, à beaucoup de, de, de personnes dans le monde de la crypto-monnaie, hein, ou même dans le monde de l'institutionnel. On voit par exemple que Elon Musk investit dedans, on en parle. On voit que euh, que Michael Saylor investit dans les crypto-monnaies, on en parle. Donc on voit que beaucoup beaucoup de monde commence à en parler et qu'en plus des gros institutionnels commencent à rentrer dedans, euh, les, les, à, à faire les, les ballons. Euh, du coup, on, on va dire que si si maintenant euh, on veut trouver du monde, euh, je pense que c'est pas le truc le plus dur. Quoi. Oui, oui ouais, 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 mais, mais euh, il faut qu'on réussisse à la proof of concept Là on a validé la première partie du, du pari. <laughs> c'est celle qu'on va pouvoir payer les gens correctement pour travailler sur ce, sur ce projet, Ça, dans, dans, dans l'environnement actuel, bah, c'est un ah, challenge et c'est vachement cool et c'est putain. On va, on va pouvoir faire faire des petits à, à ça et, et, et imaginer comment on va pouvoir ré récompenser la communauté. C'est un deuxième truc. Mais surtout, on, on va pouvoir se donner les moyens de, de produire ça. Et dans les 15 jours qui viennent ici, on a, on a un sacré challenge. C'est de, de construire le plateau, d'avoir les, les bonnes personnes avec nous en plateau pour, pour raconter ces histoires-là. Euh, de le produire. De le... De le de le finaliser, de, de, de faire un putain des fichiers MP4 va pouvoir aller, avec lequel, sous le bras, on va pouvoir aller euh, oui. faire toc toc bonjour quoi, dans des, là, 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 où, là où ce sera le plus utile. Et, et je pense que oui, il y a, y a la filière euh, RMB qui est la filière euh, normale par laquelle on va, oui. on va pouvoir euh, pour de la télévision. Mais, euh, mais effectivement, il y a, y, a, y a toutes les autres. Quoi. En, en gardant en tête que, tu vois, euh, le, le, là où je pense qu'on a une, une opportunité de, de, de déployer ça, c'est que si on est capable de faire ça sur la blockchain aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une adéquation entre tu vois le, le, la citadelle, ce qu'on est en train de faire là et le truc à côté. Je suis convaincu qu'avec l'intelligence artificielle, qu'avec la mobilité, qu'avec l'énergie, on peut, on peut trouver le. Il doit y avoir des discours qui sont aussi actifs comme ça et c'est pas exclusif. Parce que vous avez embarqué avec nous dans la barque ici et on va continuer quoi. C'est pas, pas pour se lâcher en chemin, quoi. On peut. ça va, ça, ça va, ça va s'accumuler plutôt que d'être euh, euh, séparé. c'est un des trucs, je trouve que le, le, le potentiel d'impact est tellement, tellement génial. Et à explorer. Mais on a, on a fait qu'une toute petite partie du chemin. Ça peut être intéressant oui. pour vous de regarder comment ils ont vulgarisé le métavers en 5 minutes dans ce journal de 20 heures. Euh, dans lequel. La 2, il la disait plutôt. Ah, pardon. Sur, sur France 2, c'est ça France 2, oui. France 2 ouais. a, euh, a fait une vulgarisation en 5 minutes du metaverse. Génial. Euh, si vous avez un lien, je prends volontiers pour mettre dans le dans le Notion. Euh, merci beaucoup, euh, Roadrunner. Euh... Crypto.com. Ah. ah, mais c'est toi qui dis ça, Mais, mais... Crypto.com, oui, il y a de fortes chances qu'eux aient envie de venir s'amuser. Donc, euh, en, en termes de sponsors, euh, c'est typiquement ce qu'eux veulent faire. En fait, on, on le voit, ils financent des, des stades, ils financent des émissions télé, ils, financent, mm -hmm. ils achètent des équipes, euh, ils achètent des stades, euh, ils achètent des encarts publicitaires partout. Euh, je veux dire, euh, faire une petite émission mm -hmm. euh, sur une télé nationale pour eux, euh, c'est communiquement pas, enfin, en termes de, de rapport risque plus communication, c'est génial. Quoi. Mais, mais ça, ça nécessiterait, tu vois, de, de creuser ce trac où on fait un truc blockchain crypto à part entière. On n'est ouais. pas sur un trac. Moi crée... je reste dans cette optique-là. Hein. Oui, oui je sais bien, je, je sais bien, je, bien, je sais, bien. sais, <laughs> bien, je sais <rire> <bien>. <rire> Moi j'ai pas sais, bougé, sais, Moi j'ai une idée pourquoi... en tête. J'ai une idée en tête. Je reste ouais, là, là, oui, là Mais c'est pas exclusif, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas du tout exclusif. C'est des tracks qui peuvent, des qui peuvent être parallèles, tu vois. Mais on a, on a ce point d'origine qui est ce qu'on est en train de faire là. C'est un fork en fait. Oui, oui. Moi je suis très chiant. L'important voilà, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Et dans, dans un premier temps, aller vraiment chercher l'audience la plus large possible pour pouvoir effectivement arriver à, à, à terme à, à quelque chose de plus spécifique. Mais dans un premier temps, il faut, il faut, faut qu'on aille chercher une audience ouais. large avec des, des, des choses basiques, basiques, basiques. Mais que ça, oui, totalement. Ce qui n'empêche pas d'aller voir crypto.com, qui est pour le moment un de nos plus gros annonceurs, en tout cas ce dernier mois. Moi, je vois Matt Damon avant chacune de mes chroniques. Ben voilà. Donc, c'est ça. Dans les roll Typiquement, moi, je voyais plutôt ça pour 2023, par exemple. Parce que le temps que ça va déjà voir ce que donne le pilote, voir ce que donne. Voilà. Là, on d'accord. Voilà. Euh, je suis toujours en contact avec Duncan Stewart de Deloitte qui s'occupe des prédictions recherche Technomédia et Télécom Global. Génial Bérangère, à fond. Évidemment, à fond. Tout ce qui va nous permettre de couper les fils, d'aller très vite entre maintenant et le 28 décembre pour avoir la bonne personne qui viendrait de chez Deloitte nous, nous, nous expliquer comment ils utilisent la blockchain dans les, dans les contrats d'assurance. Alléluia quoi. Ça, si on arrive à les avoir, ce serait fantastique. Merci mais À fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Ça, c'est clairement. Je pense que sur ce track-là, on a un pivot à montrer en milieu d'émission ou même juste après les explications plus historiques, d'où ça vient. Et on démarre, bim, on a pris des inondations dans la gueule. Ah, salut Cryptologique, génial, coucou, sois le bienvenu. Ah, je suis super content. Moi, je te suis depuis un bout de temps, c'est toi qui m'as. Qui m'a appris plein de trucs sur, sur, sur le trading, même si j'y comprends que dalle, mais j'ai appris tellement de choses. Et puis, je suis très content aussi euh, d'avoir vu que tu avais, avais diffusé le, le message, enfin, le, 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 le truc d'Arte. Et avais, je m'étais permis de faire le petit ping avec le journaliste de, de la RTS, où j'ai l'occasion de collaborer assez régulièrement avec eux. Et donc, Marc, le, le, le journaliste qui a, fait le, qui a fait un sujet d'ailleurs sur la crypto, est venu dans ton chat. Donc, c'est vraiment super cool. Merci d'être là. Est-ce que Hélène24 est 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 a des relais sur YouTube Bonne bien question. Sûr. Okay. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut, on peut, on peut poster sur YouTube ce qu'on souhaite poster sur YouTube à travers la chaîne Hélène24. Euh, euh, le, le direct de la chaîne est visible sur internet sur ln24.be et il y a des replays également qui sont qui sont qu'on peut qu'on peut trouver ce, par par catégorie comme on peut trouver toutes les chroniques euh, dans lesquelles euh, Damien a participé. Ok bon ben bah, génial 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 et on fera euh... Euh, Damien on fera tu n'as pas mis la, la, la chronique de ce matin tu n'as pas mis le lien quelque part si si alors euh, on je l'ai reposté ce matin je pense que euh, Miwoki l'a fait circuler aussi euh, dans dans la famille ouais, ouais. ça a circulé a... sur réseaux ouais elle a ça bien, a pas mal circulé elle, sur elle, les elle a bien tourné euh, mais c'est le début hein. enfin voilà j'ai déjà parlé plusieurs fois mais j'essaie je, de pas tartiner là-dessus parce que voilà, j'essaie je, de continuer à parler d'autres choses aussi et de, de rester dans une logique grand public. Et, et euh, en cinq minutes, c'est encore un autre exercice euh, de, de réussir à, à le faire. Mais euh, c'est ça qui a ouvert des portes aussi. Donc, euh, donc là, très clairement, sur ce côté-là, il y a, y a un très... très mais je, moi, je, je le mettrais... Euh, euh, tu vois, c'est comme le, le fait de diffuser dans CryptoVoxel comme ça que ça s'appelle ah Oui, non, oui, oui. Tu vois oui, oui, oui. Très clairement, oui. Là, vous voulez rentrer vraiment dans le, dans le métaverse pur et dur et là, et là, là, on commence Parce à que parler. Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Hein. Non, on n'en a pas encore parlé, mais oui, il y a, euh, il y a un terrain euh, qui, euh, qui appartient. Euh, il y a deux terrains qui appartiennent à, à la citadelle sur lequel on peut s'amuser et très clairement reproduire le plateau de ln 24 dans un métaverse. Ça, c'est possible. Donc on pourrait les... littéralement diffuser en live et avoir un plateau de LN24 comme si qu'on y était. Quoi. Donc... Et, 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 et le truc dingue, hein, Alain, c'est que euh, les, le rendering que Scan est capable de sortir, euh, tu vois, oh, le truc qui... oui. Oui, nous a, où il nous a montré tous les trucs, euh, tu vois. Euh, merci beaucoup. Ah, euh, merci pour l'abonnement cryptologique. Euh, le rendering 3D, euh, en fait, c'est des, des images qui peuvent tout à fait se retrouver euh, dans, dans dans les univers euh, euh, métavers puisque c'est Unreal euh, okay. euh, le moteur euh, le moteur de rendering qui est derrière donc mais là on est dans du là on a on, on est plus à la bière hein, on est au pétard euh... mais <rire> <rire> mais... <rire> mais dans un ouais c'est pas moment, du un tout clair, moi, mais ah. euh, okay. changer, hein. mais c'est euh... voilà. mais c'est vraiment quelque chose qui pas maintenant, pas tout de suite, mais dans, dans ce qu'on est en train de faire là, ça ouvre des portes vers, vers ce genre de choses. C'est possible. Euh, 24 a a-t-elle une chaîne Twitch Oui, tout à fait, il, il stream le vendredi soir à 18h, 18h30, ça s'appelle La Base. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des anciens étudiants que je salue euh, bien bas, euh, Brieux toute la bande, euh, qui, euh, qui font des émissions sur Twitch, effectivement, on peut vous mettre le lien. Hein. Euh, c'est... Hop euh, euh, ils ont commencé en octobre si je dis pas de bêtises. Ouais, le Damien a du mal avec le français. <rire> euh, <rire> sal <laughs> salut Bibiane merde. Je me suis fait. Mais après, 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 trois heures de live, euh, ouais, je, je berdelle en. en... Ouais, voilà, voilà, voilà notre ingénieur Cisco euh, Bibiane, qui a participé ah. à la conception de Isabelle justement. Génial. Okay. Bien le bonjour. Ouais, bon, euh, J'imagine que euh, Marc. Euh, tu dois, tu dois le connaître, euh, qui vient de Ibanity Voilà, c'est un, un, un très très bon copain. Hop. Euh, je recherche l'URL de, de 24 sur Twitch. Je sais pas si c'est l'News24 aussi comme sur Twitter ou c'est quoi qu'ils ont fait. On va le retrouver. Sinon, je pense que c'est ça. Ça s'appelle La Base. Euh... arrive un peu à la fin. Rêve un peu à la fin. On arrive, à... ouais, on, arrive... <laughs> on, commence... on commence à être un peu plus fatigué, et mou du genou, mais mais euh, on a méchamment tenu la rampe là. Non, c'est pas Eden 24 euh... En vrai, on, coup, a, on là... a déjà plié, ouais. euh... on a déjà plié financement. <laughs> ouais, c'est ouf. Les news 24 -ce que c'est comme ça qu'il le Je suis pas sûr c'est pas c'est pas l'N24 attends je suis sur je sais pas comment voir ah il euh, l'N24 c'est bien possible que ce soit ça oui c'est ça c'est ça voilà ouais, écrit écrit euh, tout, tout lié écrit euh, ouais. plus Hop. l'N24 et, euh, et, okay. et sur YouTube ils font des ils font des longs formats euh... Et c'est ouais non, de... et c'est là ils ont ils ont fait tout un truc sur la, la, la fiscalité des cryptos d'ailleurs en Belgique alors forcément avec le, oh bah, le j'irai les les embêter alors ah bah ils seront ravis je pense <laughs> ils seront ravis euh... hop bah, il reste encore à décider quand je vais à la... quand on va aller à la citadelle faire faire un truc mais ça à fond quoi, j'en parle dès, euh, dès ce week-end. J'en parle avec Mathieu Basler, avec toute l'équipe du Kick Et on se fait un truc, euh, on se fait un truc au pavillon à la citadelle. On prend le, on prend le téléphérique. Tous les belges qui ont envie, euh, je sais pas combien de belges il y a dans la citadelle euh, Discord, mais putain, ah, bon, ça qu doit quasiment mal. être euh, quasiment un, un bon quart, même un, un bon tiers de la citadelle sont euh... des belges. Mais euh, alors, on met un fût en perse euh, au pavillon et on boit des bières euh, et on se fait une émission euh, full euh, sur tous ces sujets-là en mode. Euh, ou alors, on se regarde l'émission tous ensemble. Je sais pas. La citadelle de Namur. De De Namur. De Namur. De Namur. De Namur. <rire> <rire> Yes, un enfin, bon cœur de un Belge. Bon cœur de... <rire> 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 Excellent. Les non-Belges sont invités aussi. Évidemment, on s'en fout de la nationalité. Venez, seulement. Évidemment, évidemment, il faut, bah, il faut être sur le. J'allais dire, il faut être sur le territoire. Ouais. Non Je mais, sais pas, jusque euh, quand à chaque fois qu'on qu est en vocal, on entend euh, des accents à euh, couper au couteau et euh, avec des chiffres incompréhensibles. Euh, je veux dire, au bout d'un moment, là, je me demande si on parle français chez nous. Hein. Oh là là, <laughs> oh là, là. Ah, J'ai le droit, là, j'ai le droit. <laughs> J'aurais voulu répliquer un truc sur les équipes de foot, mais je peux même pas. Donc, euh... ah, bah, ouais, ouais, ouais. Un fuch, chaud, yes! Bah, c'est vlog à fond, à fond, à fond, à fond. Euh, un foot, foot c'est dans FIFA, c'est ce que j'ai compris. Il les a... Suisses qui les comprennent. <laughs> à Liège aussi, il y a une citadelle. À ah, Dinan aussi, il y a une. <laughs> On n'est plus chez ah, nous. À Dinan aussi, il y a une citadelle. On va faire un tour des citadelles de Wallonie. <laughs> des citadelles tout court, parce que les citadelles, c'est Vauban, il y en a plein, il y en a, il y en a partout. <laughs> Dis-nous, 98. Non, non, je peux le faire en 98. ASMR si tu veux. 98. Je jamais fait ça. Ça dérape, les gars. Hein, ça dérape. Moi euh. ouais, J'ai juste dit 98, ça <laughs> n'a pas de... Twitch, Twitch, Twitch ASMR, ça y est, on est foutus, les gars. <laughs> quelle catégorie est-ce qu'on <laughs> doit aller se mettre Voilà ce que vous avez, financé, hein. vous, avez, vous avez financé. Le, vous avez financé le prochain Amorant. Aïe, aïe, aïe. Mais euh, putain, non, c'est tellement cool d'avoir de, 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 réussi, euh... ça fait quoi, trois semaines qu'on en parle, de cette façon-là euh, Ouais, ouais, bien, bien vénère, oui, ouais. On a, on a commencé à discuter en mode, ah tiens, euh, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, ah, ça pourrait être sympa. Et puis on s'est très vite entendus, c'est ça qui est cool, <laughs> on, on s'est très très vite entendus. Et puis c'est parti très vite en vrille aussi, hein. On était là en discutait, discuter. Ah bah tu me parlais justement de la chronique que t'allais faire à la N24 et tout. Je suis ah bah, tiens ça coûte combien de faire une chronique et tout Ah ben bah, un pilote euh, environ 15 000 euros et tout. Je suis, ah 15 000 euros euh, Ça serait bien de le financer en crypto pour rigoler. Euh, tu penses que c'est faisable Ah ouais, ouais, ouais ça. ça. On, on fait le financement en crypto, fait par un Discord euh, francophone euh, qui parle de crypto monnaie Il, il m'a regardé avec les gros yeux, il a fait, mais tu te rends compte de ce que ça va faire ça <laughs> On va foutre un coup de pied dans la fourmilière, ça va être méchant, je fais Bah ouais <laughs> Et ce qui est cool, juste... c'est que franchement, Alain, euh, franchement, déjà, merci pour tout parce que vous avez été hyper actif, euh, vous avez suivi le, le gros délire, hein, littéralement, hein, parce que c'est quand même, c'est quand même pas évident de se dire euh, tout ça. Et en plus, ben, bah, vous êtes présent, vous êtes là, vous êtes, vous avez envie de participer avec nous, de venir jouer avec nous. Et Bien ça, sûr. les gars, euh, je tiens à le dire que c'est, excellent, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a ça, quoi. Mais non, mais c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de produire euh, une, une belle émission, innovante, euh, au, 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 aussi prometteu, prometteuse, promettrice euh, que, que, que celle-ci. Il bon, faut faire des screenshots, il faut screener. Euh, <laughs> c'est dingue qu'on ait... Ouais, c'est... Qui tient... qui tient son bastion fermement avec Miwok. Ah ouais, à fond. Et <laughs> ah ouais, ouais, chapeau ah. vraiment à, à vous tous. C'est une jolie énergie voilà, de la graine. Ah ouais, moi, je, cette énergie-là, c'est super cool, quoi. Il ouais, y a encore pas mal de euh... gens hein, sur le live. Il hein. encore pas mal de ouais, gens. Ouais, et enfin. le pire, c'est que c'est beaucoup d'anciens de beaucoup la citadelle. Hein. Franchement, okay. les gars, vous faites plaisir, quoi. À quand du merch pour la citadelle ah, t'inquiète, <laughs> je, je, je ferai des caleçons rien que pour toi. Je ferai des caleçons, <laughs> <et> puis, tu... <laughs> non, non, c'est euh, vraiment excellent. Là, euh, ce qu'on va faire avec, euh, avec François, avec, euh, avec Scan, avec toute la Ouais, Scan, on l'a pas... Euh, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de, de vous en parler. Pourtant, il fait un boulot vraiment admirable. Euh, je, vais, je, vais vous filer un, je vais vous filer un lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait. C'est son... C'est les projets sur lesquels il, il bosse c'est son, son dribble. Euh, Scan, moi je l'ai connu, un, au départ il est journaliste, il s'est formé tout seul au motion design, c'est un, un fou mais c'est un fou génial et il est tellement humainement, moi c'est quelqu'un, j'ai vraiment accroché avec lui dès le début parce qu'on sent qu'il il se cherchait une voie dans le journalisme avec une capacité à pouvoir raconter des histoires avec le motion design, il s'est formé, il est d'une exigence folle et d'abord avec lui-même, c'est ça qui... Parfois passe pas très bien auprès des autres parce qu'il est aussi très exigeant euh, en dehors. Mais aujourd'hui, il, il, il signe des plans pour euh, Dune. Il travaille aujourd'hui sur, euh, sur des films comme Black Panther 2. C'est hallucinant. Et il a bossé avec 24 au début, euh, Alain. Il, il, a, il a travaillé ouais. avec vous pour mettre en place une partie des, une partie des workflows. Euh, il fait. Voilà. Euh, J'en ai pas encore parlé aujourd'hui, mais c'est important parce que c'est quelqu'un avec qui moi je, il y a une affection particulière aussi. Et. Et c'est pas toujours les jours faciles, mais c'est ça aussi qui fait la richesse des, 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 des relations humaines. Et, euh, et donc voilà, il n'était pas avec nous, il est à Londres, il a, il, il a dû faire 43, 43 tests PCR avant de partir, en arrivant, pour pouvoir, pour pouvoir donner, donner cours là-bas. Mais euh, voilà, j'avais envie de lui faire un coucou aussi, je ne sais pas si nous entendra, mais comme ça, euh, ça me paraissait que de juste. Il pourra t'entendre en replay, au moins. Yep. Si. Voilà. Si, si il va jusqu'au bout des 3 heures, c'est <laughs> pas sûr. <laughs> on, lui, on lui dira d'aller directement à la, voilà. la 3 voilà. heure. Euh, on a. On a euh, T'avais déjà vu une interview Oui, oui, il a, il a, il a fait des trucs sur, sur, sur Adobe. Il a. Il a il, voilà, il a vraiment. Il a fait pas de truc. Euh, salut Tanguy, merci beaucoup. Euh, bonne bonne nuit à toi. Merci de nous avoir suivi jusqu'ici. Tu fais partie de ceux qui, depuis le début de ce que je fais, euh, fais, fais vraiment partie de ceux qui me challenge et, et, et me pousse à continuer à essayer d'être bon. c'est cool. Merci, merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Ah, euh, euh... T'as donné le mauvais lien de la citadelle euh, ah. dans le chat. J'ai mis quoi euh, T'as mis la citadelle, un, une autre citadelle. C'est celui-ci la citadelle Discord, le nôtre Attends, c'est moi, moi qui ai mis un mauvais lien Ah ouais, le Nightbot, le Nightbot il, il donne le mauvais lien de Citadel. Ah merde euh, Ça, il faut que je le fasse remonter à John. Il faut mettre ça dans le. Il faut mettre ça dans le chat. Euh, dans, 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 dans le Discord. Il euh, faut le faire remonter parce que c'est. Euh... Nightbot. Euh, ouais, ouais, le Nightbot, c'est euh... John qui l'a setupé. Hop. Euh, je vais lui. Sorry, désolé. Ça, on va le on va le changer euh, qu'est-ce que j'allais dire pourtant c'est le lien david Discord classique ah voilà merci John je sais pas putain quelle réactivité ouais mais nous on a, on a un lien euh, spécifique pour notre Discord on a, euh, parce qu'en fait on a, on a un Discord qui est au dernier niveau euh, du Discord enfin de ce que propose Discord et en fait on a des sécurités en plus on a des euh, on a des, des accès en plus on, voilà on a plus de choses voilà. Vous avez le full booster, tous les... Tous les... C'est ça. Okay. Du coup, on a un lien personnalisé et tout. Et puis en plus, là, on l'a re-personnalisé parce qu'on l'a connecté à un site qui sera le futur site de la citadelle, okay. sur lequel on va aussi s'amuser. Euh, on pourra en parler si vous voulez un jour. Euh, on va aussi pas mal s'amuser. Il y aura deux sites, un site bêta, un site alpha, on va dire, qui sera mis en avant. Et le site bêta, euh, n'importe qui pourra faire des, des tests dessus, upload des choses. Et euh, c'est pour mettre en avant les, euh, les développeurs, tout simplement. Et faire en sorte de faire découvrir des développeurs juniors euh, qui ont envie de s'amuser avec nous. Quoi. Génial. Mais oui, euh, merci, Farkechap. Il y a aussi Bitcoin qui parle bien des cryptos. Je pense qu'il est de... si vous, Si vous connaissez des gens en Belgique, si vous connaissez des gens qui ont envie de, de, de... entre aujourd'hui et euh, euh, bah, fin décembre, au moment où on va rentrer en studio, n'hésitez pas à, leur, euh, à les pinguer avec bah, ce qu'on a fait ce soir, avec le Discord euh, d'Evanac.media pour venir nous rejoindre et pour continuer à construire la. la... Euh, à, à, continue à construire je vais vous le montrer comme ça ceux, ceux que ça intéresse comme ça je, je vous montre une fois le discord euh, là aussi hein, on, on l'a setupé en, quelques, en quelques, coups de, quelques coups de cuillère à peau pour que ça puisse fonctionner euh, et où on va euh, travailler à livre ouvert euh, avec vous, avec tous ceux qui ont envie de nous rejoindre entre maintenant et le, la production du pilote et le, le, le tournage pour vous montrer comment on avance euh, hop, je vais basculer euh, je vais basculer sur, quoi sur ça et... Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a typiquement euh, monsieur Teka. Ah, monsieur oui. Teka, il est belge, oui. Exactement. Euh, il est belge. Et il est belge, et en plus, lui, il est, euh, il est particulièrement calé. Il fait beaucoup de mining, hein, c'est ça Oui, ah, ouais, tu, il tu... est calé dans le mining. Ouais. J'ai regardé des vidéos. Après, euh, il, est, il, il est calé dans le mining maison. C'est ça. Ouais. Euh, alors que si bien. vous voulez plutôt toucher du mining industriel, ce sera plutôt. Euh... Euh, Serge, du coup. J'adore la question, excellent math euh, Oui, Twitter, je n'ai pas pu suivre. Il y a quoi, une question qui vient de Twitter, je te la remets ici. Hop. Euh, le Davanek, il va chercher la ressource dans le futur du contenu média pour créer du contenu traditionnel. Euh, je vais la ressource dans le futur du contenu média pour créer du contenu traditionnel. C'est une façon de voir les choses. Euh, on va pas diffuser du Twitch en télé, hein. c'est pas ça qu'on va faire. On utilise Twitch pour avoir des conversations, pour faire remonter des, des liens, faire remonter euh, de l'intelligence collective, pour ensuite créer euh, un média, enfin du média, du contenu plus traditionnel, oui. Mais c'est pas un jugement de, de, de valeur. Je, je pompe pas des vidéos YouTube pour faire des émissions de 4 minutes en télé. J'adore que... ce mot euh, intelligence collective. Hmm. Bah, c'est un peu ça, mais, mais voilà, c'est sans, sans prétention, mais euh, je vais aller voir, euh, je vais aller voir le tweet. C'est intéressant de pouvoir y répondre ce genre de choses, c'est intéressant. Je ne sais pas qui a, qui a posé la question. Euh, je vais décompresser un peu. Salut Raph, merci, merci à toi, c'est vraiment cool. Merci aussi d'avoir ajouté tous les, tous les liens dans le, dans le Notion. Euh, évidemment, c'est ça qu'on va, qu va utiliser. Euh, et donc ici pour le pilote, bah, si vous rentrez dans le, si vous rentrez dans le, dans le Discord, bah, vous voyez, on a, on a créé un fil qui va vous permettre de venir euh, euh, regarder comment, comment on va travailler, comment on va fonctionner pour pouvoir le pour pouvoir construire la mission à chaque, à chaque réunion qu'on va avoir, à chaque moment d'étape, à, voilà, à chaque fois, évidemment, qu'on va utiliser les ressources qui sont, qui sont dans le wallet, on va, on va vous tenir au courant, vous dire comment on les a utilisées, pourquoi on les a utilisées, à quoi, à quoi ça a servi, etc. etc. Bien sûr, ça, c'est vraiment l'idée. Euh, hop, ma zone de confort, oui. le média traditionnel. <laughs> bah, J'ai 44 piges, je pense que je reconnais. au la... oh, Michael, je pense que je reconnais ta. Euh, ta profil picture je suis pas sûr mais c'est un peu petit là euh, mais oui oui c'est une zone de confort et en même temps là je, je, je peux te dire que je suis méchamment sorti de ma méchamment sorti de ma zone de confort. <laughs> tout ce qui m'a être <laughs> passé là aujourd'hui, putain. Euh, je je, pousse, je pousse dans ces retranchements, Edouane, euh, avec là. <rire> <rire> mais c'est ça qui est vachement cool. Est-ce que vous comptez faire l'émission sous forme d'animation, comme le documentaire Arte ou autre, car les émissions permettent une vulgarisation, une visualisation plus simple. C'est un enjeu, je pense qu'on va essayer de, de demander si on a l'autorisation de reprendre un certain nombre de visualisations, notamment du documentaire d'Arte. La visualisation de la blockchain telle qu'ils l'ont en fait, moi, je la trouvais tellement, tellement tellement bien. On va voir si on aura, si on aura le droit de le faire euh, et comment on pourrait éclairer ces droits-là pour pouvoir les utiliser. Je trouve que ce serait vraiment vraiment utile. Et si effectivement on, on, a, on a la capacité, mais là on, peut, on pourrait décider euh, d'allouer de, de, des ressources pour éventuellement avoir de, euh, ouais, de la visualisation sur des choses qu'on qu pourrait pas montrer autrement. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir essayer de montrer euh, avec des vraies images, on va le faire. Si on doit passer par le fait de faire euh, un peu de motion design, on le fera aussi. Mais pour le pilote, je crains qu'on soit euh, vraiment short en temps en fait, mais ça ne veut pas dire que pour la suite on ne pourra pas, hein. parce que parce que entre le moment où le pilote va être tourné et euh, euh, le moment où le pilote va être tourné, le moment où il pourrait être diffusé, il se passera encore du temps qu'on va mettre à profit pour faire l'édition et pour pour vraiment monter faire toute la post prod, euh, on pourrait euh, on pourrait imaginer que ce temps-là on le mette à profit aussi pour se dire bah là on a besoin d'une visualisation, on a besoin d'une infographie plus plus percutante donc faisons-le quoi. Euh, oui, oui, ça c'est tout, tout à fait quelque chose qui est, qui est possible. Euh, Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu En blockchain Wallon, il y a Steve de Gosserie côté dev. OK Je connais pas du tout, mais euh, top. Euh, oui, oui, à fond, on a, on a eu Denise Bourneau de, 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 la, de, de WildChain qui est venu nous parler tout à l'heure. Euh, euh, oh, Michael, mais euh, voilà. Il va falloir que tu C'est Stéphane, non J'ai l'impression que c'est Stéphane. Euh, oh, yeah. <laughs> Merci Matt <laughs> d'être abonné. Euh, JP Rosette, XCO, Honor de Cara du Châtelet, côté invest Crypto. Super! Et j'imagine NRB et Leila rebout côté crypto pour les assurances. Ben voilà, les assurances, c'était typiquement le truc avec des qu'on qu cherchait à pouvoir avoir. Donc, euh, super, super contact. Si tu as des contacts, si tu as les, les adresses mail ou, ou numéro de téléphone, encore mieux. Si, ou si tu peux nous mettre en relation via LinkedIn, par exemple, euh, avec, avec ces gens-là, ce serait vraiment top de pouvoir euh, ben, ne ce que leur dire ce qu'on fait. Et puis, éventuellement, on discuter avec eux de voir comment on pourrait les amener en plateau. Le côté assurance. On, on, on est arrivé dans la conversation ici à dire qu'il y avait un vrai. Stéphane Pir, il me semblait bien, on dit Ju. I'm sorry. Welcome Stéphane. Euh, et merci pour ta question. <laughs> euh, ça, c'est vraiment un truc sur, sur, sur les assurances. Avec ce qu'on a vécu avec les inondations en juillet, on a, on a un bel exemple pour montrer comment les assurances pourraient utiliser la blockchain pour être plus efficaces et pouvoir. Voilà, amener plus vite de manière automatique euh, euh, des smart contracts à se, à s'enclencher pour euh, pour euh, aller euh, bah, filer la thune à ceux qui en ont besoin, quoi, ceux qui les sinistrés. Voilà, euh, vraiment super contact, ça c est, c est, ce serait vraiment top, Sef. Euh, parlons pas de pensée, surtout, au risque, de faire tous les indécis Ah non, ça je pense qu'effectivement c'est pas le terme qu'on va utiliser. Euh, top. Bon. Bon, euh, Alain, ben, un, un grand merci d'avoir été là. On fait, on jette un dernier œil sur le sur le wallet. Hop. Enfin, un dernier refresh. Je pense qu'il a pas trop bougé depuis et le la, temps. Il a plus bougé là. Il n'a plus bougé. Bon, ah ben putain, quel soir, quel soirée. Quelle soirée. <laughs> Repasse peut-être en voilà. <laughs> putain, je me gratte les cheveux que j'ai plus. Ouais. Euh... Gratie que j'ai encore, patio, mais euh, putain. Euh... Non, mais putain, c'était vraiment vraiment cool. Et, et en quiet, même temps... hein. ouais. Non, je disais qu'on allait te rajouter des cheveux dans le métavers, t'en fais pas. <rire> <rire> euh... Non, et euh, vraiment cool. et, et, et... Complètement perfectible. J'ai plein d'idées pour faire d'autres trucs après, pour, pour encore mieux faire attention à ce qui se passe dans le chat. Pour euh, voilà, il y a, ça ouvre ça ouvre tellement de euh, tellement de trucs. Je comprends pourquoi Matt, tu trouves ça tellement excitant d'être dans le. Merci. Je le vois pas. Il faut que je le mette en plus en plus grand. c'est Cryptologix euh, Il m'a il m'a off... offert un sub à ta chaîne. Ok. Waouh. Merci beaucoup. Merci. 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 Euh, je, 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 je suis déjà dans le ponzi hein, euh... <laughs> <laughs> mais voilà euh, très très content d'avoir fait euh, tout ça c'est qu'un premier pas maintenant il faut falloir redélivrer ça ça va être, ça va être, ça va être... mais voilà c'est c'est notre job et, et ça c'est vraiment cool de pouvoir le, de pouvoir le faire de cette façon là et cette notion d'accountability donc de redevabilité ça me va droit euh, là où j'ai les sentiments les plus chers. Voilà, donc merci à vous. C'était vraiment cool. On se, retrouve, euh... bah, on se retrouve très vite parce que dans le Discord, on va continuer à en causer, évidemment. On va, on va continuer à bosser avec toute l'équipe pour vous euh, concocter ça. On va, on va continuer à travailler avec Alain, avec Fabienne, avec toutes les équipes d'Ellen24 pour aller chercher les images qu'on pourrait aller chercher dans les agences. On va prendre tous les contacts que vous nous avez donnés. Bah, on, va, on va faire feu de tout bois maintenant avec tout ça pour essayer de d'aller chercher la substantifique moelle de, ce, de, de cette conversation et d'en faire une faire une super et chouette émission quoi. Si vous avez besoin de, de besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas de passer à la citadelle pour pour avoir euh, du contenu. Il <laughs> n'y a pas de souci quoi. À fond. Et, et par rapport euh, et par rapport à l'usage qui va être fait euh, des euh, des cryptos que vous nous avez euh, euh, envoyé ce soir, on va on va évidemment faire des émissions dédiées à ça parce qu'on va apprendre. Alors, vraiment en mode on va, on, va, on va apprendre à comment les comment l'utiliser comment euh, la placer correctement avec les notions de défi euh, pour pour lui faire faire des petits voilà et pour, pour décider de ce que de ce qu'on va en faire et comment on va la louer euh, dans les dans les jours et dans les semaines euh, et dans les mois qui vont venir. Voilà. Bah, on va de apprendre, de apprendre de comment de se faire cool et perdre tout son argent euh, et tous ces trucs là <laughs> mais on appellera Florent oh, merci euh, merci beaucoup pour il faut vraiment que ça je le change dans mon prochain euh, dans mon prochain setup sur OBS donc <laughs> que je vais dois... enfin <laughs> oh merde je pensais que j'allais pouvoir y, y couper mais non je n'y couperai pas donc voilà Um, vous nous faites confiance, vous faites confiance également aussi une belle de bah, euh, génial. Merci, euh, merci, Far Ketchup, oh, merci mais, un, euh... un grand merci au panda. Vraiment... <laughs> merci, merci à vous. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé de discuter avec un avatar panda. <laughs> <laughs> C'est la, fait... la première fois. fois. C'est effectivement la première fois. Mais je suis on un va peu les faire. Jaloux, évidemment, parce que je vois que le, le panda et on dirait presque en 4K tellement il est, il est net par rapport à moi. Quoique la, la, la caméra de, de Damien n'est pas mal non plus. C'est moi qui suis un peu barrant en cours, là, visiblement. <laughs> il faut encore qu'on décide où on va pour le raid. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous avez des euh, idées Ce soir, il, il est peut-être un, peu un peu tard pour raid quelqu'un, ouais. mais on peut trouver. Hein. Okay. On peut euh, trouver je, remonte, peu je remonte encore en vitesse dans le. Attends, avec bon, gens, et quoi? On y va Alors, vers généralement... ce train de la hype en mécanisme. Et on a, on a plus 3,96 <laughs> Bah Oui, ils ont tout mis. Hein. Ils ont tout mis. Hein. Ils ont tout mis. Tout est parti dans le tout est parti dans le ponzi. Euh, on va donner ça euh, à quelqu'un qui va recouler l'intégralité de l'argent. Donc euh, voilà, euh, un hacker dans le monde va nous remercier. Voilà. <laughs> Un petit press release sur ce premier accomplissement, pas le rock pool mais le financement. Un press release là-dessus, euh, oula. Bah, on va d'abord écrire, on va d'abord le faire. Bah, C'est vrai qu'on a déjà fait un truc, mais bah, on, va y... on va y aller cool là-dessus. Si des gens ont envie de s'y intéresser, évidemment on va pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils ont envie, mais on... moi je suis pas du tout dans ce mood d'aller pour régler là-dessus. On va s'en servir pour raconter plein de choses. Et si ça marche, Inch'Allah, on aura plein de trucs à raconter. Mais pas maintenant. On va d'abord le faire. Euh, là, on a les deux mains dans le cambouis, donc euh, euh, voilà. Mais évidemment, s'il y a des gens qui s'y intéressent, on pourra pas. Voilà, c'est cool. On le fait publiquement, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est aussi pour que d'autres s'emparent de ces mécaniques-là. J'adorerais que d'autres journalistes s'emparent de ce genre de mécanique et, et y aillent, quoi. Euh, alors, quoi Save from 100 oh, okay. Premier de live. C'est mais... quoi Je ne sais pas ce que c'est. C'est euh, en fait quand tu atteins un certain niveau d'abonnement. Euh, tu as euh, Twitch qui te permet d'avoir accès à certains emoticons par exemple. D'accord. Voilà. Donc ça okay. fait de, de toi, ça, ça valide le fait que tu es un streamer. Félicitations. Ah, putain. Bah c'est cool. Merci, merci, merci beaucoup. C'est, ça me touche. <rire> Et <rire> ouais, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas ce que je peux faire d'autre là, là, tout de suite pour vous remercier. Mais c'est, non non, c'est, c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool. Et donc on va euh... voilà on va on va avancer sur ce sur ce, sur ce terrain là. Euh, je remonte encore une dernière fois le chat pour être sûr de ne pas vous avoir euh, de ne pas avoir oublié des gens. Où se trouve l'adresse du wallet Benji euh, Si tu tapes euh, euh, c'était quoi c'était comme ça je pense. Il va pouvoir s'afficher tu vas pouvoir tu vas pouvoir le trouver. Euh, merci Chaos merci Matteo merci euh, Michaelino qui est-ce qui est encore là Hop, euh... Si tu veux remercier tout le monde, t'as pas fini, hein. on va y passer pas la soirée. <laughs> ouais. en fait, J'ai un, un tout petit curseur pour remonter mon ascenseur et il descend pas, je, je, je comprenais je, je pas. Je veux dire merci à tout le monde à ce niveau-là. <laughs> merci d'avoir été là. Hein. Ben, 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 je, je, vous, je vous remercie fini. tous euh, à fond, à fond les bas. Euh, merci Alain d'avoir été là, c'est vraiment cool. Faire monter tout ça bien. en interne, je sais pas comment, je sais pas, mais... Ouais. Bah, si je pense qu'il y, y a un bel, un, un beau proof of concept là qui est en train de, de porter de le bout 60. de son âge. Ouais, ça va, ça va, ça va être J'espère que c'était une bonne expérience pour tout le monde surtout. Bah oui. Alors, non, en ouais. tout cas jusqu'à présent c'est parfait donc tout va bien. <laughs> Chaos qui me dit faut que je bosse mon Twitch. Ouais. Mais on va on va faire des trucs. Hein. On va on va on va évidemment ça donne ça donne envie. Quand on voit ça c'est ça peut que donner envie. J'avais euh, faire des faire des lives j'en ai déjà fait un paquet. Mais pas avec la qualité de, voilà, de, de tout ce qu'il y avait là aujourd'hui, ça c'est clair. Et donc, euh, voilà, mais chaque chose en son temps. Et, euh, ni faux mots, ni regrets. <laughs> <laughs> ça peut faire une bonne baseline, ça. Ça peut faire une bonne baseline. Merci Jérémy, merci Virginie. Ouais, c'est cool, il faut vraiment que je remonte tous les chats. C'est vraiment cool, voilà, je pense que je suis arrivé au bout. On, on regarde en vitesse euh, chez qui on va Euh... En vrai, je pense qu'il vaut mieux couper là. Je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde va aller se Ouais, Comme vous voulez. Une prochaine fois, Merci à tous en tout cas. T'as pas une pas une page de fini. Bonne soirée. Une page de fin. Ah, bah voilà. Il faut que je bosse mon Twitch. Ah bon. Allez, les gars, désolé, désolé. On travaille avec des pommeurs. C'est ce qui arrive. Une dernière mandale pour la route. Pan. Allez, mange celle-là. Tu l'as pas tu l'as pas volé. Attends, je pense que j'avais un truc qui ressemblait. Ah, attends, attends, attends. Je sais pas si ça marche. Hein. Je, moi, vous voulez pas si ça plante. Hein. Mais j'avais j'avais un truc qui datait. Mais je sais pas si ça marche. Euh, si je fais ça, ça donne quoi Ah 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 Ah, 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 ok, ok. ah, 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 ah merde, c'est pas le bon Open Newsroom, c'est la merde. Mais on a compris le principe. Coupez tout On coupe Bêtout. On coupe Merci à tous <laughs> ciao. Je pense qu'on va dire bonne soirée à tout le monde. On va couper à l'ancienne. Hein. <laughs> bon, je, je, je coupe à l'ancienne. Ciao. En cas, merci merci euh, encore à tous. Allez, à euh, merci Davanac oh. et merci Alain d'avoir été là. C'était super bien. agréable. Mais ah oui, il faut le poivre. Merde, il faut le poivre. Je peux pas couper maintenant. Il faut, il faut que vous m'envoyez tous les, tous les screenshots. Balancez tous les screenshots que vous avez pris pendant l'émission. On va vous bah, faire le poivre qui peuvent... va avec. Ils peuvent te l'envoyer sur Discord. Vous me l'envoyez sur Discord, ouais. voilà. Bon. Dans Discord, ah, vous bon. me balancez tous les screenshots et euh, je vous fais un poids pour demain matin. Enfin, de... oui. Non. Ok. <laughs> est gag, du con. Je vous fais un point, promis pour tous ceux qui étaient dans le chat aujourd'hui. Ciao. <laughs> bye bon, bye. Bon. <laughs> et là, on a la liste de tous les, de tous les users, donc ça c'est vraiment cool. Encore un grand merci, les gens. Merci à vous, c'est cool. <laughs> bye bye. Merci à tous.